Yes, yes, et yes, merci Iris Desmarais pour ce deuxième mois. On arrive d'ici quelques secondes. N'hésitez pas à retweeter le live avec le hashtag LCF. On est énervé et on a déjà du monde en vocal. bonjour à toutes et tous comment allez-vous bienvenue dans ce LCF LCF 118 e du nom comme les numéros que plus personne n'utilise parce que bah en fait on a internet et déjà à l'époque on avait internet yes, les yes, numéros yes, en 118 merci Asuka pour ce dixième mois qui fait approcher un train de la hype je ne comprends toujours pas la logique du train de la hype mais en tout cas c'est stylé merci à toi à la, euh, la cuisine en bleu je trouve que l'éclairage est moche voilà c'est un petit peu mieux D'accord. Et je vous accueille aujourd'hui sur l'OST de Batman Arkham City. Euh, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de copyright. J'imagine que vous l'aviez toutes et tous reconnu. Est-ce que vous avez fait la saga des, des Batman, messieurs. Absolument parce pas. Parce que je n'ai que des messieurs avec moi. Est-ce que je vous ai des mutes Oui, je vous ai des mutes. Je vais faire comme euh, origine, il me semble. Et moi, Mais je, je les ai tous peur. dans mon backlog. Vu que Epic les avait tous filés gratos à une époque. Euh, mais par contre, euh, mais par contre euh, Les seules fois où j'y ai joué c'était sur PS3 Chez mon pote et j'ai jamais lancé C'est toujours le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le temps De jouer aux jeux qu'on a Problème de riche Problème de riche oui. ou pas Vu qu'en fait euh, sur PC les jeux c'est pas tellement Le prix le problème c'est de toute façon Le temps. Salut Moura, salut euh, Plotipus, salut toutes les personnes Qui sont en lurk Et salut Aurélien qui est avec nous aussi Est-ce que tu veux saluer les gens voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut jouer sur une console à votre Batman là Je ne me criez pas de manquer les pages 3 À l'époque, vu que j'y avais joué comme je disais sur PS3 chez mon pote, euh, ouais. J'imagine. Je sais pas si hein. sur toutes les consoles. Ouais, bah, ouais généralement. Xbox 360 là, avec le Game Pass, tu dois pouvoir le trouver quelque part. Tes... Tes Arcane, euh, euh Je pas. sais pas. Ça c'est ah, oui, une avis, bonne question. Dans tous les Game Pass. Hein. Euh, ouais, non, peut-être pas dans le Game Pass, mais. Mais par contre, généralement ils se font pas chier pour te ressortir une édition du jeu et, euh, et, te la, et ne pas du tout la retravailler et te la faire payer comme si c'était un prix neuf. Ça c'est la spécialité oui. de Nintendo sur Switch. Et de, là j'ai vu récemment Konami qui te vend Metal Gear Solid 1 et en fait c'est juste un ISO. Un ISO ah. de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation avec un émulateur de merde. Super mal configurable, alors qu'il existe des très bons émulateurs. Euh, mmh. Donc vraiment, ça tués. te donne juste envie de télécharger l'ISO euh, par toi-même et d'y de, de jouer. C'est illégal, ne le faites pas. Mais ça donne juste envie de faire ça, vu que de toute façon, c'est ce qu'ils te avec vendent. Ils te vendent un truc qui a été piraté. Tu vois, sans les pirates, ils ne pourraient même pas vendre Dans ça, en fait. c'est vraiment une hypocrisie. Enfants. Ah, as la, la publicité. T'as vu la pub héros sur YouTube. Hein. Ils sont spécialistes que... là-dedans, euh, Nintendo, de te revendre des, des cracks. Il y a même des gens qui ont prouvé que c'était que ce que vendait Nintendo c'était bien les ROMs qui avaient été dumpées ouais. par les gens parce que parfois les gens signaient dans le dans le code etc Donc euh, voilà, donc c'est genre Nintendo te revend alors ah il y a aucun travail de qui paradise c'est qu par oui. un délire. De Emu Paradise à l'époque ceux qui s'en souviennent. Je crois que ça a fermé depuis. Hein. Pour un peu de politique aux, aux jeux vidéo, je suis en train de me demander si euh, la planche de salut pour tous les joueurs ce serait pas que les euh, entreprises qui créent les jeux, les éditeurs tout ça, les développeurs ils autorisent à avoir euh, certains, je sais que ça existe pour très peu de jeux vidéo, mais euh, un conseil des, des joueurs. Vous savez, les joueurs se réuniraient et donneraient des. Euh, et, les éditeurs écouteraient les conseils des joueurs. Tu sais, euh, parce que vous, vous avez. J'entends tout le temps les joueurs, les gens qui jouent à fond, dire nous, on aurait fait ça, ou des gens, ils ont développé un patch pour jouer à, comme ça à ce oui. jeu. Et... Non, maintenant, c'est l'inverse, en fait, c'est en fait, qu'ils se disent, Oh, bah, il y aura bien des gens de la communauté qui vont moder le jeu. Donc, c'est bon, bah va les couilles de le développer jusqu'au bout. Il y aura bien des modeurs qui amélioreront le je veux dire, euh, Non, mais oui, bah oui. Mais, oui. ben oui. mais c'est ça. Mais Testa, ah, la musique là. il il est trop forte ah oui, c'est vrai que moi je ne l'entends pas comme vous. Attendez. Merci de m'avoir prévenu, euh, Moura. Effectivement, la musique est beaucoup, beaucoup trop forte. Je l'avais baissé pour nous et pas pour vous. Du coup, on ah. se rendait pas compte. Voilà, le problème ah. est réglé. Merci de me l'avoir signalé. Salut les islamo-gauchistes. Salut à toi, Julien. Et Satil qui vient ah, vous dire oui, bonjour, alors, mais qui passe par un autre côté que d'habitude. Merci, Francis Jambon. Euh, Jambonque euh, pour le follow qu'est ce que tu veux faire satis elle ne sait pas elle hésite beaucoup mais en tout cas elle vient vous saluer vous rappeler qu'il faut soutenir cette émission euh, sinon bah sinon tout simplement on boude et on ferme boutique un moment euh, à ce sujet je voulais remercier du coup toutes les personnes qui aident cette émission euh, notamment sur tipi à savoir à savoir Snuggly, Crax, Jujumous, Aurelia, l'anonyme, les anonymes, il y en a deux. Victoria, Calex, Norcadlol, Rodpa, Apatechno Techno et Dracon. Ah, du coup, il y a un des deux anonymes, euh, je crois qu'il s'appelle Jed. Euh, je sais pas pourquoi c'est Jem, euh, voilà. J-E-M. Eh bien, merci euh, beaucoup à toi. Jem, je ne sais pas pourquoi tu sors en tant qu'anonyme, mais ça fait bien plaisir. Elle se fait les griffes sur la table de mixage, tout va bien. Non, il n'y bah, a pas de table de mixage, mais on ne fait pas les griffes ici. Elle va les faire sur son arbre. Et normalement, elle devrait faire le dodo assez prochainement. De quoi va-t-on parler aujourd'hui bah, On va pr par principalement parler euh, des tanks israéliens qui, ce matin, au petit matin d'ailleurs, euh, sont rentrés euh, dans Gaza. Euh, et donc voilà, ce sera l'occasion de parler du sujet aussi plus largement. Euh, j'ai pas mal de vidéos de React de côté, notamment partager ces sympas sur la 69, comment s'informer sur France Culture, qu'est-ce que j'ai d'autre, euh, une vidéo Faflix de... Euh, c'est qui, euh, qui qui avait fait ça, je ne sais plus, je vais vous dire Street ça Press. tout de suite. Ouais c'est Street ouais, Press, c'est ça. J'ai déjà maté moi la vidéo euh, Faflix. Tu l'as vu vraiment, en live euh, Ouais je l'ai regardé. en live. Après j'ai regardé la partie okay. 1, je sais qu'ils ont prévu une trilogie, donc je sais pas de quelle partie tu parles toi. Ça c'est la partie 2. Oh yes ouais. C'est tellement glauque, hein, franchement ça donne envie de... Enfin ouais c'est vraiment... Mm. Ah, c mais bon, c'est. Alors, pour, pour, pour rappeler, juste pour me remémorer, c'est l'équipe de jeunes euh, casse des gueules, c'est ça, euh, premier l'épisode 1 C'est ça, c'est des mecs un peu. C'est des fachos qui. Euh, ils, ont... ils ont chopé un téléphone. Et, euh... Tous les épisodes, mais... c'est des fachos qui cassent la gueule euh, ouais. de racisés, de minorités, de gauchistes, ou ce qu'ils estiment être des gauchistes ou, ou des minorités. Ouais, et là, il déconstruit, c'est de... des gamins, hein, vraiment, là, pour le coup, euh, dans la partie oh. 1, c'est vraiment des gamins de, de 18-19 ans, même pas. Ils sont pas beaucoup plus vieux dans la partie 2, on verra. J'ai aussi, bah, en optionnel, hein, je vous ferai sûrement voter, Micode en featuring avec Jamie, <laughs> qui nous parle de conservation de données, et euh, un, un sujet d'une petite chaîne, mais qui a l'air de cartonner euh, par rapport à sa chaîne, genre il a 2-3 000 abonnés, et la vidéo est déjà à 40 000 vues. Le jeu vidéo, un monde de solitude, Bah écoutez, c'est la question auxquelles on répondra peut-être ensemble. Et toi, Kali, tu avais deux sujets, et notamment ton oui. premier sujet, non, je vous promets, il ne se moque pas de vous, c'est ça sert à rien les sujets. Exactement, <laughs> mon premier sujet, c'est les sujets. C'est est-ce que finalement, lancer un stream avec un sujet, c'est pas un peu surcoté Voilà le hum... débat que j'ai envie de lancer. Quoi. Bah, t'as peut-être toi un peu euh, habitué t'as commu à ne pas spécialement en avoir et justement que toi ce que tu vends euh, aux gens entre guillemets c'est je regarde les vidéos que vous me proposez donc si tu l'imposes limite les gens ils se disent par rapport aux habitudes qu'ils ont prises chez toi on perd quelque chose euh, sinon avoir un sujet c'est une façon d'aguicher les gens aussi sachant que j'ai fait des centaines de lives avec sujet hein, je veux dire ouais. euh, c'est pas pour euh, voilà quoi je l'ai fait pendant très longtemps mais finalement est-ce que l'esprit d'un stream, c'est pas justement de pas avoir de sujet et que tout, en fait, tu as tous les sujets en même mmh. temps Tu vois ce que je veux dire Moi, je parle pas de rien. J'ai pas de sujet, mais je parle pas de rien. On parle d'un de... milliard de sujets différents. Mmh. Et donc, est-ce que tu vois, embrasser l'aléatoire le... des possibilités de sujet de ce que disent les gens genre... Juste quelqu'un dans le chat qui dit t'as vu ça bah ben, ça y est, c'est ça ton sujet. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ah, préparer l'avance des sujets, on donné que les sujets ils sont dans l'air et que les gens ont envie d'en parler et que tu t'es informé quand même sur l'actualité ça présuppose que tu es du monde, tu vois. Parce que moi, par exemple. Alors, moi, déjà, j'ai mon retour. Moi, par exemple, c'est super chiant. Moi, là, par exemple, on est 73. Il n'y a personne qui me propose de sujet. Donc, si je viens avec rien, bah en fait, on n'a rien comme émission, tu vois ce que je veux dire Au final, c'est parce que tu as 400-500 viewers, Kali. Mais mets-toi à la place de quelqu'un qui a moins de 100 viewers. C'est n'est pas que qui me propose. Non, non, je suis pas d'accord parce que tu en avais des sujets dans le, dans le chat. Regarde, il y a Moura qui, dit, qui parlait de, de Konami qui ont viré Kojima. Euh, Moura, il parlait également du fait que Nintendo de ne pas parlait de Bethesda et du... Tu vois, mm. ça, moi, je peux en parler pendant une heure. Il, il c'est parce qu'on parlait de Bethesda. Il a dit, le pire éditeur... Ouais, mais justement, tu vois, nous, on en a parlé naturellement parce que mm. voilà, on avait envie d'en parler, que c'était le tu vois, le truc. Et bah, en fait, le sujet, il est là. Tu vois ce que je veux dire Et quand, quand Moura dit, le pire éditeur de tous les temps, c'est de loin Blizzard. Moi, ouais, il y a un sujet là, tu vois. Est-ce que Blizzard est le pire éditeur de tous les temps Moi, je dirais que ouais. oui, c'est le pire parce que ça a été le meilleur. Voilà pourquoi bah c'est le pire. non, oui, c'est juste c'est simplement celui qui a connu la plus grande chute peut-être proportionnellement Exactement. au niveau auquel il était monté. J'ai des arguments, le pire c'est Nintendo. Pas juste. Non non, c'est pas juste pour sucer Blizzard et ah, moi Blizzard à l'époque c'était légendaire. J'ai des arguments. Pourquoi est-ce que Blizzard à l'époque c'était légendaire L'éditeur de map dans StarCraft, StarCraft 2 et dans Warcraft 2, Warcraft 3 surtout, l'éditeur de map de Warcraft 3 qui a juste grâce à cet éditeur de map, il y a je ne sais pas combien de jeux qui existent aujourd'hui. Bah, DotA 1 à la fond, base. MOBA tous, les MOBA. tous les MOBA existent grâce à l'éditeur de map de Warcraft 3. Donc quand tu as donné ça aux gens et qu'ensuite mmh. tu deviens l'entreprise la plus greedy, mmh. la, la plus celle qui a le plus faim et qui traite ses joueurs comme de la merde, ben oui, forcément la chute a est terrible. Mmh. Alors que Bethesda, moi honnêtement, Bethesda, jamais été fan. Donc pour moi, Bethesda, ils ont toujours été un peu nuls. Donc c'est vrai que j'ai pas ce truc, tu vois, j'ai jamais mis Skyrim par exemple. Je sais que je vais me faire détester de plein de gens. Moi c'est pas mon, pas mon, délire du tout. Je suis jamais rentré dans ce, dans ce jeu-là. Donc euh, c'est Nintendo voilà. les pires. pires. C'est des... les pires. Les mecs, ils ont des licences qui sont légendaires. Il y a des mecs de la communauté qui font des mods. Et quand il y a des mecs qui font des modes, au lieu de leur offrir un pont d'or parce qu'ils ont amélioré à mort le jeu, ils ont trouvé des super concepts et tout, non, ils leur font ils un les Parce que c'est pas eux qui l'ont. Parce qu'ils veulent absolument avoir la main sur tout et qu'il n'y ait personne d'autre. C'est Nintendo les pires, c'est des enfants. Mais Nintendo, oui, c'était. Ouais. Après Nintendo. Le truc c'est que Nintendo, ils ont donné tellement de licences cultissimes que j'ai du mal à dire Nintendo pire éditeur de tous les temps, tu vois. J'ai ouais. du mal. Non, du mal à la... En, en termes <laughs> terme de pratiques industrielles et commer... commerciales et industrielles, oui. Alors après, oui. sur oui. les jeux qu'ils euh, qui développent eux-mêmes en interne, ou même les quelques fois où ils sous-traitent les trucs, généralement, tu te retrouves pas avec des grosses bouses fumantes. Mmh. C'est pas tellement mon style, mais. Okay. Et bref, au-delà au au de ces, ces éditeurs, euh, oui, parce que justement, Savos, si il me dit vas-y, ne perds plus de temps à préparer des émissions, Diamond, c'est surfait. Je vous garantis que moi, mes émissions, je dis pas pour Kali, moi, mes émissions, si je les préparais pas, ce serait de la grosse, grosse merde, hein. Vraiment. Pas Surtout sur, euh, quand je parle d'international, si, si je me renseigne pas un petit peu sur les sujets, effectivement, il y avait Aska aussi qui nous disait euh, Attends, ne pas euh, ne pas zéro secondes sur un sujet euh, et en parler en mode euh, en impro. Bah soit tu vas pas dire que tu vas pas apporter grand chose aux gens et du coup quelle est la valeur ajoutée que tu proposes, soit tu risques de dire de la merde. Tu vois ce que je veux moi, dire Même moi, je dis de la merde de en préparant tu des tu sujets dis. une demi-journée des fois. Hein, mais... Non, non, mais laisse-moi répondre là-dessus parce que tu, tu as raison. Le, moi, je te dis pas, ne te renseigne pas, euh, débarque en impro et euh, genre, ah quoi, il se passe un truc en Israël Bon, ben, tu vois, je te dis pas de faire ouais. ça. Et je sais de son que tu, tu n'en serais pas capable parce que tu as ta routine médiatique, tu écoutes les matinales, tu lis des articles, tu te renseignes, tu le fais, tu vois. Ce que je te dis, c'est est-ce que tu as besoin de dire, bon, j'ai trouvé tel et tel et tel sujet Est-ce que finalement, les sujets que tu as préparés, ils peuvent pas yes, rentrer yes, dans yes, ton live Mario. de manière organique Merci Nocteau pour l'abonnement offert, Vada. De... Précisément parce que tu les as travaillés et du coup tu as dit ah oui mais j'ai lu un article qui parlait de ça du coup je vais en parler un petit peu tu sors l'article t'en parles etc mais c'est pas forcément préparé Non il y, pas... y, y a plein d'articles que je lis et j'en parle pas parce que je trouve pas ça spe... assez pertinent ou, euh, ou ouais, euh, si j'ai si pas, pas spécialement dans la conversation biscuit, ou... si, si ça vient, si dans la, ça vient dans la conversation, conversation. Mais il faut qu'il y ait une conversation déjà. Parce que, en fait, encore et... une fois, moi, si je fais un live où il y a personne qui me propose des sujets et personne en vocal, et je te garantis, moi, la dernière émission que j'ai faite cette semaine, il y a l'ours qui est montant en vocal. Sinon, j'ai fait toute l'émission, il y avait zéro personne qui venait me parler. Donc, si je ne prépare pas quelque chose, en fait, un juste, euh, bon, bah, je vais regarder la dernière vidéo du joueur du grenier et regarder avec moi. Et peut-être que ce sera sympa, tu vois. Mais euh, je ne ouais. sais pas si j'apporte beaucoup de plus euh, de valeur ajoutée, quoi. Si il y avait Edana uh, full droitard, de uh, full raciste uh, colonial, enfin voilà. Uh, ouais, voilà. Ben... En, en fait, Kali, toi, ce que je, si je comprends bien, toi, ce que aimerais, c'est que Damon y mette un peu le feu uh, virtuellement uh, à, à son à son déroulant, uh, à son son, son... À qui à la programme, son conducteur, voilà. Ouais, Mais ouais, oui. c'est que toi aussi. Euh, oh, même si Damon a une grande expérience de, de la radio et tout, mmh. toi, as super, on, enfin, on va dire que ça fait 15 ans que tu fais ça, Cali. tu as surperformé la radio libre en préparation, et puis un an, euh, même, Je te connais depuis au moins deux ans et demi, mais là, ça fait quoi Presque un an que tu vas faire, euh, que tu surperformes, le ⁇ j'arrive avec rien ⁇ et je vous fais des... Tu nous fais une Dani Raz. Dani Raz, ils arrivent, ils vont prendre un sujet, ils vont l'épingler pendant une heure et demie, ils vont ça, faire du développement de non. ouf. Et c'est totalement Dani Raz, Ils travaillent leur sujet de malade. Hein. Dani j'ai jamais vu des streamers autant travailler à part le diamant. Quoi. Il y a le ouais, diamant non, et Dani Raz en termes de préparer les lives. Hein. Non, mais vraiment. Dani en fait, le truc c'est que eux, ils préparent les lives pour donner l'impression que c'est pas préparé. C'est un, encore une autre strate. Après, évidemment, il y a de impros. C'est mon père qui disait euh, 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 sa définition du talent, c'est que c'était l'apparence de la facilité. Oui. Et Après, du coup, ça, nous, ça nécessitait du travail, mais qu'il ne fallait pas que ah, le mais... travail se voit. Mais ça, je suis d'accord à 100%. Ça se voit dans tous les domaines. Hein. Un sportif de haut niveau, quand il joue son jeu à son meilleur niveau, tu as l'impression que c'est d'une facilité fou, élémentaire. Et que ouais. n'importe qui pourrait le refaire, tellement ça paraît évident. Bah, c'est ça, le... Enfin, le talent et le génie et le travail, et voilà tout ce que tu veux. quoi ouais. Après, mais aussi le fond de, oui, ça peut aider. Alors, moi, moi voilà, ma haute tech, tu vois, c'est que en fait, Kali, tu as la, le même biais que... Euh, tu vois, le, le, le prolo qui a réussi et qui devient libéral derrière en se disant Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Et en fait, mais, qui est très bien intentionné et ah, qui va te dire Moi c'est comme ça que j'ai réussi, donc faites exactement comme moi. Mais ce qui a marché pour ce mec-là, ça ne marchera pas pour d'autres. Et en fait, toi t as, t as, ton biais à toi, je pense, Kali, mais peut-être ce n'est pas le cas. Peut-être c'est juste une concomitance, n'ont non pas une causalité. C'est que depuis que tu prépares plus tes émissions, euh, tu as peut-être 40 ou 50% de viewers en plus. Et du coup, tu te dis. C'est le secret. C'est pas que j'ai arrêté de préparer mes émissions que maintenant j'ai euh, plus de viewers. Et je pense pas du tout que ce soit ça. Mmh. Après moi, j'aime pas, pas quand tu dis que tu ne prépares pas tes émissions parce que je les prépare. C'est juste que je les prépare de manière mmh. plus anarchique et plus euh, tu vois, et moins peut-être professionnelle entre guillemets. Euh, mais après moi, c'est pas forcément au nombre de viewers. C'est plus au plaisir que je prends à streamer aussi. Tu vois. Clairement, depuis que je. Avant, quand je streamais que le lundi. Passer ma journée de, du moment où je me réveillais jusqu'au lundi soir 21h à préparer, à bouffer des articles, à préparer des trucs etc Et au bout d'un moment je ne je prenais plus de plaisir à faire ça tu vois. donc c'est moi, Pour moi c'est ça le plus important c'est prendre du plaisir Après toi je sais que tu ne le fais pas parce que euh, ça ne te donnerait pas de plaisir Mais parce que ça t'angoisse de ne pas avoir de, de conducteur euh, Non ça dépend tu vois par exemple justement euh, Quand on fait le couvre-feu chez toi et euh, bah justement des fois j'arrive les mains dans les poches et justement je me dis quel soulagement d'avoir rien à préparer tu vois bah, tu vois c'est bien on est bien quel mais plaisir. parce que pas, parce que je sais que, que chez, chez toi les gens euh, ils s'attendent pas spécialement à ce qu'on arrive avec euh, avec euh, justement un conducteur ouais, des artistes etc moi je tu te, moi, je te Donc, dis pas que je te veux pas donner Donc de limite, je, je me laisse porter par toi. Je me dis, j'écoute Cali euh, parler, je réponds à Cali, je discute avec lui. Et en fait, je me contente de faire ça mmh. dans les couvre-feux chez toi, tu vois. La Exactement. plupart du temps. Mais du coup, euh, ça, on peut le faire au couvre-feu, tu vois. Moi, je te dis pas comment faire tes lives. Je veux dire, loin de moi l'idée de te dire, oui, fais ci, mmh. fais ça. Et comme tu dis, j'aime mmh. pas ce côté genre euh, euh, le libéral qui a réussi, qui enfin, mmh. le, le mec qui devient libéral parce qu'il a réussi et qui dit, oui, il suffit de euh, de mmh. euh, se remonter les manches et tout. Je te dis juste pour le couvre-feu quelle l'émission qu'on fait ensemble. Vu qu'on est déjà deux. Et bon là il y a en plus Aurélien et, et l'ours Mais vu qu'en général on est deux voire plus On va se parler de base tu vois On va avoir plein de trucs à se dire Genre moi j'ai envie de savoir à quel jeu tu joues en ce moment Qu'est-ce que tu regardes comme série Qu'est-ce qui t'a plu récemment À Talk. Euh, tu vois Tiens, d à C'est d'ailleurs on va mettre l'OST À Coffee Talk épisode 2 Personne ne joue à ce jeu Mais Ça, tout bien, le monde devrait au moins hein. écouter l'OST euh, bah, C'est un jeu où tu fais du café à des gens Et tu écoutes ce qu'ils ont En fait il n'y a presque pas de gameplay Juste euh, tu écoutes les conversations des gens T'as même pas okay. de choix de dialogue, rien, tu vois. Juste, tu fais du café à des gens qui discutent le bout de gras. Et euh, c'est mon bon, jeu préféré depuis fait. deux mois. Euh, ouais, je dois pouvoir. Bah, bon je gameplay. peux même vous montrer mon propre gameplay, évidemment. Et, et, tu vas chercher ouais. ces jeux, je t'ai dit. J peut de gratter dans le fond du tiroir des, des jeux spéciaux, là. Moi, ouais, j'avoue. que n'avais pas entendu parler de hein. Non, je mais pas. moi, j'aime beaucoup les, les jeux narratifs. Donc, euh, à partir de là. À partir de là, ça, ça vient tout seul. Non, Alors, par contre, mais ça te plairait, c'est du, euh, du jeu... de Malheureusement, le créateur du, euh, du jeu est mort très récemment, assez ah, jeune, ah hein, il avait à peine la quarantaine. Ah merde. Et euh... Comment c'est euh... les jeux où il n'y a pas de monstre à tuer En général, ça m'ennuie assez vite. Il n'y a pas de monstre à tuer. Ouais, mais ça m'ennuie assez vite alors. <laughs> oui, je sais, tu, 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 tu kifferais pas. Moi, j'ai un petit peu euh, mon écran de Chrome. D'ailleurs, le, le, le peu de gameplay qu'il y a, il y a des trucs à reprocher. C'est que des fois, et ce qu'il faut. En fait, des fois, on te demande de, de, de faire une boisson. Alors, déjà, tu dois deviner. Donc, c'est un petit peu ça le gameplay. Tu dois deviner ce qu'il faut, qu faut mettre pour faire plaisir à la personne. Et c'est comme ça que tu débloques les différentes fins mais euh, par contre genre par exemple si tu mets euh, y a, il faut du café du lait et du miel si tu mets le lait euh, avant le miel ou le miel ah. avant le lait mais tu n'as aucun moyen de le savoir hein, et bah, ça ne donne pas le même résultat et du coup mmh. tu peux te foirer complètement voilà bah vous voyez le gameplay du jeu euh, qui comme vous oui. le voyez est assez passionnant c'est faire... sympa oui non par contre c'est surtout l'OST du jeu qui est complètement incroyable qui est complètement folle et euh, euh, moi je le bah, ouais. pas moi. Ben non, là je ne l'ai pas mise encore. Euh, comment s'appelle l'épisode 2 Il s'appelle Hibiscus and Butterfly. C'est ça. Et euh, elle est tout à fait légendaire, je trouve. Ça ils en ont enfin fait, un, fait une playlist euh, complète. Et bah ben, ça fait plutôt plaisir. Voilà. Est-ce que... Bah faut aimer le lofi encore une fois, mais est-ce que c'est pas beaucoup trop bien Est-ce que vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu juste pour passer des heures à écouter cette musique encore du pixel art pour boomer. Il faut arrêter ce... le pixel art, c'est pour boomer en fait. Aujourd'hui, les jeux indés, il y a tout le monde qui y joue. Il n'y a pas que des gens qui ont euh, 35, 40, 45 ans, tu vois. C'est une esthétique je... quoi. Il y, jeunes... il y a des jeunes qui aiment cette esthétique là aussi. Hein. Et heureusement, sinon ces jeux, euh, ces jeux, ne marcheraient pas beaucoup. Le... Une OST de Haremi Gendrou, d'ailleurs. Si vous cherchez, euh, qui l'a fait Trouves pas ça cool, Cali Ouais, c'est l'esthétique le... me... me parle de fou. J'avoue, je suis un ouais. boomer du pixel art moi clairement. Hein. Ah, je sais pas moi, dès, dès l'écran titre, du un coup, ça peut faire des surprise quoi. Non, du coup, euh, genre il faut se souvenir de trucs précis, euh, pas faire de la merde et tout. Ah, le seul truc dont il faut se souvenir, c'est un moment il y a un personnage qui euh, est un loup-garou et en fait euh, il peut péter des câbles et si tu te souviens pas de la boisson qui le calme, ça peut potentiellement mal se passer. Ok. Lofi, je commence à marrer, je me transforme en larve si j'écoute plus de 30 minutes. Ah, moi, justement, typiquement, j'aime bien me mettre... Euh, euh, me mettre une chaîne Lofi euh, Quand je suis en train de préparer mes émissions Mais avec un très très bas volume bah, Aussi bas que là ce que vous entendez Je me mets mmh. vraiment une musique de fond pour euh, lire des articles Pour euh, vaquer à mes occupations etc quoi. Une BO qui était Turbo banger aussi un peu dans le mode minimaliste Alors c'était pas vraiment 8 bits mais il y avait un petit côté comme ça C'est celle de Faster Than Light Qui a été surutilisée par beaucoup de Youtubers d'ailleurs Mais mmh. qui est vraiment légendaire cette, cette OST je trouve Dans ce ah, genre là ouais, j'ai fait, fait rétro, le rétro mais en même temps moderne Quand même il y a vraiment elle est très très bien j'ai fait le FTL à la française, mais qui est pas exactement pareil, c'est euh, *Crying Suns* que je recommande vraiment ah, à tout le monde. Jouer, et qui a pas... qu justement un pixel art, le, un des plus beaux pixel art ah, que j'ai jamais vu, quoi. C'est un mélange 2D-3D d'ailleurs qui est vraiment super. C'est du pixel art avec des éléments 3D assez simples, euh, <laughs> mais euh, avec une certaine logique dans leur intégration. Donc, euh, c'est vraiment très cool. Euh, bah, écoutez, on n'aura pas tranché s'il faut avoir ou ne pas avoir de sujet. Mais euh, attends, bah vous... attends oui. j'ai un le... truc. Pour le couvre-feu, moi, je pense que ce serait bien que. voilà. Ou sinon, ouais, attends, attends, attends. Ouais, mais sinon, on va juste parler de nos séries du moment la... et les gens, ils en ont ah rien ouais. à foutre, tu vois. Mais non, attends, tu, tu fais, fais peur, peur Kali. On va faire ça. D'abord, on va se faire un truc. Damon, quand tu auras le partenariat que tu peux avoir et que mais les. Mais ils ne le fileront jamais. Ah bon, on, fera <laughs> des... Des... On, fera... on fera un stream test, comme Kali veut. D'accord, c'est bon. Faut... Tu le perturbes trop. On fait les jeudi chez moi, donc. Propose lui des tests. Propose lui le, des par tests, contre, le, le jour où, où j'ai le partenariat, ouais, je me, euh, je, je craindrais beaucoup moins pour mes stats et je me permettrai beaucoup plus de, de stream beaucoup plus souvent avec euh, même même pas spécialement. Euh, non seulement pas de sujet, mais euh, de faire euh, des stream gaming, des trucs comme ça. Voilà, Là, actuellement, je le fais pas, je me retiens parce que je me dis, je vais niquer mes stats, je vais faire 10 viewers et du coup, j'aurai jamais le partenariat. Tu vois mmh. Du coup, euh, pour le moment, je fais. Attention. Après, trade, forcé d'admettre, tu dis qu'on n'a pas résolu le truc. Bon bah là en l'occurrence on a pris un sujet qui avait été balancé plus ou moins dans le chat et puis on a fait genre 25 minutes dessus donc est-ce que c'est pas une démonstration empirique non mais moi je peux meubler pendant des heures sur rien, hein. ça c'est pas ça le problème, la, la Mosca TV je faisais littéralement ça, c'est des fois en fait il y avait une émission en direct et commençait à telle heure, l'invité n'était pas là et je meublais pendant une heure, meubler ça me pose pas un problème, c'est mais euh, en fait c'est pas le problème de pas savoir meubler C'est en fait le problème c'est que ça n'intéresse pas les gens tu vois, c'est que si, si euh, je me pointe et que j'ai rien à raconter et que j'ai personne en vocal et que j'ai euh, pas beaucoup de monde sur le chat c'est un, un cercle vicieux tu vois et du coup, euh, bah moins j'ai de monde moins j'ai de sujets, moins j'ai de trucs à dire, moins j'ai de monde tu vois ce que je veux dire bah, c'est pour ça que je te dis un effet de ça c'est que ce que tu dis aujourd'hui t'aurais pas pu faire ça à l'époque où t'avais 70 viewers donc, c'est pour ouais, ça, les gens, faites ce que vous faites. Vous prenez le tweet, le, le message que je vais partager, vous retweetez le live. Comme ça, on fait voir qu'il y a des gens qui arrivent sur le, le, le live à Daimon. il récupère le partenariat <laughs> et après, on pourra faire des live test, D'accord Alors, ça me donne une transition vers mon autre sujet. Ah. Euh, mon deuxième sujet. Bon, j'ai fermé deux sujets d'un coup, hein, mais c'est que Twitch réautorise le multistreaming. Est-ce que vous avez vu ça Ben non, tu m'avais dit le contraire, que de nouveau, il ne l'autorisait plus. Non, non, là, ils l'ont réautorisé. Ah, ah bah, en off, euh, sur les non-affiliés. Le non le euh... Ah, pour les non-affiliés, bah oui, non, mais les non-affiliés, ils ont toujours eu le droit. Non. Non, non, il n'y euh. avait plus personne qui avait le droit. Euh. Daimon, là, moins t'as de sujets et plus il y a de place pour que tes viewers, tu en et montent en vocal. Alors, Samos, si tu ne me crois pas, je te propose de regarder les... Deux premières émissions de Radio Libre que j'ai faites, elles sont toujours trouvables, c'est sur mon ancienne chaîne Daimon, euh, dans la playlist Radio Libre. Et tu vas me voir pendant 45 minutes meublé et avoir personne qui monte et, euh, et dire Bon, bah tant pis, bah, je vais rendre l'antenne en fait. Et c'était triste, parce qu'à la base, moi je faisais de la radio libre, vraiment de la radio libre, c'est-à-dire de la radio libre comme je l'avais connue euh, en grande zone, comme on disait à l'époque, comme je l'avais connue en FM, euh, comme je l'avais connue euh, sur Skyrock, sur Fun Radio, etc. Quoi. Donc j'arrivais, euh, voilà, euh, j'animais un petit peu la présentation, et bon, bah, on va prendre le premier appel. Ah bah pas de premier appel, bon bah je vais lire le chat. Ah bah il y a deux personnes sur le chat, et le dernier message il date d'il y a sept minutes, et je l'ai déjà lu deux fois. <laughs> du coup, euh, on fait quoi c'est pas, pas un diamond, faites-toi plus confiance, tout ça. Moi, j'ai confiance en moi pour, pour meubler, pour parler d'un petit peu n'importe quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est simplement, est-ce que ça intéresse les gens mmh. je, je vais te dire, en étant un peu habitué des radios depuis un moment maintenant, euh, c'est très rare, très très rare que les gens viennent avec leur sujet. La plupart du temps, les gens ça. viennent parce qu'ils veulent réagir à quelque chose est qui est dit pendant l'émission. Ils ne viennent pas en mode. Tiens, on parle d'Israël. Bah, tiens, moi j'ai envie de parler euh, de, de chewing gum. Ah non, ça, 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 ça n'arrive quasiment jamais. Alors il y a quelques il y a quelques ovnis, notamment quelqu'un qui s'est fait enlever par des extraterrestres. Mais bon. La sur, elle, attention. C'est. Ou je sais pas, il y a un truc. Non, je me roule un con. Ah, d'accord, c'est ça. Eh <laughs> bien justement en parlant mais, mais... de ça, nous avons la Personne avec qui nous sommes systématiquement en désaccord, mais que je me fais quand même toujours un plaisir de faire monter, à savoir monsieur Pollux. Oh non, si Kali, ça te fait plaisir. Non, non, oh. s'il te plaît, pitié. pitié bah, il lui, va dire de la merde non. comme d'habitude, mais bon, bah, allons-y. Hein. Attends, non non, non, Polux, ah, avant, avant, non, non, avant d'écouter oui. monsieur Pollux, je veux que tu réponds à la question. Maintenant qu'il est réautorisé, je vais vous mettre le lien ah, bah on a euh, monsieur monsieur de 615. Le... le seul truc qui est interdit, alors que moi je continue à faire, mais bon, c'est qu'ils disent que c'est interdit de fusionner les chats. Parce qu'il ne faut pas que la communauté Twitch se sente isolée. Voilà, ah apparemment. Bon oui. Et moi, je fusionne les chats. En fait, j'ai le chat stream. mais étant donné que je ne stream que sur Twitch, ça change pas bon, grand-chose. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils bannissent les gens uniquement pour ça, mais voilà, ils sont en mode, non, il ne faut, faut pas amener les gens vers, un, vers une autre plateforme, en fait. Il ne faut pas que tu pousses les gens qui sont sur Twitch à aller vers une autre plateforme. Je vous mets le lien. En anglais, mais voilà, où donc ils réautorisent. C'était Hard qui s'est battu longuement pour avoir l'autorisation de multistream et à lui, peut-être, <laughs> il va avoir une dérogation. J'ai pas suivi. Non, 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 maintenant, c'est pour. Merci monde, notre client oui. yes, merci yes, pour ce yes, 16e yes, mois d'abonnement, Daniel, à mmh. toi. Et n'hésitez pas, pour l'exclamation don, et n'hésitez pas aussi euh, à gift sub si vous êtes déjà sub, à vous sub si vous ne l'êtes pas déjà, et bien sûr à donner des bits puisque Jeff Bezos ne touche rien sur les bits et ça, quand même, ça fait plaisir. Ah, c'est bon, ça hein. Voilà. Du coup, Damon, tu n'as pas compris. Maintenant, ils ont autorisé tout le monde, et c'est pour tout le monde. Hein. Là, je viens de voir. Donc, euh, est-ce que ça s'applique à tous les streamers Oui, euh, sauf si vous avez un accord précis avec euh, Twitch qui, euh, qui, qui implique l'exclusivité. Le, Mais du coup, ils disent oui parce tous les que c'était une exclusivité là, qui n'était pas rémunérée. Donc, en termes de droits, c'est pas ultra Exactement. normal. C'était son outil illégal. Il hein. n'y a illégal. pas de contrepartie Mais, en fait. Du coup, Exactement, à partir de mis, 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 la mis, la plateforme. Mais du coup, <laughs> de est-ce que tu comptes re-streamer -re sur YouTube ou pas Ça, a la question. Mais Ça dépend, en fait. Attends, j'ai une question, parce que est je clair, pense que, je que Damon va si... être d'accord. À... Attends, Damon, je... je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Ça non. dépend si, si, en fait, en, en multi ça t'empêche d'avoir le partenariat, le partenariat ou pas, parce que oui. Damon, il veut avoir le partenariat, ça l'empêche de l'avoir. Il ne voudra, voudra pas le faire tant que... Tant, voilà, c'est ça le problème. Twitch autoriser les gens à avoir le partenariat et à multistream. Et si vous voulez, on mettra 5 secondes de différence. Ah mais là, euh, il y a il te dit que c'est autorisé pour tout le monde, donc j'imagine pour les bon, partenaires autorisé, aussi. Oui. Sauf que, oui. en fait, même s'ils si ne le disent pas, est-ce qu'ils ne vont pas favoriser plutôt les gens qui streament que chez eux Et est-ce que, moi, en termes de stats, j'aurais pas quand même plus de monde, en fait, des gens qui vont venir, comme l'ours ici, hein, par exemple. L'ours, il me suit sur Twitch, mais que parce qu'il euh, veut suivre mes émissions. Sinon, de base, il déteste Twitch. Donc, si je stream sur plusieurs plateformes, mes chiffres Twitch vont baisser. Hmm. C'est clair que, que... s'il y avait moyen d'aller autre part. Même euh, si sur le global, ça augmentera un peu. Hein. Il n'y a pas photo. Mais bon, Twitch, ils sont obligés, ces, ces banques d'enfoirés, ils sont obligés de faire ce genre de trucs parce qu'avec <laughs> euh, bah la concurrence, je Kik... que de Twitch, c'est des enfoirés euh, bah moi je suis pas Twitcher donc euh, je le droit. <laughs> Mais voilà, je veux dire, euh, avec la concurrence, à mon avis, c'est à cause de la concurrence de Geek, hein, mm -hmm. qui sont obligés d'alléger de, de, un petit peu leur. Euh... À la base, justement, je pense qu'ils avaient interdit le multistream le multi pour éviter la concurrence de Kick. C'était ça l'idée. C'était genre, si vous voulez aller chez Kik, vous allez chez Kik, mais vous ne pouvez pas utiliser les diamants de Kik. C'était avant Kik. C'était hein. déjà... Je ne pouvais non. pas multistream sur, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, YouTube, etc. D'ailleurs, toi, tu t'étais fait tes jeux pour ta demande de partenariat à cause de ça, je crois. Euh, C'est parce que je faisais trop de React, moi, il m'avait dit. Ouais, c'est bon. Et combi et combien on a de collègues qui font 100% que de React Jamais ils ont fait un stream avec autre chose que du React et ils ont en fait, quand de même leur partenariat. En fait, de la strat, c'est de ne pas faire de React quand tu demandes le partenariat et après, tu peux t'en mettre à mmh. en faire autant que tu veux, il a pas de souci. quoi Oui, après, comme dit Sodom, la concurrence de Kik, bon. Voilà. Ah, bah, il y en a, ils y trouvent leur compte. Euh, bah, notamment dans les personnes qui se sont fait dégager de, de Twitch euh, et qui n'ont pas le choix, ils sont bien contents de trouver Kik. Hein. Euh, par exemple, je crois que Gio Clo il est plutôt content de, de Kik, il me semble. hein Étonnant. D'ailleurs, il avait, il avait ouais. dit ouais les streamers qui font des chiffres comme Diamond, ils aimeraient bien Kik. Parce que Kik, ouais. il paye les, les streamers, tu vois. Attends, attends, bon, attends, juste... Pour remplir un certain nombre de conditions. Hein, pour, attends, euh... attends, non mais de toute façon, comment tu veux pas que Gio Clo n'aime pas Kik Il a été dégagé de Twitch. <laughs> J'ai commencé avec... en disant ça, mec. Euh, donc... ouais. <laughs> T'as t'es pris au couille euh... Pardon, excusez-moi pour ce langage inapproprié, mais vous savez des fois. Ouais, j'ai une non, question mais après, pour, moi, pour moi, prendre... moi. Je trouve c'est ça. Bah, là, mais on, le, on le refera je monter que après. Je trouve c'est très très sain qu'il y ait plusieurs plateformes de streaming, qu'on puisse multistreamer, qu'on puisse euh, voilà faire les choses comme on, comme on le veut, euh, que chacun puisse faire ce qu'il veut et que au final, euh, fin, voilà, hein, nous, on est à la merci des plateformes, de toute façon, donc, euh, on est à la merci ouais. de leurs décisions. Donc c'est cool que Hardisk soit un peu bougé le cul pour euh, faire entendre, euh, moi, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lui qui a fait changer le truc, mais en tout cas, il s'est battu pour ça. Moi, j'ai suivi un peu ses aventures vis-à-vis -vis de ça, parce que ça m'intéressait euh, voilà, au, au premier degré. Donc, euh, donc moi, je trouve ça sain qu'il y ait plusieurs plateformes, qu'on puisse multistreamer, que voilà, ça n'a... Ça la seule vraiment... concurrence libre et non faussée bah voilà, au moins, oui, ouais, quand même. Amusant. Et n'empêche, il y a eu un avantage euh, qui est euh, totalement euh, visible. Bon, pas pour toi, Cali par contre, parce que t'es pas partenaire, mais euh, ça c'est vu. Euh, euh, Dany, Raz, euh, euh, comment il s'appelle euh, Merde. Euh, euh, fin, tous ceux qui sont partenaires, euh, par exemple, euh, Lex Calvin et tout. Euh, T'as le euh, message épinglé payant euh, qui vient d'arriver, tu vois, c'est un truc, ça reste. Tu, tu payes entre 1,20€ et. Ouais, tu faire un don direct. Euros, quoi. Et mmh. ça s'affiche en haut, tu sais, comme les messages éteints ouais. que les, les modos peuvent, euh, peuvent laisser, sauf que là, ça reste un certain temps. Et le partage de revenus étant en 70-30, 70 pour le, 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 le streamer, et 30 pour... Et ça, c'est pas mal. Donc oui, la, la concurrence dans un monde libéral a du bon de temps en temps. Mais le problème d'une concurrence qui est totalement ouverte, c'est qu'à la fin, il y a une entreprise qui perd, et quand il y a une entreprise qui perd, il y en a une qui est gagnante, l'entreprise qui gagne devient la grosse, et du coup, et à la elle fin, a son monopole. Euh, des, des situations de quasi-monopole, même si tu as des lois voilà. qui sont censées l'empêcher, en fait, en pratique. T'as quand même des quasi monopoles. Et, 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 et là, et là, on est d'ailleurs, c'est une, une parfaite critique par l'exemple de, de du, du des libertas, au niveau des libertariens, parce que justement, si vous laissez, les entreprises faire, il y en a toujours une qui va gagner, devenir la plus grosse, devenir le monopole, imposer ses prix et qui et qui paye derrière quand il y a une imposition des prix, c'est nous. Donc l'État est utile. Voilà, critique politique, c'est fini. Utile. Et puis une fois en position de monopole, euh, bah, y a plus, euh, vu que tu n'as plus de concurrence, tu n'as plus besoin de faire des efforts, euh, d'améliorer tes gammes, euh, de d'être plus compétitif sur tes prix, etc. Donc, euh, de voilà. toute façon, le capitalisme euh, comprend en lui les germes de sa destruction, hein, comme vous le savez. Et en parlant de destruction. Et venez pas Ouh. nous casser les couilles les, les droits d'art à nous dire que euh, le communisme ne sait pas faire évoluer les sociétés. Si, 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 hein, les communismes, l'URSS le vivaient très bien en 1970 sur des acquis passés, je suis d'accord, mais euh, la société est tout à fait moderne. Euh, le niveau de vie était équivalent aux États-Unis, ils bouffaient aussi bien qu'aux États-Unis, donc euh, tant aussi, met et qu'on partage. Bon, et puis c'était pas vraiment le communisme, merci Melkor pour le follow, et oui, mais quand même, bien bien, mais, bon, mais par contre, dans, bon. dans, dans, les, dans les accomplissements, ils se ont réussi à atterrir sur Vénus, putain de merde! Personne n'a jamais réussi à atterrir sur Vénus! Même les robots voilà, ne ouais, survivent ouais, voilà, pas voilà, sur donc, Vénus! Ne croyons pas que. Mission Vénéra, uh, évidemment. On parle d'un monde communiste on, et d'un monde communiste écologique. On veut revenir à la bougie, comme euh, on peut discriminer les, euh, les écoles. Non, 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 on peut euh, créer un monde tout à fait euh, différent, communiste, où euh, demain, nos smartphones continueront à monter en gamme. Simplement, au lieu que vous ayez un smartphone qui soit coulé dans le bronze et où tout soit euh, soudé entre eux, eh ben, vous pourrez changer le module photo et ce sera quand même bon. Est-ce que si on, on voulait le résumer, Aurel, on pourrait dire le communisme peut être un improductif mais le productivisme n'est pas condamné à n'être que ça, contrairement au capitalisme. Ou de toute façon, il faut toujours avoir, garantir, vendre à tes actionnaires, toujours une croissance trimestrielle, toujours plus grande. Même si tu revends tes parts euh, l'année prochaine, tu vas faire une plus-value parce que euh, notre cours de bourse ne fait que monter de trimestre en trimestre, ainsi que nos bénéfices, nos compte de résultats. Et euh, du coup, il faut toujours une croissance infinie dans un monde fini, comme, on, euh, comme dit l'adage. Ah non, mais de toute façon, moi je pense que... Je pense que euh, le, le, la croissance, c'est clair, c'est clairement un, un, mauvais, un mauvais curseur. Il faut que euh, qu'on qu ait euh, d'autres euh, euh, moyens de calculer euh, le bonheur, tu vois, et euh, l'évolution de l'humain, tu et vois. C'est-à-dire moi choix. déjà, je pense que oui, euh, les nouvelles inventions que, 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 que crée l'homme devraient euh, compter dans euh, comment on améliore les conditions de l'homme. Ça, ça, c'est intéressant. Ça, ça, c'est un truc qu'on devrait calculer tous les mois, savoir. Non, mais les humains, euh, c'est surcoté. Voilà, vous voulez, vous voulez savoir les chiffres qu'on devrait sortir tous les mois, combien on a sorti de français oui, de, la, de la pauvreté C'est ça le truc. Demain Mélenchon. Donc, quelle progression soir, de notre IDH, tu vois, ou par exemple sur, avec des indicateurs qui existent déjà, ou tu vois des choses mais, comme ben, ça. L'indicateur, voilà, demain, moi je vous le dis, Mélenchon, président, on n'entendra plus parler, enfin peut-être de la croissance, mais moi, l'indicateur qui qu sera nouveau et que je me battrai pour qu'on entende tous les jours, c'est combien de personnes sont sorties de la pauvreté. Voilà, ce sera ça. Le jour où Mélenchon, il est président, où la, la, la les filles, elle, elle a le pouvoir, je veux que tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, on nous dise, il y a 200 000 personnes qui sont sorties de la pauvreté. Il y a 200 000 personnes qui ont retrouvé un logement. Ouais, alors, pas, non, combien Ouais, la balance entre ceux qui basculent et ceux qui en sortent. C'est surtout ça. Parce que, si, oui, regardez, il <laughs> y a trois personnes qui sont sorties de la pauvreté. Bon, par contre, il y en a 1000 en plus hein, qui sont rentrés, Mais ça, on va éviter de communiquer là-dessus. Évidemment. Donc, je parlais de destruction. J'avais pré prévu une transition. Et, euh, et donc on va parler aujourd'hui euh, bah comme en fait la même chose depuis le 7 octobre, à savoir de ce qui se passe notamment dans la bande de Gaza, mais pas que dans la bande de Gaza, puisque on a notamment euh, un, plusieurs articles de euh, de Libé. Dans le, en une de Libé d'aujourd'hui euh, qui nous parle euh, des euh, tensions qui montent avec le nord alors il nous parle déjà côté euh, euh, côté euh, israélien du, donc les familles qui ont été déplacées d'abord de 2 km avec la frontière ensuite de 5 km qui y a aussi la frontière avec euh, la Syrie avec euh, l'occupation je sais plus comment c'est le plateau du Golan je crois où il n'y a pas de reconnaissance internationale de ce truc là mais de facto il l'occupe et ça c'est du coup euh, bah, c'est le territoire syrien à la base et euh, il pourrait y avoir euh, volonté d'en profiter. Donc il nous parle de ça, euh, de euh, ces Israéliens qui euh, euh, bah, viennent aussi des fois de... De milieux un petit peu ruraux, de petits bleds euh, qui viennent de Kibbutz et qui se retrouvent logés dans des hôtels 5 étoiles et qui disent Ouais, euh, euh, j'ai jamais eu trop, trop l'habitude d'être dans des hôtels 5 étoiles, mais, euh, mais euh, merci. <laughs> Là, on a Samuel qui, euh, qui nous dit ça Ce luxe dans la guerre, ça me rend malade, mais comment ne pas être reconnaissant Donc, euh, on soigne beaucoup ces civils, en tout cas côté israélien, parce qu'on a peut-être un petit peu plus le luxe de pouvoir le faire que dans la bande de Gaza. On nous parle aussi euh, côté libanais de l'angoisse qui monte. Euh, là, on a l'exemple d'une personne qui se dit, euh, bah, à la base, pas spécialement militant, mais qui est originaire du sud-Liban. Euh, on lui demande, est-ce que tu es tu fais beau, je suis pas croyant, partisan, non, je vote pas. Euh, par contre, euh, si demain il y a une guerre, je soutiendrai la résistance du Hezbollah, parce que en regardant, il s'est dit, bah, quelque part, ce qui se passe de l'autre côté dans la bande de Gaza, ça peut nous arriver après, et qui craignent même qu une fois... Euh, le, le problème de la bande de Gaza euh, gérée euh, de la façon humanitaire ou pas, pour le moment on va plutôt dire pas, euh, euh, du côté gazaoui, qu'on pourrait attaquer le Liban de façon préventive. Et donc ça se prépare beaucoup à la guerre euh, aussi. Au nord, sachant que euh, Israël euh, garde euh, garde en tête qu'il pourrait être attaqué sur un deuxième front, euh, même si euh, il préfère actuellement se concentrer sur le sud-ouest du pays. Évidemment, Est ce que vous avez déjà une petite réaction par rapport à ça. T'as vu, j'ai résumé les, les quatre pages relativement vite plutôt que de tout lire. J'écoute tes que conseils, pense... Kali. Je pense que les, je pense que les, je pense que les Israéliens se montent un peu, euh, tout à fait compréhensible avec ce qu'ils viennent de, de vivre et tout. Ils se montent un peu le bourrichon. Euh, C'est pas pour euh, leur dire euh, qu'ils sont fous quoi, mais je pense qu'il faut qu'ils se calment, qu'ils calment la situation. Quand on voit l'État en ce moment du Liban. Avec l'inflation qu'il y a et c'est pas une petite inflation à 15% comme chez nous. Euh, L'état de la banque du Liban, enfin le, le fait voilà. qu'il n'y avait plus de gouverneur de la banque centrale que enfin plus, plus d'électricité en des... tous les jours, enfin euh, vous vous, vous péteriez un plomb Et il y a euh, quelques années, le Liban c'était la Suisse de, du Moyen-Orient, euh, donc euh, je pense et en plus le, le, le Hezbollah euh, ces dernières années et euh, c'est vachement euh, comment dire euh, entre guillemets légalisé, c'est peut-être pas le bon mot, mais euh, j'ai regardé un reportage très intéressant, je crois que c'est sur France qui parle de l'histoire du Hezbollah et tout ça. Très intéressant à aller le regarder si vous avez le temps, une quarantaine de minutes, 50 minutes. Et, euh, et donc du coup, le Hezbollah, après la guerre qu'ils ont permis de gagner, enfin entre guillemets, quand Israël s'est retiré de, de ce qu'ils avaient conquis pendant, je crois, 18 ans, un truc comme oui, ça. Oui, parce dans que, le que la dernière fois en 2006, euh, on ne va pas dire que c'était une victoire non plus. Voilà, eh ben, le Hezbollah, du coup, il participe au gouvernement, il est un peu plus intégré. Donc en ce moment, euh, je ne pense pas que le Hezbollah, euh, ouais, il a balancé trois, trois, trois roquettes pour dire qu'il soutenait le, le, le Hamas, mais euh, je ne pense pas que le Hezbollah et l'Iran ont la tête à ça, vraiment. Et les, que les Israéliens se calment, tranquille, peace. Alors, si, puisqu'en en fait, il y a quand même déjà des, euh, des frappes tout jour. Justement, l'armée israélienne qui. Euh, pense qu'à euh, un moment ils vont intervenir euh, de façon plus massive, mais que pour le moment, euh, ils s'attaquent aux installations militaires. Alors j'ai retrouvé la citation, c'était une gradée de Tsal qui nous disait ça, donc de l'armée israélienne. Depuis deux semaines, ils visent essentiellement nos installations militaires, nos moyens de communication, nos antennes. L'objectif est clair, ils veulent nous aveugler. Si l'on se tient uniquement à l'analyse du terrain depuis le 7 octobre, sans contexte géopolitique, tout indique que le Hezbollah se prépare à une invasion terrestre. Donc, il y a quand même euh, des, des objectifs militaires qui sont visés. Bah, déjà, on peut, ne on peut que les féliciter de ne viser que des. Alors, non, y... j'allais dire, on peut que les féliciter. Visiblement, il y a quand même des euh, civils qui ont été touchés. Mais euh, pas de trucs comme euh, Nova Festival ou. Euh, euh, voilà, c'est plus euh, ouf, il bah, y a des civils qui ont été touchés au passage. quoi. Je parlais, il faudrait un spécialiste du, du Moyen-Orient, euh, parce que je ne peux pas dire après. Euh... Bah de toute façon, en temps de guerre, c'est toujours très très compliqué. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais, et là, je, je ne peux voilà, que relater euh, les versions des deux côtés de la frontière, même si on n'a pas euh, du côté libanais d'officiel qui s'exprime dans les colonnes de libération aujourd'hui. Après, il faudrait peut-être demander. Chez Khazadoui, s'intéresse pas mal à ce coin, il a pas mal de contacts et tout. Peut-être qu'on pourrait lui demander s'il a des infos et tout. En plus, il travaille pas mal avec euh, Wissam, donc, euh, eux, niveau info. Euh... Ils seront, euh, ils seront nous dire si vraiment euh... <laughs> le Hezbollah et l'Iran seraient prêts à partir. Mais... Pff, tu, tu, tu vois un pays avec 150% d'inflation de, de, de faire la guerre. Oui, non, mais il y a l'Iran derrière. Hein. Non, vois. mais le Hezbollah, ce n'est pas l'armée albanaise. C'est Et salut tout le monde. C'est un parti politique, mais il y a aussi une branche armée. Il y a les deux. Et Kadja est participé à des guerres solo, hein. notamment. Il a été créé lors de la seconde guerre libanaise, je me trompe pas parce qu'il y en a eu plusieurs dans les années 80 dont une dont Israël bon, de toute façon toutes les guerres libanaises Israël en est plus ou moins responsable, c'est pas pour rien que le Liban est l'un des pays où Israël est le plus détesté et salut Sodome, salut Samos. Voilà. ne bon, ce serait pas intelligent. Rien, pas hein. Mais pas la guerre être... de base, il euh, y a rien qui est intelligent depuis ce qui est fait de, depuis qu'on a depuis que, ce qui se passe depuis le 7 octobre. Hein. Je veux dire, la riposte d'Israël, euh, c'est une catastrophe qui embrasse toute la région et qui de un tour ethnique en fait. Oui, parce que notamment, par exemple, la Turquie qui se positionnait un peu en médiatrice aujourd'hui devient de plus en plus virulente, en, en, à mesure que les, attaques qu euh, que les attaques sur la bande de Gaza continuent euh, de, de tuer des civils et des enfants. Ah mais. Je crois qu'il y avait... Là on est à 1000 enfants qui sont victimes du côté Gazaoui, il me semble. Encore plus, je en en pense. Ouais, semblent... Alors, dans les chiffres que, que j'ai lus aujourd'hui, c'était plus de 6 000 en tout et 1 000 enfants. Ou ouais, euh, un peu plus de 1 000 enfants. Voilà. Donc, voilà. ce qui était recensé. De, de 2 000 enfants justement sur les 6 000 Sans personnes. Sans parler des déplacés. Hein. Hein. Bah après, c'est bah. les... possible aussi, parce que rappelle que la bande de Gaza, je crois, la moitié de la population a moins de 18 ans, donc... Euh... Et bonsoir. Salut, euh... Et salut Aska. Plus de 2 000 enfants, on nous dit. Ouais, ouais, c'est les Alors, chiffres du Hamas, après. C'est ça, c'est les ouais, chiffres du Hamas, ça. ils sont sur 6000 personnes dont 2000 enfants. Ouais, mais attendez, enfin, euh, bon, euh, argument, Wissam, donc je sais que j'utilise encore son nom pour euh, argumenter quelque chose, mais. Il en a marre, Wissam. Hein. Il m'a prévenu, il a dit Tu peux écouter, il y a d'autres spécialistes la hein. question, après, ils font partie des meilleurs. Vas-y, ouais, voilà. Ils font partie des meilleurs. -à -dire, que, ce qu'il dit, c'est ce qu que c'est les seuls présents à Gaza qui, qui, qui dirigent. Donc, euh, quand vous dirigez une zone, c'est vous qui comptez le nombre de morts. C'est comme ça, quoi. Et, oui, bien euh, donc, sûr, mais national qui franchement même si ça se trouve les 6000 si ça se trouve c'est enfin ils ont pas tout décodé des coffres enfin, ils ont pas tout enlevé les gravats attendez on est en peine en train oui, de faire enfin, un bombardement ah ouais. moi je pense que les 6000 on, on est en dessous ça se trouve on a 8000 ou quoi attendons de enfin, je... On parle oui, de, de, oui, oui. de c'est en constante évolution donc ouais il y a des morts de partout euh, plus, plusieurs milliers d'enfants plusieurs milliers de, de grands parents plusieurs des familles qui sont éclatées moi j'ai vu une, enfin, bref c'est dégueulasse, euh, la dernière vidéo que j'ai vue c'est un gamin qu'est-ce qu'il fait il est au-dessus de sac non. et non. Il, il cherche quoi papa maman et sa sœur oui et puis les vois. enfants blessés que que tu sors des décombres recouverts ouais, de poussière euh... les images sont un peu oui toute façon. Et encore, et encore, les pires images <laughs> qui circulent oui, sont ça. celles des, des victimes de phosphore blanc. Hum. Ça, c'est vraiment n'allez pas chercher ça. Hein. C'est vraiment trop horrible. Mais ça existe. Et du coup, euh, ce matin, on avait euh, des chars israéliens qui sont rentrés dans Gaza pour une opération ciblée, euh, un raid, euh, voilà, un raid ciblé. Donc euh... des frappes, euh, des frappes ouais. chirurgicales pour cibler. Alors les oui, non. Ils expliquent que c'est pour faire du repérage en vue de l'invasion, enfin de, de l'opération terrestre. Invasion, je sais pas, c'est déjà un peu de l'occupation de toute façon. Apparemment, il y a Donc, déjà eu des raids à base de tanks dans certains, dans certains quartiers. Donc l'invasion terrestre a déjà commencé par des, des Alors, incursions avec des tanks, oui. Oui, non, mais justement, c'est de ça qu'on parle. Mais en fait, il n'y a, a pas l'infanterie qui est en train de marcher dans Gaza, tu vois. C'est ça que je veux dire, par Donc, euh, une base... opération terrestre. Donc, on passe du bombardement de Tokyo à, euh, au sac de Nankin, mais ce soit-ci, ça sera le sac de Gaza. Moi, j'ai un peu peur que c'est vers ça qu'on se dirige. Ouais. Sachant là, que non, si on. Il y a des quartiers entiers qui sont, qui sont de la cendre aujourd'hui. Hein. Ouais, mais. Bah, le nord du pays, c'est un peu ouais, compliqué. Ouais. Le nord de la bande de Gaza, il reste pas grand-chose. C'est un peu rip in pepperoni pour le moment. Euh, même si, euh, voilà, il y a aussi. Euh... Il y a aussi des tunnels qui euh, permettent, euh, du coup, euh, euh, bah, aux forces armées côté Gazaoui de, euh, de relativement. Alors, ils ont eu quand même des pertes. Ils ont communiqué notamment sur les pertes qu'ils ont euh, reçues dans leurs effectifs et certains de leurs cadres. Mais euh, pour le moment, c'est surtout les civils qui trinquent malheureusement. Hein, donc, euh... Évidemment. Et euh, donc, on avait des images, euh, je crois, euh, de ça où Yedsal qui a directement communiqué dessus. Donc. Euh... Euh, je vous montre les images dont on dispose à l'heure actuelle. De ça. Ils s'en vantent, hein, les bâtards. Bah, est... Dans toutes les guerres, les armées, quand elles arrivent à, à, à avancer euh, dans leurs objectifs militaires, elles communiquent dessus. Euh, à, la ouais. fois, euh, à la fois pour le moral de leurs propres troupes. Regardez, on est en train de gagner la guerre. Même si des fois, il faut un peu enjoliver le truc. Et euh, à la fois. Alors là, c'est moins le cas. Euh, quand, euh, par exemple, dans le cas de. De l'Ukraine, ils ont tout intérêt à chaque fois qu'ils font une, euh, une prise, une, une reconquête d'un un village ou d'une ville, euh, de communiquer le plus possible dessus, étant donné que ils ont le soutien de la communauté internationale derrière. Tu vois. Bon alors c'est aussi le cas pour Israël, mais alors ils ont intérêt à communiquer sur les trucs les moins sales, quoi. Là c'est différent. Euh, du coup, vous voyez pas du tout les images parce que je n'ai pas mis play. Sûr. Ah, non non mais c'est surtout que les images ne bougeaient pas. Et donc voilà, on voit euh, on imagine que c'est le mur d'enceinte et, euh, et des images d'une plutôt mauvaise qualité euh, aérienne. On voit quand même une, ouais, une, colonne, une colonne de chars, d'une ouais, bonne dizaine de chars. Je sais pas combien ont été déployés au total dans la zone. Mais ça c'est pas des chars de merde, hein, c'est pas des chars de l'Union soviétique, hein. c'est des chars dernier cri qui peuvent tirer. Euh, Ils à utilisent plusieurs quoi la table actuellement euh, en termes de chars tu sais euh, alors je sais, je serai pas te dire le modèle précis, je t'avoue, je Obligé suis pas sur un de Est-ce qu'il y a des fans de World of Tanks Non, euh, mais moi oui, j'ai fait un reportage sur euh, euh, sur euh, l'armée euh, qui justement sur euh, ce qui ce qu'on appelle, je, ce qu'on appelle toujours, je crois, la cavalerie du coup maintenant, euh, à savoir euh, la caserne d'Olivet. J'avais fait un reportage là-bas à l'époque euh, et du coup c'est la seule caserne où il y a où ils s'occupent des chars, tu vois, c'est 100% des chars c euh, de France, c'est géré par eux. Et ils font des compétitions de World of Tank très très régulièrement dans leur caserne. Ça, ça vous apprendra. Je ne vous apprendrai rien. Alors je apparemment, ça a l'air d'être ça, je viens de vérifier. C'est les Merca 4. Donc je balance la fiche Wikipédia de ce tank. Et en effet, ça ne énervé. rigole pas. Hein. Ah, c'est pas ouais. Wikipédia. C est c est... Wiki ah oui, c'est WikiWand. Wiki c'est la version. C'est mieux bah, c est... C est... En gros, c'est Wikipédia, mais avec euh... mais en... une meilleure oui. esthétique. Voilà. Oh c'est du matos de 2002 mais c'est vieux tout ça. Bon là, nous on, on utilisait là, les, les AMX je sais plus trop combien, là qu'on a refilé à l'Ukraine il y en a qui dataient des années 60 donc on va pas trop flamber. Là. Oui, oui. <laughs> Puis nos Charles Leclerc en fait ils coûtent tellement cher qu'il y en a deux qui sont opérationnels, bref. Là aussi, on va éviter de flamber. On a un, un navire hôpital qui a été déployé le long des côtes de Gaza. Je ne sais pas s'ils euh, ont vraiment commencé à prendre des gens en charge. Euh, ça, je ne sais pas pour le moment, mais je vous relais l'info. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Oui, on avait, euh, on avait aussi des vidéos de France 24 qui nous parlent de ça, euh, que je vous mettrai en bonus si vous le souhaitez. Euh, ça, c'était n'était pas France 24, par contre. Je crois que c'était un, un sujet plus court. Euh, non, c'était France 24 aussi, et puis c'est une page de publicité. Donc on va éviter de la mettre. Euh, hop, qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait... Oui euh, Côté espagnol, parce qu'en fait la position française, elle est relativement singulière. Figurez-vous qu'en Espagne, on a un article euh, de, euh, de Mediapart là-dessus. Ah, pourquoi je ne peux pas y accéder, je ne sais pas. Euh, on va réessayer. Est-ce que je suis connecté ou pas Il semblerait que pas. Ben, c'est pas grave. En Espagne, du coup, on a quand même une union de la gauche un petit peu plus large. Et c'est super chiant de ne pas pouvoir y accéder. Donc, euh, euh, j'aimerais pouvoir vous montrer euh, l'article. Mais euh, alors, avec quand même des nuances dans le positionnement, évidemment. Euh, entre eux, le PSOE, entre eux, euh, ce qui reste de Podemos, entre euh, Soumar, évidemment. Euh, et ah, d'accord, j'étais juste par sur le bon lien en fait, donc forcément euh, ça ne l'ouvrait pas. Euh, la coalition des gauches fait entendre ses différences sur Israël, mais les différences sont relativement minimes. Alors on somme, on somme quand même Pedro Sanchez euh, de euh, euh, calmer euh, une partie de sa coalition, euh, où globalement c'est pas sur un soutien inconditionnel à Israël, mais ça dénonce tout de même les exactions qui sont faites aux Palestiniens. Euh, C'était qui C'était Yona Bellora, qui est, elle est de Podemos toujours, ou plutôt ce qu'il en reste. Elle a qualifié de crime de guerre et de génocide planifié la réponse d'Israël au euh, Hamas. Et ses appellations ont fait réagir justement euh, l'ambassade d'Israël en Espagne, euh, qui a demandé à Pedro Sanchez de... Voilà, est-ce que euh, vous condamnez les propos de... Euh, voilà, qui a essayé de faire un petit peu un truc à la news, mais leur coalition n'a pas éclaté condamner vivement les déclarations de certains membres pas... du gouvernement oui, espagnol, euh... accusant ces derniers de s'aligner sur le terrorisme de type État islamique. Oui, mais Damon, il n'y a pas de... en ce moment, il n'y a plus de coalition vraiment euh, Soumar-Popsoe, euh, donc ce n'est pas vraiment la NUP. Euh... Ah. La, la NUP, c'est Soumar, mais Soumar, c'est que 12% ah. des députés environ. Euh. C'est le PSOE euh, qui est le grand parti de gauche en ce moment en Espagne. Oui, mais euh, ils se sont maintenus... Euh, S'ils savent qu'ils sont là, c'est aussi grâce au soutien des autres partis de gauche. C'est vrai, c'est vrai. Bah pour donc, le ouais. moment, pour il, le, pour Pedro le... Sanchez même, il s'attendait à sauter un moment. Souvenez-vous, on avait couvert le truc, hein. Mais... oui, bah il a pas sauté à quatre voix près. Donc pour le moment, il cherche à faire une majorité pour pouvoir gouverner. Pour le moment, il est un peu, il y a plus vraiment de président en Espagne là, en attendant euh, qu'il ait une majorité. Et juste pour rajouter, il y a une ministre espagnole qui a demandé à ce que Netanyahu comparaisse devant la CPI. Oui. Alors vrai. vrai. Ils peuvent pas nous les changer en France là parce que même le PS serait incapable de faire ça. basé les Espagnols. Hein. En vrai. Bah, hein. Après tu sais... de toute façon leur euh, gauche a l'air d'être un petit peu plus déter et un petit peu plus unique. Bah, que même mais... quand. Enfin après c'est un, un truc beaucoup plus anecdotique par rapport à là, ce qui se passe mais euh, quand il y avait eu toute l'histoire avec l'entraîneur de l'équipe de foot féminine dans le président de la fédération pardon qui avait euh qui avait embrassé Embrasse. de force une joueuse et tout, enfin oui. c'était très malaisant. Et ben ils ont, c'est le... le gouvernement espagnol qui a mis la pression et il a fini par démissionner. Hein, deux semaines <laughs> plus tard, mais il a fini par, par démissionner. Mais en Colombie, moi... ils ont viré l'ambassadeur le... ambassade... euh, d'Israël. Ah ça, yes, Gustavo Petro. Et euh, juste là on parlait de, on parlait de la cause féministe, juste entre parenthèses, peut-être qu'on en parlera pas aujourd'hui, il y a actuellement une grève euh, de toutes les femmes, enfin en tout cas il y a un appel à la grève de toutes les femmes en Islande, et y compris la première ministre, s'est mise en grève pour l'égalité salariale homme-femme. Attends quoi bon, c'est leur sujet mais. Comment la première ministre peut se mettre en grève Ça me paraît bizarre. Elle peut cool. pas faire ça elle est, euh, Elisabeth Borne <laughs> Ce <Ça, elle> serait <laughs> tellement bon quoi. Macron Alors, aussi. Hein. Euh, pas euh, se mettre coup, en grève, je... Macron. La grève des hommes. <laughs> Allez. Voilà. Ça ferait tellement plaisir. Euh, pour corroborer ce que tu nous disais, Aska, Bellora, donc toujours elle, euh, a exhorté Sanchez à faire preuve de davantage de courage au moment où l'Espagne préside l'Union européenne. Son parti milite pour une rupture des relations diplomatiques entre l'Espagne et Israël. L'ouverture d'un débat à Bruxelles sur des sanctions économiques exemplaires qui viseraient Benjamin Netanyahou. Son ministre de la Défense et d'autres. Donc le ministre de la Défense, c'est euh, euh, mince, c'est pas Smotrich, lui, c'est Léo Finances, c'est Ben Gvir, on me semble. Et d'autres, la convocation du même Netanyahu devant la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, ou encore un embargo sur les ventes d'armes de l'Union européenne vers Israël. Non, le ministre de la Défense, c'est Yoav Gallant, Ben Gvir, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur. C'est aussi sur ce dernier point la position de Yolanda Diaz avec Soumar qui a déposé une résolution au Congrès. En ce sens, bon, en tout cas, euh, la gauche, un minimum radical, semble assez unie sur la question. Mais c'est surtout quand je vous dis, euh, ils ne font pas comme l'anus, même, même s'ils n'ont pas une coalition aussi formelle qu'elle l'était euh, au moment des législatives en 2022 chez nous. Euh, on voit pas le PSOE qui intime à Soumar de changer un mot de leur déclaration ou qui leur intime de prononcer un mot dans leur déclaration, tu vois. Ça, tu justement tu vois là, là les socialistes ils ont dit quoi ils ont dit euh, bon bah, c'est la liberté de chaque responsable politique à s'exprimer librement et il a rappelé les fondamentaux de la position espagnole condamnation de l'attaque du hamas appel à la libération des otages reconnaissance du droit d'israël à se défendre dans les limites du droit international et refus des amalgames entre Hamas et population palestinienne donc euh, voilà ça c'est euh, c'est euh, leur sociaux traîtres à eux ils sont euh, moins vénères que les nôtres j'ai l'impression oui, Et mais tu sais pourquoi il fait ça, Pedro Sanchez Parce que pour avoir la même majorité au Parlement, il doit avoir le soutien hein des indépendantistes basques, catalans, navarro, enfin, tu vois, tous Parce les. Ce beaucoup la droite des... utilise contre lui d'ailleurs en disant oui, votre coalition oui. avec des gens qui veulent faire éclater l'Espagne, etc. Quoi. Oui, surtout les, les basques, ils ont beaucoup de sommes qui se sont alliés aux basques. Parce que dans le parti basque auquel il s'est allié, il y a des anciens de l'ETA. Bah, ça, c'est tout un sujet compliqué. Et euh, bref, et en fait, tous ces partis-là sont plutôt pro-Palestine globalement, parce qu'encore une fois, ils se reconnaissent dans le côté colonisé, euh, qui cherche à atteindre son indépendance et tout. Donc bon. Euh. Puis là, ça parle de l'amnistie pour les, les dirigeantes et les dirigeants catalanes. Euh, vous savez euh, quand euh, ils avaient fait, euh, bah, à Barcelone, ils avaient euh, presque euh, voulu faire sécession, quoi, et où ils leur avaient envoyé la guardia, ils avaient tabassé tout le monde. Ouais. Ah oui, ils ont fait un truc hyper dangereux. Ils ont fait un référendum. Oui. Là là. <rire> <rire> ouais, ils sont allés taper des... des vieilles, des vieux qui sont allés voter tout tranquillement. Ils se faisaient taper par, les... par la guardia civile. C'était assez violent. Ouais. D'ailleurs, ils sont toujours en, en Belgique, les dirigeants. C'est quand même une dinguerie. Hein, Je vous vous rendez compte C'est comme si en France, le il y avait eu, uh, imaginons, Carole Delga qui avait voulu uh, faire un référendum sur l'autonomie uh, de l'Occitanie. Et que le gouvernement français avait expulsé de force Carole Delga en la condamnant euh, pour illégitimité euh, nationale pour ça. Mmh. Ça serait une dinguerie quand même. Ben, C'est ce qui s'est passé en Espagne. Eh bien. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent les droits en Espagne Parce que souvenez-vous, le, le PP, le Parti Populaire, le, le parti qui est l'équivalent de LR chez nous en fait. Euh, en 2014, je crois qu'à deux voix après, ils votaient à l'unanimité la reconnaissance de l'État palestinien. Bon bah ils sont plus dans une sorte d'alignement sciotiste maintenant sur la question. Qu'est-ce qu'ils nous disent les tous On a Esteban gonzález ponce euh, qui est membre de la direction du PP, euh, qui nous a dit par rapport euh, aux déclarations des dirigeants de gauche. L'antisémitisme ne devrait pas avoir sa place au sein du gouvernement espagnol. Pedro Sanchez, qui se dit démocrate, devrait éradiquer l'antisémitisme afin qu'il ne s'enracine pas au sein du gouvernement. <laughs> et moi ça me fait toujours drôle quand les droits à tous euh, nous, nous disent attention hein, vous êtes des racistes et des antisémites euh, ou, vous foutez pas un petit peu de notre gueule vous quand même t'as envie de leur répondre oui. ça à chaque fois parce que bon et euh, surtout que bah la paille la poutre euh, on pourrait reprendre pas mal de déclarations sur le parti populaire je ne sais pas s'ils disent beaucoup de dingueries, autant que chez nous oui. les droiteaux ah, censés dit... être non extrêmes tu vois mais parce qu'ils ont la... là ils ont vox ils ont des franquistes quand même carrément donc tu vois. bah après euh, le PP il y a beaucoup d'anciens franquistes qui avaient rejoint le parti quand il a été créé et en oui, plus a, de il ça à ils ont ouais. repris pas mal d'idées de vox qui a permis d'augmenter de 3 millions de voix lors leur, de leurs dernières élections, et d'ailleurs de Sucré Vox qui s'est un peu planté. Alors, du coup, moi, juste, si je peux, parce que ça fait depuis tout à l'heure, j'avais un truc que je voulais, euh, dont je voulais parler. Oui. C'était le fait qu'il y, y a un compte à euh, sur le, le conflit. Et c'est pour ça aussi qu'Israël commence à un peu se bouger les miches pour, euh, pour rentrer dans Gaza et potentiellement virer les, virer les gens. Et ce compte à il se matérialise de plein de façons. Euh, en interne, tu as le fait que Netanyahou, lui, ses jours sont comptés. Genre, il y a quasiment tout le, le, tout le monde est unanime sur le fait qu'il ne va pas rester. Il et a dit d'ailleurs veut... que moi-même, je vais avoir des comptes à rendre. Et il a l'air de s'y attendre. Ben, alors, le fait qu'il qu parle là-dessus, c'est justement parce qu'il a conscience de, de ce compte à rebours et c'est pour gagner un peu de temps. Le fait de dire, j'admets que je vais devoir partir, ça permet que les gens lui pressent moins les fesses pour, pour dégager, pour qu'il puisse continuer à le faire. Ensuite. Il y a aussi actuellement, là, en ce moment même, euh, le Hamas et l'Iran qui sont reçus à Moscou. Donc, il y a la dynamique des, des alignements des différents pays dans le monde qui est en train de se positionner. Si jamais le conflit devait dégénérer, euh, les différents groupes se, se, comment dire, se positionnent. Et au niveau du brouillard de guerre dans Gaza, parce que tout le monde est au courant, mais euh, ils n'ont plus d'électricité, plus de courant, plus de réseau, etc. Du coup, c'est compliqué d'avoir des informations sur ce qui se passe là-bas. Et le fait que, au fur et à mesure, euh, par exemple, le bateau qui va venir de secours, qui va venir s'approcher, euh, les missions qui vont vouloir s'approcher, etc., sachant que récemment, ils ont, ils ont refusé à des gens de l'ONU et de je ne sais plus quelle organisation, euh, de, 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 une ONG, lui refuser l'accès, etc. Là, ils essayent au maximum de garder le brouillard de guerre, mais ils savent pertinemment qu'il va devoir se dissiper par la force des choses, sachant que euh, et sachant qu'il va de toute façon, mettre. Le ça fait son temps, Bibi, ça fait combien de temps qu'il est là non, non, mais là je parle du brouillard de guerre sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, Bibi ou pas en fait. C'est-à-dire mmh. que si jamais tu commences à avoir des gens de l'étranger qui viennent sur place, ça sera plus le narratif uniquement contrôlé par Israël. Et, euh, et là, par exemple, on commence qui, à, ils puissant, ont là. fait une grosse erreur. Et merci, là, si vous avez suivi. also oui. reactor, oui. qui nous aide avec un bataillon de 9 personnes. Ah mais bah, je connaissais pas votre chaîne, merci, bah, petit So euh, à Osho. Euh, je regarderai, je regarderai ce que tu fais. Vous parliez de quoi Nous on est euh... En mode couvre-feu, en mode react, en mode revue de presse et en mode radio libre. Et du coup, c'est pour ça que je rends la parole à Aska, qui a le droit de s'exprimer. Oui, et je disais donc qu'il y a eu une, une otage qui a été libérée. Et euh, Israël a fait l'erreur de la laisser parler euh, directement à la télévision sans la vêter, sans la briefer, sans quoi que mais ce elle soit. A qu elle a dit qu'elle n'a pas été maltraitée, si, qu'elle a été frappée, mais qu'après on lui a donné des médicaments, etc. Alors, il y en a d'autres qui disaient, oui, euh, elle dit qu'elle a été bien traitée parce qu'elle a encore une partie de sa famille, si on en parlait la dernière fois, euh, qui est euh, aux mains du Hamas. Je ne sais pas si on parle de la... des mêmes personnes. On parle de la même personne, ouais. Mm. Et du coup, tu l'as vu. Après, est le... est-ce qu'elle aurait Ou dit tu... avoir été frappée si, justement, elle, avait... elle cherchait à, mi... à... à minimiser, voire taire, euh, les mauvais traitements qu'elle aurait reçus Voilà. Bah, il ouais. y, 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 y a ça. Il y a aussi des gens, qui euh, des retours sur le terrain qui disent que une trentaine de d'otages israéliens ont été tués par les bombardements euh, commence à avoir des gens aussi qui expliquent que c'est une, une, une politique israélienne de, de guerre de tuer les otages plutôt que de les laisser être pris en échange etc etc a ah, un... les familles des otages elles sont très très remontées contre Bibi actuellement hein, justement mais, mais, voilà. mais en fait, pas... de... vas-y vas-y elle par contre ça, elles ont euh, dû euh, euh, les gens les gens écoutent ce qu'elles disent les familles des otages euh, bah oui c'est mais ça je trouve ça absolument disaster classe total pour Israël de faire ça mm. je veux dire c'est même à l'image des, 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 des pros Israël enfin je veux dire laisser mourir des gens ne même pas essayer de négocier leur libération et tout enfin et encore juste euh, or, il, 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 il y a, après, il y a quand même... cynique, mais mais il y a un côté où tu te s'ils si commence à négocier pour les otages après il y a une forme d'un je... enfin c'est une réflexion très, très, très fois, cynique, hein, avec le ramasse, hein, euh... Et C'est évident. Mais c'est évident aussi qu'il se dit si on, on devient trop gentil parce qu'il y a des otages, il y a une forme d'incitation à refaire des otages parce des que otages, voilà, euh... on va. Voilà, donc il y a ce truc qu'on ne négocie jamais et c'est ce qu'avait fait Poutine contre les, les terroristes tchétchènes qui avaient euh, euh, voilà, fait une irruption on dans un dessus, théâtre. dans les chiottes. Si voilà, tu il... connais cette histoire, c'était le théâtre, je sais plus le nom du théâtre, mais du coup des terroristes tchétchènes prennent d'assaut un théâtre, ils prennent tous les spectateurs en otage, je crois qu'il y avait plus de 200 personnes, euh, et ben, Poutine a gazé le théâtre et ils ont tué tout le monde en fait, voilà. terroristes, otages, tout le monde. Hmm. Ouais, bah, j'ai l'impression alors... que Benjamin Netanyahu veut refaire une Poutine, quoi. Il y, plus... y, y a quand même une chance là-dedans, ouais. messieurs, euh, c'est que souvenez-vous... Euh... Quand ils ont pris les otages, euh, quand il, et que euh, Netanyahou euh, avait annoncé euh, non pas euh, voilà, des représailles ni même où la justice, mais carrément une vengeance, souvenez-vous que le Hamas avait dit à chaque fois que vous allez bombarder euh, des civils, on tuera un otage. Je crois pas qu'ils aient mis cette menace à exécution pour le moment. Au contraire, ils en libèrent. Bah, en fait, si le fond, ils je pense que le Hamas est plus intelligent au niveau de sa stratégie euh, pour ça qu'Israël qui préfère euh, être cynique, quoi, comme a dit Kelly. Mais ça, ça va leur retomber sur la gueule. Mais après, Israël se sent tellement plus pissé, tellement ils ont le soutien des États-Unis, de la France, l'Allemagne, quand même, parmi voilà, les France, trois il pays. Fout un peu, mais... Oui, ils s'en foutent un peu, mais quand même, quant à la présidente de l'Assemblée nationale voilà. qui veut donc quand à G... Van der Leyen, ça, là ça, ça a peut-être plus euh, de poids, tu vois. Voilà, mais... oui, en Van der Leyen. Bon, ouais, le fait souffler le dans les bronches, hein, mais... le chancelier allemand, bah mérité. Hein. Et mmh. Joe Biden, mais Joe Biden, je, pourtant les présidents américains, c'est des sionistes globalement tous, mais j'ai rarement vu un président américain aussi. Sioniste que Joe Biden. Non, non, non. Ce point, avant ce euh, truc -là, non. Avant ce truc-là, justement, les relations, elles, elles se tendaient de plus en plus entre Biden et Netanyahu, où il faisait ah, euh, preuve... presque des ultimatums de rétablir la démocratie et d'arrêter d'être un État fasciste. Donc la... Biden, il tapait un peu du poing sur la table avant ça, en vrai. Bah, la preuve que c'était de la com, c'est que bah, dès qu'il faut soutenir Israël euh, dans une guerre, ils le font à fond, quoi. Je veux dire, euh, je veux bien qu'ils aient tapé de la table, mais les États-Unis, ça reste vraiment, mais... Le papa d'Israël, son Shugardadi, son je ne sais plus comment le dire, mais voilà, c'est... D'ailleurs, il y a une ville, où... alors je ne me souviens plus le nom de la ville, euh, c'est-à-dire quelque chose, euh, aux États-Unis. Euh, non, je vais peut-être réussir à le retrouver différemment, alors attendez. C'était Dearborn, voilà, c'est ça le nom de la ville. Euh, Dearborn, alors attendez. Euh, sur Mediapart, ils ont fait un article dessus où euh, bah ça fait euh, ça fait quelques semaines que euh, les gens de cette communauté qui est euh, surnommée la ville arabe des États-Unis parce que c'est là où il y a le plus de com la communauté arabe euh, euh, la plus euh, qui viennent du Proche-Orient ou du Maghreb. Enfin, euh, eux, eux ils disent pas, ils parlent pas de Proche-Orient ils parlent de Moyen-Orient directement mais. Euh, et il euh, bah, y a quand même une solidarité qui se fait là-bas. Et euh, du coup, euh, bah, les gens sont un petit peu remontés, ils disent. Parce que oui, en fait, les démocrates et, euh, et Biden, ils ont gagné aussi avec notre voix. Parce que nous, euh, nous, on est un swing state, en fait. Et ils représentent 5% de l'électorat, je crois. Et, euh, et ils disaient, bah ouais, en fait, là, en 2024, on va peut-être appeler à s'abstenir. Donc, euh, alors que Biden, il avait obtenu 64, euh, plus de 74% des suffrages en 2020. En même temps, Trump est tellement anti-arabe et anti-musulman que bon, euh, forcément. Hein. Si, sinon, je il je a même quand même fait le, le muslim ban Trump. Hein. Trump hein. Oui, bah, justement, je... ils en parlent. C'était aussi en opposition à ce truc-là, ouais. Bien sûr. Je vais quand même répondre à un truc à Moura. Euh... Ouais, tu te c'est de la communication. Ouais. Je trouvais ça mignon. Bah ouais, mais la politique, notamment la, de la diplomatie, ce n'est que de la communication. Enfin, je veux dire. Euh, oui. bon, enfin, Est-ce que moi, quand ça... je dis aux gens de faire des dons et de faire des subs parce qu'ils n'en font pas assez aujourd'hui, c'est de la communication aussi Oui. Oui Est-ce qu'il faut avoir un soutien inconditionnel à, 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 au couvre-feu Oui, je, je le dis en criant parce oui. que le message passe un petit peu plus associé à du, marketing, euh, à du marketing de masse. Mais sinon, je peux aussi dire, il euh, bah, y a toujours euh, Pollux, que je n'ai pas spécialement envie d'entendre, mais il est toujours là. Les gens de la qui Alors, sont standards. Juste, juste pour finir du coup ce que je disais, parce que j'ai été un temps au milieu, mais j'ai presque fini. Euh, la course contre la monde, du coup, elle va se finir soit avec le fait qu'Israël réussisse à atteindre ses buts de guerre, à savoir vider Gaza pour pouvoir faire en sorte ensuite euh, qu'il ne qui puisse plus revenir, faire une deuxième Nakba. Et pour, pour Hamas, c'est pour ça qu'ils essaient d'être sympas avec leur, euh, leur otage, etc. C'est sont un peu intéressé. Parce que historiquement, qu'est-ce qui arrête Israël dans cette yes, dinguerie yes, de yes, Proche-Orient okay. Pour ce premier abonnement via Prime, Daniel Valatois, sois le bienvenu. Profite d'une émission sans publicité et d'émojis basés à ska. Je te rends la parole. Ce qui arrête Israël historiquement dans ces conflits quand ils font des dingueries sur les pays alentours, c'est les USA. Et c'est pour ça que plus le brouillard de la guerre se dissipe, plus il y aura de pression populaire sur le gouvernement américain pour qu'il dise stop à ce qui se passe en Israël, plus ça risque d'arriver. C'est pour ça qu'Israël essaie de faire le maximum d'avancées sur le terrain avant que les USA leur disent stop. Parce que là, pour l'instant, euh, tout ce qui est munitions, armements, etc., là, les munitions d'Israël, de, de, elles sont finies depuis belle lurette. Hein. Ah bon ce qui fait qu'ils peuvent continuer à bombarder, là, c'est parce qu'ils sont... Euh, ils sont renfloués non-stop par les Américains la qui envoient. Pas. Sur le mmh. Oui, bah c'est. De toute façon, la, la, le truc numéro un pour lequel Biden était venu, c'était pour euh, s'enquérir de leurs besoins. Je crois, je crois que c'était les mots qui avaient été utilisés. Bah là, c'est euh, là sur les, j'ai vu, a suivi un fil Twitter où ça parlait d'une enveloppe de 100 milliards de, de dollars euh, dans les années 100 à venir. milliards. 100 milliards de dollars, ouais. 100, ah, mais, 100 milliards, 100 milliards. Waouh. Et, c est, c est et en bon, fait, il ouais. y a même il y a une conversation euh, qui a leak. Alors, j'ai écouté Asanabi hier et du coup, j'étais dans mon lit, donc j'ai pas pris le temps de, de contrôler C, contrôler les sources, ah bon, ça etc. Écoute, euh, ça écoute Asanabi dans son lit, avec la main dans le caleçon, j'imagine. Exactement. Et en fait, c'était une conversation, une conversation qui a Merci Sadam Gimilik, Sadam Gimilic, qui fait. Préparer un train Est-ce qu'il le... a réussi à faire démarrer le train bien. En tout cas, Daniel Valatois, pour ses 500 bits. Enfin, Alors, le le train chose, de la hype approche, mais il manque encore des PLT, malgré les 5 PLT que vient d'apporter Sodom. Yes. Et, et, donc, et okay. du coup, c'était une conversation leak entre, euh, entre des gens placés dans, une, dans un truc d'armement ou je sais pas quoi. Et, euh, et en gros, une nana qui s'enquerrait euh, de quand c'est qu'ils allaient avoir les, 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 les bénéfices euh, pour leur boîte du fait de, de ces nouveaux contrats. Et euh, le mec expliquait que ça n'allait pas tomber dans leur euh, quarterly avant. Qui euh... mais... Mais Il voilà, y a un pas. chien. Il ouais, y, y a un, un chien. chien. Ça n'allait pas arriver dans leur quarterly avant 3-4 ans, mais qu'effectivement, il fallait qu'ils s'attendent à, à un gros boost, sachant qu'il y avait déjà 3 milliards là, qui, étaient rentrés, qui étaient rentrés de ce qui était arrivé récemment. Et donc, effectivement, toute l'industrie de la défense et de l'armement euh, est en train de se frotter les mains de manière scandaleuse euh, aux USA. quoi. Wow Moi aussi, je sais le faire. Le chien a-t-il un avis sur le conflit israélo-palestinien ouais. bah, On l'a entendu. Il me semble avoir des propos limite un peu terroristes. Je trouve le chien. Un soutien au Hamas inconditionnel de la part du chien de Aska. On retient. Cette on, prise pas, on peut pas faire confiance de toute façon aucune idée sur ce genre de sujet. Ça m'étonne pas. Ouais, C'est de du... la part du propriétaire du chien nazi qui dit ça, hein c'est vrai qu'elle a peut-être fait des choses qui ressemblaient à des saluts nazis sur l'antenne, effectivement. Mais là, elle est punie, elle est sur le canapé, comme vous le voyez. Ah bah non, vous ne, vous ne le voyez pas du tout. Euh, et si je me décale Et si je me décale, il y a un micro. Bref, elle est sur le canapé, m'emmerdez pas. Et sur le canapé, justement, qui d'autre attend En plus de M. Pollux, il y a Georges Labitmol. Donc nous allons passer son pseudo ah, pas sur... D'abord, de... je... faisons tes Georges d'abord, parce pour que le Pollux... Pollux, ça va être le bouquet final. On fait pas un All-Star parce que Pollux il attend depuis plus longtemps, le pauvre, tu vois. Donc on les fait monter ouais, tous les deux. Depuis le début, Polux. Ouais, mais bon, <laughs> on a failli donner la parole en plus et finalement non. donc. Mais euh, si je l'avais fait monter et puis je sais pas, ah, il, il a disparu. Reparti, okay. Okay. Puis, au pire, on fait un, un sondage On fait un sondage dans le chat. Les gens. Mais ils vont dire Polux. on veut pas Pollux, tu vois. Donc, euh... Ah, peu... Mais non, sauf non, que non. si on veut que ce soit une enfin, radio on donne libre, il faut faire monter tout le monde. Sodom, par exemple, il veut me voir en tant Pollux, parce qu'il a les mêmes opinions politiques que lui, donc... Euh, <laughs> Peut-être. Ouais, ils disent, allez-y, vas-y Pollux, allez, vas-y, on fait monter allez, tout Pollux. le monde. Moi, je dis, euh, si mon clic gauche veut bien fonctionner, sinon <laughs> je vous fais confiance. Ah Eh bien, voilà. Je repartage ma cam. Mais euh, non, j'ai essayé de le switcher, en fait, je me suis switché au standard tout seul. Je me suis expulsé de l'antenne. Ah. Et ça, c'était moche quand même. Ah oui, Salut, Pollux. Salut, Georges. Est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous, vous. êtes vénère Ou pas Et vous avez encore 30 secondes pour lancer un train, n'hésitez pas. Qui veut commencer, Georges Pollux Qui ouais, veut commencer Polux, à dire des, des trucs vénères ou moins vénères Bonsoir, je c'est l'odeur. C'est vrai que tu attends depuis longtemps, Pollux. Je ne sais pas si tu nous entends. Eh bien, pour le. Ah, ça si ça y est jeté t'ai ouais, à C'est ça. Pour il y arrive normalement. Et merci Aska yes, Aska yes, qui a offert it's 5, it's 5 abonnements. Qui a offert des abonnements oh. respectivement à euh, Non euh, si qui a offert des abonnements à Bonnie ou Clyde, à Le Gros Mass, à Amrots à yes, Longe, yes, Dunkerquois, mais écrit différemment évidemment. à La Mayoche. Et merci aussi un gros Danyavad à Popop Lagaffe. Saviez-vous que Vincent Lagaffe était le héros de mon enfance yes, yes, euh, Je me disais, ça a l'air d'être trop bien de se branler les couilles chez un éditeur. Et euh, oh. du coup, à Popop Lagaffe qui offre des abonnements à Spartagus, à Kroski, à euh, sir, sir 4 à Halloween et à Darl yes, yes, Kelta. It's it's Merci it's beaucoup Popop Lagaffe et Aska ici présent et du coup vous avez gagné la musique du train évidemment euh, mais euh, est-ce que t'en es où de... il, il, il te fallait combien de 1000 yes, abonnés yes, je crois pour libérer my my. la musique il en faut encore beaucoup hein. on n'est pas rendu on va y arriver à combien, un jour, peu près je euh, on est à, dans les 600 ou 500 et quelques je sais plus 500 dernière yes, nouvelle 500 yes, et ça varie on est loin en tout cas donc et bien la musique du train pendant que nous donnons la parole à Pollux. Salut tout le monde. Qui voulait s'exprimer peut-être sur ce sujet, mais peut-être yes, pas, puisque yes, tu attends depuis Mario. un moment euh, sur Discord. Peut-être tu voulais nous parler d'autre chose à la base. Ben, euh, à la base, en fait, oui, je voulais intervenir sur euh, l'intérêt justement d'avoir un projet ou un sujet euh, quand on arrive en live. Yes, yes, ah. euh, donc ah. c'est vrai que ça date en fait. C'était donc... ah oui, plutôt au début, donc bon, après je sais pas si ça construit pas. Ah, on peut revenir. Hein. On, peut, on peut faire bon. des allers-retours justement. Priorité au direct. Mais. Euh, à, à quel est ton avis après, sur la question Je pense que chacun attend des choses différentes d'un live. Euh, et même au cours de l'année, chacun, on va attendre des choses différentes. Mais euh, on va, en fait, à un moment donné, peut-être rechercher S, un yes, peu de, de, de détente. Et, et à d'autres moments, rechercher un peu plus justement de production intellectuelle. Si mmh. tu viens en permanence avec des sujets qui sont apportés par le public, et merci Bonnie euh, pour tu ce peux troisième mois. Ça va manquer yes. en Allez, reste, un petit peu de production Mario. intellectuelle. Je dis pas que ça va forcément arriver, mais euh... oh putain, ma mère qui m'appelle. Putain, et, et, et les euh... gens ils recommencent, ils disent que t'es le sosie vocal de Dioclo, alors que pas du tout Dioclo yes. il a une voix beaucoup Mario. plus aiguë, les gens. Clair. Et Allez, merci notre clear, notre clear qui offre 5 abonnements à la communauté. À Simus, à euh, La Quenouille, à euh, Chris Carina. Yes, à yes, Moine, euh, bah, ça me le met sur deux lignes, c'est super chiant. À Moine Pigum et à Gérard Le Rare. Merci notre clear qui nous permet de faire rentrer le train dans une gare supplémentaire. Yes, yes. C'est peut-être le plus beau abonné. train du mois. Merci. Bonnie aussi qui s'est abonné en, en, Entre temps, Yes, t'inquiète, je mettais mute pour euh, vous pour pour pas vous ah couper, y. mais je les remercie évidemment. Et du coup, euh, pour finir, euh, je dirais qu'il faut yes, peut-être, yes, euh, en yes, tant que youtubeur, justement apporter euh, différents types de, de supports, enfin de formats, euh, dont un qui est, est justement sûr de ça ce. Oui, oui, je pense oui, parce que pour en fait, chaque si youtubeur juste... doit faire plusieurs formats. Bah, yes, yes, je... Yes, moi, je, yes, je, yes, pense. En fait, je pense, que, pense. En fait, je pense qu'il faut cas, faire en... de la détente, en, tout cas, en même temps du débat sérieux. Je pense en tant que, que, le... que libre antenne, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, ce n'est pas les youtubeurs euh, ouais. n'importe qui, c'est ouais, ceux qui, qui font de la libre antenne. Voilà, ouais. oui, tout à fait. Parce que mieux vaut être donc... très spécialisé sur YouTube, justement. Ouais. On trois. Quoi. Ouais, ouais. <laughs> et, et je pense qu'en fait, oui, il faudrait faire en fait de temps en temps des choses peut-être à thème, une fois par mois, une fois par semaine, je ne sais pas, et euh, de, de plus régulièrement de la détente et de temps en temps, en fait, oui, vraiment faire investir les gens. Mais il faut euh, pas faire soit l'un, soit l'autre euh, ou l'un des trois. Et Nancy oui. elle n'est pas encore disponible. Moi, c'est ma vision. Après, euh, ouais, c'est ce que j'attends bah, d'un youtubeur alors... et de, de ce qu'il peut me proposer. Après, justement, parce que est-ce que des fois parce que tu dis, il y a des gens ils cherchent de la détente, il y a des gens ils cherchent de l'information, sinon il y a des trucs plus sérieux. Est-ce que en fait tes attentes elles changent pas en fonction? En fonction justement des streamers ou des vidéastes que tu vas suivre, tu vois. C'est moi quand je vais aller chez Danny et Raz, euh, c'est pour les regarder euh, bitcher, euh, en faisant un react, euh, en étant un peu de mauvaise foi et en faisant des bonnes vannes et avec Raz qui s'énerve et Dani qui fait semblant d'essayer de le calmer un petit peu. Alors que quand je vais regarder, merci G pour ses 100 bits pour le record. Daniéva voilà à toi G Merci beaucoup. Alors que, euh, je sais pas, quand je, vais, quand je vais suivre un live de Pas ring, c'est parce qu'il va m'apporter du contenu un peu pointu en matière de marxisme. Et j'y vais moins pour me taper des barres, quoi. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, euh, que on, vous êtes très spécialisé dans, dans, dans ce que vous êtes bon, euh, bon à proposer. Mais je pense que justement, le fait d'être seul euh, aux mains de votre entreprise, tu vois, en tant qu'entrepreneur, vous devez être multitâche. Et ah vous bah, devez de de être ça, polyvalent, vous devez de 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 être euh, justement, et ne pas se. Je pense qu'il ne faut pas justement se restreindre et en tant que community manager de, de Zioclo que je n'ai jamais été. Euh... Ah, justement, j'allais dire, il n'est pas censé être auto-entrepreneur. Non, c'est le running gag depuis le début. Mais bon. <coughs> euh, moi, je pense justement qu'il ne faut pas s'enfermer dans une seule image. Et je lui ai, hein, ai déjà dit, essaye de ne pas te bloquer. Et ça bah, vaut pour tout le, le monde. Hein. Il le fait un peu dans vaut, une hein. certaine mesure aussi, mais c'est-à-dire que, par exemple, Zio Clo, il, 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 il va avoir conscience que les gens ils viennent chez lui pour se détendre. Et de temps en temps, quand on va lui dire qu'il n'est pas pointu sur un sujet, il va dire, eh, c'est bon, bah, allez regarder. Je, je l'ai déjà entendu, justement, allez regarder euh, Daimon et Kali, si vous voulez, euh, vous prendre la tête sur tel et tel sujet. Nous, on est là mmh. pour euh, rigoler un peu, tu vois. On attend un stream cuisine escalope milanaise. Mmh. Ah bah attends, j'en fais tous les jours, hein, à l'époque, au resto italien à Billicin. Ça, sans problème, hein. Euh, après a pour le... faire un stream, Il y a ça va être un premier. De poulet. Vrai que et vous déjà avez fait des sondages, de hein de des sondages, des sondages auprès moi, pour de répondre, votre communauté. Euh, pour savoir quoi. Moi, moi, j'en bah, fais assez rarement. Qu ce qu'ils veulent en fait, ce qu'ils attendent de vous. Moi si j'en ai, j'en ai fait un pour savoir si je devais activer les pubs et les gens ont voté pour. Donc, euh, d'abord ah voilà. ouais. euh, ouais. Ok. Les gens m'ont dit, prends la thune, Cali. Donc, tu vois, je le fais de temps en temps, mais pour répondre sur la diversité du type de contenu et tout, je pense pas qu'il faut s'imposer d'être bon dans tous les types de contenus, je pense qu'il faut avant tout écouter ce que t'aimes et ce que tu as envie de faire, c'est ça le plus important. Et c'est pas s'enfermer, moi justement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut pas s'enfermer dans un format, ça je trouve ça très délétère, et il y a beaucoup de gens sur YouTube, c'est un parcours qu'on a beaucoup vu dans les années 2012-2013, YouTube il qui... y a des gens qui en un peu ouais. Exactement, parce qu'ils ont triomphé dans un format qui leur a apporté beaucoup de vues, et dès qu'ils ont voulu, enfin ceux en tout cas ils qui pensaient. ont voulu essayer, essayer de faire autre chose, ils se... Ils ont, eu, ils ont eu une chute perçue d'audience ouais, Donc s'ils faisaient biens. un million ils sont tombés à 100 000 Par exemple avec certains formats Et du et coup ils étaient en me mode bien. ah merde je bide Alors qu'en fait ben, se faire 100 000 c'est déjà très bien C'est juste qu'il n'y a pas le même, la même euh, Le même public pour un podcast à la Cyprien Que pour euh, des fictions audio Un peu précises de geek C'est évident qu'il n'y a pas autant de public Mais si on pense à chaque fois Ah oui j'ai fait ça j'ai bidé Mais là tu pas, restes pas dans les, les brantennes quand tu parles ouais, en... ouais, je suis d'accord, mais je parle de YouTube en, en général. Parce que moi, au final. Ok, dis... pour YouTube en général, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais pour YouTube en général, libre général, moi, moi, je suis d'accord avec toi pas. dans le sens pour YouTube en général, c'est bien que les YouTubeurs puissent s'écouter et faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire ouais. sans trop se soucier de, de ce que ça va. C'est ben un peu leur marque, de leur, leur euh, comment ils veulent s'exposer, c'est ça qu'ils vendent. Mais en tant que libre-antenne, justement, mmh. on, on vous entend déjà deux, trois fois par semaine, parfois, euh, ça dépend des chaînes. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un, un turnover justement de choses régulières, euh, où on se dit par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, on a quelque chose euh, qui récapète. Euh, Peut-être dans ce sens-là au sein du même stream, par contre, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je vois, par exemple, si je fais... Des, des, souvent, je fais des sujets, les sujets un petit peu euh, durs, un petit peu de fond, un petit peu, voilà, l'international, le politique, euh, pas trop des sujets légers au début du live. Et à la fin du live, pour se détendre, je vais mettre un truc euh, un peu plus geek, tu vois. Et euh, je vois qu au nombre de viewers, qu'il y en a plein, ils sont en mode, oui, bah, par contre, Diamond, t'es euh, mignon, mais euh, ta vidéo de Micob avec Jamie sur les supports de stockage, puisque j'ai ça de prévu euh, euh, potentiellement, si vous voulez qu'on regarde ça plus tard, euh, bah en fait, moi, je ne suis pas là pour ça, moi, je te suis pour l'actu internationale. » Donc, il y a un côté d'auto-enfermement, c'est les gens, ils t'ont mmh. su découvert sur un truc, ils te trouvent bon sur un truc, ils te suivent pour ce truc-là, et ils ne veulent pas que tu eh. fasses autre chose, même en tant que streamer, même en tant que streamer radio libre, je trouve. À ce moment-là, prenez l'exemple des, euh, des matinales sur, à, à la télé. Ils arrivent en fait à, à garder le public euh, alors qu'il y a des pubs tout le temps c'est incroyable et pourtant ils ont ils abordent plusieurs sujets ça va être euh, la chronique euh, auto euh, éco euh, le, le, les actus euh, et puis après ça va être santé euh, et en fait ils il, il varient comme ça autour au, euh, au fur et à mesure pendant deux bon. heures ça c'est plus un format pendant magazine tu vois et il y a plusieurs personnes ouais. justement le chroniqueur qui ouais, fait son truc pouvoir, rigolo ouais, ouais. il vient tous les jours faire un truc rigolo le mec qui passe les plats tous les jours il passe les plats le mec qui vient faire la météo tous les jours il vient faire la météo et même s'ils interagissent ouais, c'est une autres, équipe quoi tu vois ouais, ce que je veux c'est pas, pas comparable. La non, télé, c'est dans les mœurs depuis longtemps que, que les ouais. gens, ils, de la, quand il y a des gens qui sont chez eux le matin, bah, ils mettent la télé en leurc et tout, donc c'est une question d'habitude. C'est pas du tout comparable avec... Pourquoi euh, ne faites-vous pas une matinale ça pourrait être intéressant, voilà. non faire. Moi j'ai... <laughs> ma vie. ma et... vie est consacrée à esquiver de faire une matinale. donc... Euh, j'ai ah, ouais, <laughs> en fait, même moi, un jingle truc, pour, que... pour la matinale. Arrêtez de vous foutre de moi. Ouais, tu l'as utilisé <laughs> deux fois, Diamond. toi, arrête de, de, de... Oui, <laughs> le jingle, le jingle. Non, souvent je tu le fais... Je sais, sais, tu sais même pas je où il est. pas où il est. Je le fais plutôt une fois par semaine. Parce que souvent il y a un moment où je me recale, ou il y a un moment un soir où je live pas. Du coup, je dors 12 heures, et après je me réveille à 4-5 heures du matin et je suis vénère, tu vois, et du coup je fais une matinale. Ouais, Donc moi, je le, moi, le je ne vous laisserai qui... pas me diffamer, monsieur Vision. Non Moi, le truc qui m'angoisse dans, dans ce que tu dis, pollux c'est le côté, genre, une fois par semaine, on va avoir du fun. Une fois par semaine, on va faire un truc sérieux. Une fois par semaine, tu vois, il y aura un, un horaire où il faudra que ce soit fun. Un horaire où il faudra que ce soit sérieux. Moi, c'est ça que j'aime pas trop. Moi, j'ai l'impression de faire ce que tu dis, mais de le mélanger au sein de mes, de mes streams, dans, dans un truc euh, assez organique, au final, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut commencer par parler de, ben là, en ce moment, tu vois, Israël-Palestine pendant trois heures, puis on va regarder une vidéo. D'un mec qui parle de cinéma, qui parle de walkies, mais on va se taper des bars, tu vois, dans le même stream au final. Euh, comme disait Diamond, tu vois, il y a. C'est flou. On peut, on peut faire des trucs différemment. Moi, j'ai besoin d'être. De, de, c'est flou pour moi et j'ai besoin ouais. d'être plus. d'y voir plus clair. Euh, soit en tant ouais, que. Non, moi je, que, que je là-dessus, c'est flou, mais justement parce que, en fait, ça, ça, tu vois, si je me disais, allez, maintenant, je vais faire une matinale tous les lundis et mardis, le lundi matin, de me lever à 6 h pour faire une matinale, ça me donnerait envie de me tirer une balle, je, je vais être honnête avec toi, tu vois. Si c'est un Salut. truc prévu à l'avance. Jamais je le ferai. Par contre, s'il se trouve qu'il y a un lundi, je me réveille tôt, bah, je peux lancer une matinale, tu vois. Si j'en ai envie, sur le moment pas, si je l'ai prévu à l'avance. C'est. Mais en fait, c'est ça en fait. Attends, voilà, attends, attendez J'ai une question très importante à poser à Kali Tu peux me rappeler euh, déjà, Kali euh, pourquoi euh, Matrix et Walk déjà aux dernières nouvelles C'est parce, parce que Kim que... Reeves est demi-hawaïen oui, oui, et parce que oui. sa grand-mère est chinoise. C'est la raison officielle. Il dire. y a Laurence Fishburne qui est un noir. Et vous Alors, allez loin quand même. Vous là, avez non pensé, non, le plus important, c'est qu'ils avaient pensé à peut-être prendre Will Smith pour jouer dans le film. Ça, ça le rend. Oui, en plus. Plus, donc, en plus. Voilà. Alors, en plus, il y a des femmes. Et en plus, ouais. les, les deux réalisateurs sont devenus des réalisatrices. Donc à partir de là, hein. qu'est-ce qu'on peut Une faire Une fiction woke. Voilà. En plus, Alors, moi, juste Je pondérer, loin, pondérer ce que disait Diamond sur le fait que quand il change de sujet qu'il parle de trucs informatiques ou nerds, euh, plus personne n'écoute. Généralement, il fait ça à 5h30 du matin en fin de live. Mmh, bah oui, ça, bah oui. ça, ça joue un petit peu dans le fait qu'il y ait moins de monde à ce moment-là. Et c'est évident, surtout que quand il est 4h, que tu dois te coucher depuis à peu près 2-3h, que tu écoutes un live et qu'il y a un switch de sujet, en général, tu te dis vas-y, c'est le moment d'aller se coucher. Tu vois. Genre, j'ai entendu le sujet qui m'intéressait, je vais aller me coucher. Mais bah oui, à 4h du matin, bah forcément. forcément. Voilà. Il dit non, mais euh, tout le monde sait voilà, que c'est le cas. Évident. Et puis surtout. <laughs> Surtout que, tu vois, le truc, c'est que si tu commences par parler de politique, forcément, les gens qui vont s'agréger au fur et à mesure, ils viennent pour écouter de l'actu internationale, ils viennent pour écouter ça, vu que tu es en train de parler de ça. Mais si tu fais un stream complet où tu parles d'autre chose, ben, tu vas cultiver un autre type de public. Après, je suis bien d'accord que ça prend du temps, c'est compliqué, que parfois, tu as moins de monde quand tu fais ça. Moi, j'ai envie de faire des streams Elden Ring en ce moment. Je sais très bien quand je fais un stream Elden Ring, je divise mon audience par trois ou quatre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça n'intéresse pas tout. Mais moi, après, il euh, y a aussi l'avantage que selon ton modèle, en fait, euh, bah, tu n'as pas besoin de préparer quoi que ce soit et justement, ça t'allège dans ton travail. Après, euh, aussi, oui. moi personnellement, je trouve que bah, du coup, en fait, euh, les dons que tu reçois ne valent pas ce que tu produis. Pourquoi bah, Parce qu'il n'y a aucune production. Bah non, il n'y a pas aucune production. Animer un stream, ce n'est pas une production. Après, il n'y a pas de post-production, évidemment, c'est euh... du live, mais ah il, y non, oui. Oui, il y a de la, la production. Oui, la présence en live, c'est un travail en soi, hein. bien sûr. Mais après, ouais, là, où je... là où je vais être un peu d'accord avec Pollux, il, un... eu... il y avait une discussion <laughs> avec Wendo sur ce sujet sur un de ses streams et lui il disait qu'en vrai après bon je suis pas streamer, je peux pas affirmer ça comme lui mais lui il disait qu'au final quand tu es streamer que tu as tes habitudes tu, que tu sais comment faire c'est et que tu fais juste streamer que tu fais que tu fais pas de, de gros projets à côté mm -hmm. et que ton seul projet c'est le stream en soi c'est pas non plus le vraiment pas le job euh, le pire à faire sur bien sûr lui... c'est le pire job personne dit que non mais il, lui, job. Lui, lui en fait il réagissait au, au streamer, ah moi j'ai eu plein sais, de il boulot il était largement pire hein, bah, bien sûr lui, réag... même, même non, si non, mais, en mais... vrai si, si non, je mais... regarde si je regarde mon salaire à l'heure si je vois parce que moi il y a le, le travail en live mais il y a surtout le travail en amont et en aval plus en amont qu'en aval mais quand même euh, je suis euh, ouais je sais pas si euh, j'arrive à la moitié d'un smic roumain tu vois mais après, c'est évident que ce n'est pas le pire travail, mais bon, comme, es, comme dit Diamond, comme tu n'es pas payé au final, euh, fin, quand tu es payé, tu vois, parce que Diamond, par exemple, lui, il prépare énormément ses streams. Et comme tu dis, tu es au SMIC roumain. Donc, euh, tu vois, le fait de préparer ses streams n'est pas non plus rétribué par les gens euh, dignement non plus. Donc, euh, bon, c'est bien gentil de dire on mérite, on ne mérite pas, mais. Euh, ah non, en je ne sais pas. Ce de mérite, mais... hein. je non, bien non, c'est pas qui si parle. Hein, c'est Pollux qui parle de mérite. C'est ah ouais, pas, pas par contre ce temps, je trouve, moi, je trouve je ça hallucinant au final qu'on te fasse des dons plutôt qu'à Diamond. Parce que Diamond, il, qu il se, il 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 se dépouille, il se dépouille quand même. Kali, bah, quand quand il fournissait exactement les mêmes efforts pour préparer ses émissions et qui euh, passait euh, 24 à 48 heures avant son live du lundi à, à suivre bah, la politique ouais, américaine, ouais. il avait moins de dons qu'aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, c'est bien pour te bah, montrer que c'est pas normal. Enfin, tu vois bien qu'il y a un truc ça qui pas. pas comme ça. Après, alors, je ne veux pas, faire... Ouais, ouais, pas bon. pour faire le Picasso de, du streaming, mais moi, ça fait 15 ans que je fais de la radio, que je fais du streaming. Enfin, je streaming depuis maintenant 5, mmh. 5 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, c'est aussi le fait d'avoir préparé, ouais. préparé énormément de live dans ma vie. Ça me permet aussi aujourd'hui de moins préparer. Et je prépare quand même d'ailleurs. Hein. Je ne vais si, pas si dire que je ne prépare pas. mais Si je peux pondérer un peu tout ça, alors je suis d'accord avec ce que tu dis. De toute mais façon, le mérite à... n'existe pas. Genre Alors, si c'est faire... un culte de la souffrance, ça n'a pas de sens. C'est de la chance, c'est beaucoup de la chance. J'ai envie de pointer que les deux plus grosses émissions qu'il y a à la télévision, c'est Anuna et Quotidien. On ne peut pas dire que c'est les émissions les plus qualitatives qui existent au monde. Donc, on ne peut pas faire de lien direct entre euh, le talent et la qualité d'une émission Malheureusement. Et, et, et le public. Mais, ouais. euh, mais après, moi, juste un truc que j'ai envie de dire sur ce qui était dit juste avant. Euh, par rapport au fait, te, Kali, tu parlais de faire du Elden Ring et Daimon hésitait à parler de, de trucs de d'autres sujets. Euh, je pense qu'on doit, enfin vous devez plutôt, je suis pas encore streamer, peut-être un jour on verra, mais je pense qu'il faut travailler son audience dans le sens où, euh, bah, si effectivement ils sont pas habitués, rien ne l'empêche de devenir habitué. Et effectivement, peut-être que les gens, ils vont déconnecter parce que ça les intéressera pas, mais peut-être qu'un jour ils vont rester connectés si tu lances un Elden Ring ça va les faire se poêler et la fois de près, ils risquent de rester, etc. Et c'est comme oui. ça que ça fonctionne. Moi, je sais qu'il y a pas mal de streamers que je suis euh, qui, alors, déjà, je, je, je pense que ah, J'aimerais bien une... pouvoir me permettre ce genre de truc de temps en temps, mais, en termes de stats. Je pense que c'est une erreur de, de faire deux chaînes différentes, une où tu games et une où tu parles de trucs ça, etc. Mmh, et je, je, je sais qu'il y, y en a qui font ça, je trouve que c'est une connerie. Je pense que, justement, tu gagnes à travailler ton audience à un, euh, un format qui carrie l'autre, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi le truc que, voilà, les gens, les, bien, bien souvent, les gens qui regardent ton stream, ok, il y a le sujet qui les intéresse, mais il y a aussi ta personnalité. Je veux dire, Daimon, les gens qui suivent, euh, c'est bien, oui, d'accord, ils sont intéressés par la internationale, mais je pense que tu gagnerais à avoir plus confiance en toi, dans le fait que ça les un gens. Non, pas est... de confiance, mais là, tu vois, sur les 160 personnes qui sont là, tu vois, 159, tu vois, il y en a une, une personne, ça ne lui a pas plu. Et <rire> <rire> en vrai, il y a. Euh... Allez. 25% de ces personnes qui seront là, quoi que je fasse. Mais les autres, non. Et c'est pas, pas pour rien. les engueuler. Moi aussi, je comprends. Et des fois, je vais, je vais, je vais chez l'ex-Calvin, tu vois. Euh, ouais, mais là, il regarde un film allemand des années 80. Je fais, bon, bah, peut-être je vais repasser une autre fois, tu vois. Même si ils, font, Lex ils font pas peur, ces 25% de groupies non mais là ton 25%, ton 25 et le reflet C'est grâce à eux que j'existe en fait. C'est euh... pour eux <laughs> que tu streames en fait. Moi c'est ça le truc que... moi j'ai déjà entendu ce discours de Pazou, de même de Ilies, de plein de gens. Ilies un peu moins quand même, mais Pazou avait pas mal ce discours là aussi. Genre oui, si je fais ça, je perds des viewers et tout. Mais en fait c'est que vous streamez pour les viewers que vous avez pas, du coup. Et vous ne pas pour les viewers que vous avez. Les 25% qui restent là quoi qu'il arrive ben C'est pour eux qu'il faut streamer en fait enfin... Oui Alors, oui, mais si mais... tu cherches à élargir ton audience Tu peux pas juste te dire Bon bah peu, peu importe euh, Là en ce moment les chiffres sont catastrophiques Mais continuons parce que les quelques personnes qui restent là Ils ont l'air d'aimer ça ah, Il faut je forcément ménager que... la chèvre et le chou tu vois, tu, si, tu, si demain tu décides de faire juste une saga euh, Une saga coffee talk Et que tu joues que à ça 20 heures par jour C'est sûr que je vais pas te dire que tu vas grimper ton audience de fou je, Mais je si tu pas. fais ce que tu fais actuellement Et que ouais. tu ajoutes par touche ce que as en plus envie de faire ou ce qui te fait kiffer sur le moment, et eh ben voilà, ça même si tu perds des gens, ben au final tu stream pour des gens qui te regardent et qui te kiffent. Donc euh, en vrai pour moi c'est plutôt, euh, en fait le truc c'est de se dire, euh, je stream pour les gens qui ne me regardent pas au final. Ben tu vas faire des choses pour des gens qui de toute façon te regardent pas. Donc euh, tu vois ce que je veux dire C'est là où je comprends pas cette, cette, ce raisonnement. Bah, te en fait moi pense, truc... de temps C'est un truc parce que tu sens modeste si tu commences à te la raconter, ce sera bye bye. Mais je me la raconte déjà de ouf. <laughs> je... Pourquoi non, les gens ils pensent que je suis Non, non. et le plus modeste et le plus gentil, Diamond ah, Franchement, voir, veux... comparé à d'autres. Après, non, non, il n'est pas man, aussi alors. modeste que Ilyes qui s'excuse toutes les 3 secondes de un stream Ah oui, c'est clair. Et il, le moins, il le fait moins, ceci dit. Non, il s'est calmé. Il s'est calmé. C'est oui. ah. vrai que pas ah, et Ilyes là-dessus, c'était surtout là-dessus qu'ils avaient un point commun, c'était de s'excuser toutes les 3 phrases. Sinon, je ne sais pas si tu as vu, il y a Chris Copt qui est dans le standard On va le faire monter. Bah, du tu coup, vois priorité K à Cali oui. regrettait l'époque des radios libres où ils étaient 10 euh... ah Bah voilà. On en fait une ce soir. Ah, J'en regrettais pas, mais bon, désolé. ne <laughs> regrettais ah, tu pas ni... monter avant moi. Bah si t'en as fait une il y a pas longtemps de radio libre Cali salut Chris. Oui. Moi j'ai kiffé en plus hein. Radio libre T'as kiffé parce, parce que es... c'est venu comme ça et que tu c'était pas prévu d'avant. Exactement. exactement. Que... Voilà. J'ai compris comment tu fonctionnes ouais. J'ai dû retitrer ah, la vidéo après coup le retour des radios Libre parce que c'était pas prévu de base quoi. J'avais prévu de regarder des vidéos en, en faisant du gaming et puis quelqu'un a dit ah ça fait longtemps que t'as pas fait de radio je peux monter et tout et puis voilà on est, on est parti en discussion quoi. C'est pas la question de s'excuser c'est de rester humble avec un sens critique et une ouverture d'esprit. Bah sens critique et ouverture d'esprit bah, j'espère les avoir tu vois mais euh, je pense pas que ce soit lié à la question de la modestie ouais. ou de la modestie ouais. peux non, et Tu quand peux même être critique et ouvert d'esprit tout en étant remarquablement immodeste quoi Éminemment moi, immodeste, pour faire plaisir moi, à l'usul, parce qu'il est en croisade contre moi. Éminemment immodeste, oui, c'est vrai. vrai. <laughs> je crois comprendre ce qu'il veut dire, parce que moi, effectivement, c'est quelque chose qui m'insupporte dans le, dans le stream, c'est le, le fait que les gens, ils, ils ont l'impression de devoir, que le fait d'assumer la persona du mec à confiance en lui, ça va leur faire gagner des viewers. Alors qu'au final, quand c'est ta personnalité de base, oui. je dis pourquoi pas. Mais quand, quand tu euh... surjoues la confiance et que ça sent. C'est ah très... ouais, ouais. insupportable. Quoi. Et il y en a plein qui euh, le font en mode parvenu ou en mode ça y est, ils commencent à avoir une audience, etc. Et du coup, il y a des moments où ils font genre euh, les faux humbles. Ça, c'est le pire. C'est-à-dire que les mecs, les oui. mecs qui, sont, euh, qui sont des faux modestes, qui prennent la con... Ah, je préfère un faux des... modeste que quelqu'un qui. Euh, qui euh... Singe euh, la confiance de... de façon cringe quoi. Euh, pour moi c'est le stade d'après. Pour moi c'est euh, le, 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 le mec qui, le mec qui singe, qui singe la conf c'est le degré en dessous il du mec qui, euh, qui ensuite fait le faux modeste parce qu'il singe la conf parce qu'en fait il est enfin tu rentres dans un tiers de d'hypocrisie qui est insupportable pour moi. Quand On te euh, demande à qui bordel. tu penses. On veut des noms. La France veut savoir Monsieur Ska Non 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 je vais pas balancer des noms. Quand, euh, quand Si un jour je suis streamer, je ferai des dramas de merde comme ça, mais là, il y a aucun intérêt. <laughs> bah, sinon, t'es content que j'ai mis euh, l'OST de ton jeu préféré en fond Eh et bah, et bah écoutez, euh, Baldur's Gate 3, uh, gothi, uh, 100%, uh, pas de problème. Euh... Bientôt, je relancerai une ah, game. Pas euh... aussi bien que Coffee Talk 2, mais... Que, que faire d'autre dans la vie à part jouer à Baldur's <laughs> Gate 3 hein. Ah, bah là, bon, j'ai fini, j'attends un ou deux mois euh, histoire de me vider un peu les, les, les batteries de, les DLC. du jeu pour pouvoir le, le relancer. Mais non, j'ai pas besoin de DLC encore, il y a tellement de trucs à faire ah dedans. Ah oui, oui, oui c'est à dire je, que. Il oui. y, y, y a là. déjà trop de fins, trop de trucs, de personnages où tu peux passer à côté. as ah, vu, j'ai dit, il vraiment... y a 25 viewers en plus. Non, il y en avait 13 en plus, <laughs> mais je, <laughs> un peu exagéré. <laughs> Jouer à Star Citizen. Non, moi, moi j'ai joué Star une Star fois Citizen, pendant un stress test. Mais le seul truc que j'aime bien dans Star Citizen, c'est regarder la guerre entre le joueur du grenier et Antoine Daniel là-dessus, et regarder ce taunt. Il y a de l'actu Star Citizen, c'est pour ça que ça en reparle. Non, 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 non Attends, attends, attends non, pardon, excusez-moi, j'ai dit que c'était nul Star Citizen, je pensais que c'était l'autre Starfield, pardon. 49-3, Star Citizen, je ne connais pas, jamais joué. Attends, 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 il y a une actu Star Citizen, ils ont fait un release trailer sur l'update de leur engine. Qui sort donc, c'est wow un peu de ouf. 600 millions pour Unreal oui. Engine Ah, mais faut que tu imagines, ouais, c'est un, un, un engine... Non, c'est pas Unreal Engine, non. C'est un engine à quasiment un milliard, on va dire, si je caricature. Mais wow. le temps Et... que leur jeu sorte, en fait, il y aura trois engines de plus. Euh... Parce que ah, oui. Alors, je vais, j vais <laughs> repréciser pour les gens qui il y connaissent je le euh, oui, 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 bon, jeu. Alors, c'est un jeu, il euh... sortira jamais, mais ils ont pris ça, euh, un milliard d'euros. C'est un MMO de l'espace, il faut dire. Alors, millions. Je suis pour dire que c'est une arnaque, mais juste laissez-moi présenter une seconde parce que là vous ne rendez pas à service à ce que c'est. Ah, c'est un, jeu... bon, un, un jeu qui est en développement depuis des je années et des pas. années, qui ont, qui ont ponctionné des milliers et des milliers d'euros. Des millions d'euros. Hein, moi, je, moi je suis très 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 critique de ce jeu et je ne l'ai pas acheté. Des, des, des millions d'euros, quasiment un milliard bientôt, à leur communauté en vendant des, des, des vaisseaux spatiaux des matérialisés à des je crois 3000 ou En vrai, tu peux jouer au le, jeu le pour cher. à l'époque, tu pouvais jouer au jeu pour 25 balles, je crois, et tu n'avais pas besoin de mettre plus. Mmh. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis trois de ans, ils ont mis en pause le développement du jeu Star Season. Ils continuent à développer le, le moteur qui est derrière le Star Engine, je sais pas quoi, parce que là, en fait, actuellement, ils sont en train de développer du joueur, du et de finir de développer le fou. jeu solo qui s'appelle Squadron 42, avec que des acteurs euh, classe A, que tu on a tous vu dans tous les films, genre Marc Hamill et compagnie C'est nul de faire ah, ça Ça a l'air Ouais, bon. ouais, et, euh, oh, et Il donc... est parti là, l'argent, en fait, donc... Okay, ouais, non, mais clairement, clairement, clairement. Et en fait, là, il que... y a le trailer de, de Squadron 42 qui est sorti, et ils sont en phase finale de le sortir, et en fait, si ce jeu euh, se vend bien, et qu'il bosse bien... Il oui, y a moyen là. que ça relance la hype sur le jeu. Par contre, si ça si bide. Ça bide, c'est terminé. Euh, ouais, Mais en toute façon, euh... même si le jeu marche bien, je veux dire que ça sera quand même un bide vu tout l'argent qu'ils ont investi dedans. Ouais, non, enfin... alors, mon non monétairement, monétairement, ce ne sera jamais rentable. Par contre, en termes de ce que c'est dans, dans le monde du gaming, il euh, n'y une... a pas à chipoter sur le fait que ce soit une révolution. Et encore, heureusement que c'est une révolution, genre si tu compares à Starfield par exemple, Mais en fait je... le problème c'est que leurs mais... bonnes idées ah, se traduisent par non. des trucs euh, en termes d'ergonomie qui fonctionnent pas du tout, tu vois, genre ah, en mode oui, en fait on ne veut pas, on ne veut pas instancier notre jeu, c'est derrière les, les MMO en fait vous avez plein de gens, mais en fait quand vous êtes trop nombreux, en fait vous, on vous met dans des univers parallèles, vous évoluez pas vraiment dans le même monde, donc le côté massivement multijoueur puisque c'est il y a deux M dans hum. MMO, euh, c'est un petit peu euh, c'est pas vraiment vrai. Alors que là ils te disent si on Veut que tout le monde soit dans le même univers et que si il euh, y a un joueur, il ouvre une porte à l'autre bout du système solaire, et eh bien pour n'importe quel autre joueur, cette porte est ouverte. Sauf qu'il faut que le, le joueur qui est à l'autre bout du système solaire, et eh bah du coup, il charge le fait qu'il y a un connard, il a ouvert une porte à l'autre bout de la galaxie, et, et ça multiplié par le nombre de joueurs qui des portes, et du coup, tu as deux et images par le par nombre bon d'actions possibles aussi, quoi. Voilà. Du coup, Et en fait, c'est une bonne oui, idée oui. à la base. Tu te dis waouh, c'est ambitieux. Ouais, mais en fait, techniquement, ça se traduit comment oui. Ça se traduit en étant de la grosse bouillie, du gros porridge euh, dégueulasse. Ah, ça, ça, franchement, ça me fait chier parce que j'ai pas envie mais de défendre ambitieux. ce jeu. J'ai pas envie de défendre ce jeu, mais tu dis des trucs qui sont factuellement faux. Du coup, je suis en mode ah mais c'est pas ça, c'est pas le cas. Oui. Voilà. Explique, ah, explique, moi, explique, moi, je explique, vous relate oui. comme le joueur du grenier l'expliquait. Alors après, en fait, ils 600 millions d'euros pour clipper à travers les ascenseurs, quoi. Ouais, voilà, alors parce que ça, ça, tout ça, vous dites, c'est vrai. Sauf que le truc, c'est qu'en termes de priorité ça prend, ça de développement, là, toi, en termes de priorité de développement, ce dont vous parlez, à savoir euh, le, le, le clip des personnages à travers les murs et le fait que euh, les objets soient persistants dans le monde. C'est euh, le police -ce de fin de se les couilles. Gaza, hein Là, eux, leur truc, c'est justement est-ce qu'on peut avoir des galaxies gigantesques euh, dans lesquelles tu peux passer l'espace à la planète et la planète entière qui a un biome qui fonctionne, etc. avec de la météo. Et là, actuellement, sur leur dernière engine, oh. ils ont montré... que on, Je viens de faire un à... sondage pour savoir si les gens s'en foutent de Star Citizen. À 917%, ils ont dit qu'ils s'en foutent. D'accord. Du coup... Euh... Ouais, Ça, pas pas. Euh... Mais c'est intéressant. Mais j'y jouerai le jour où il sort, tu vois s'il si sort, c'est pas sûr. Euh, oui, oui, et pour je... les gens qui ont mis des milliers d'euros et qui sortira peut-être pas, c'est un deuil. Ce je... Bref. Et moi, je pense que ce qui va être génial, c'est les, les jeux vidéo qui vont piquer le moteur graphique de Startizen pour faire des vrais jeux avec, parce que ça sera un peu ça crise de se passer, quoi. Et voilà, développer le truc du futur. Allez-y, on, on vous regarde, all my beer, et puis euh, et on, on, on verra le moment venu. Et Le moment venu. Est-ce que vous avez la ref Non, vous avez pas la ref. Euh, du coup, on a perdu Georges. Euh, mais on n'a pas donné la parole à Chris Cop qui voulait peut-être parler d'autre chose que de Star Citizen. Je ne sais pas. Salut est Chris. C'est une arnaque hein, de ne donner pas votre Est argent. Est-ce que tu nous entends Ou pas J'ai vu que tu t'es démêlé, mais nous ne t'entendons pas. Pour le moment, Chris, pourtant, ce n'est pas la première fois que tu participes. Normalement, tu, oui, tu connais un petit peu la maison. Tu est connais la secte, aussi un petit peu Discord. Il euh, faut dire qu'il fait partie de la secte des... des, des comment ça s'appelle son truc Lutte ouvrière c'est la ah. secte de l'Utte ouvrière, c'est les 15 personnes de l'Utte ouvrière représentées ah, par Chris comme dans le par, chat. Par contre, j'ai été sur le site du coup de Jérôme Métellus et effectivement, ils ont, euh, ils ont de la docu euh, intéressante, tu vois. C'est euh, sur, euh, sur la théorie. Si, 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 si tu veux te faire des petites piqûres de rappel de marxisme et pas juste de marxisme selon Marx et Engels d'ailleurs, euh, ils ont un bon site. Je me souviens plus du nom du site, il est sur mon autre PC euh, ouvert dans un onglet. Jouer à Star Citizen alors qu'il y a Monster Hunter. Bref, non, Monster Hunter c'est une autre secte encore. Uh, Sodom Gimmick. Moi je, je sais, j'ai essayé, j'en ai fait. J'en ai même stream sur Twitch hein, une fois. Euh, bah non, Belial, Belial Spirit n'a pas réussi à m'attirer dans sa secte. Euh, bah Chris Copp, on ne t'entend pas. Euh, du coup, moi j'avais encore une vidéo pour, euh, par rapport euh, à l'actu sur Israël. Je voulais qu'on regarde le dernier euh, Actu réfractaire. Et ensuite, euh, bah, on regardera une dernière vidéo ensemble avant de rendre l'antenne et je vous ferai voter pour. Si ça vous va. Très bien. Dommage, c'est pas un facho, on va s'emmerder. Oui, mais quand il y a des fachos, tu n'es pas content non plus, assino. Donc, tu ne oui. peux pas ne jamais. être Ça n'est pas ouais. possible. Eh, eh. Allô, allô. allô, allô oui. Oui, vous m'entendez. Ça y est, on t'entend. Ah ok. parce que tout à l'heure, je mettais des mute et ça marchait et pas. On... Alors et donc, on t'entendait euh... pas trop, effectivement. Déjà, c'est une première parce que j'étais passé plusieurs fois chez Cali en vocal et plusieurs fois chez toi, mais jamais en même temps vous deux. Donc euh, voilà, c'est une première. Et première donc, euh, merci. Et donc, je voulais réagir sur deux choses. Alors, sûr, je suis On complètement d'accord avec euh, Daimon et Cali sur, sur le temps, fait qu e que, euh, en fait, quand je viens sur vos streams, je viens pour quelque chose de précis. très spécifique. Voilà. Alors chez Kali, ça ne peut pas être très spécifique du coup Bah, si, moi en fait, je, je vais avouer, hein, je, je viens chez Kali quand il parle de l'actu. Et si après il se met en mode jeu vidéo, je vais zapper. Je vais être très honnête. Hein, donc, euh, voilà. ouais, moi, c'est pareil, problème. là vous parlez de jeu vidéo, j'ai pu parler moi. Mais Kali, voilà. il, il se être... met en mode jeu vidéo, c'est-à-dire quand il fait des streams Elden Ring ou Everspace ou, euh, ou non, quand euh, il met un jeu vidéo et qu'il fait du réact en, en même temps il va, il va, des fois il va faire 4 heures de Il va faire quatre heures de react et puis après il va faire que du jeu vidéo mais c'est rare hein mais ça arrive. Moi enfin, je fais du React jeu vidéo aussi hein. Ça du coup ça te dérange pas. Ouais, aussi. Alors quand c'est comme ça, je, je reste. C'est-à-dire <laughs> que si tu fais des réacts en même temps, je reste. Par contre, si... Parfois, euh, j'ai joué aux ouais. jeux vidéo tout en faisant une radio libre et c'était cool. Ouais, ça, c'est quand t'as des ouais. réacts de 4 heures à faire ou des trucs impossibles. Ah, là. les longs ouais, trucs, ouais, un, peu un peu bon mous, c'est sûr, j'aime bien problème. jouer un petit jeu en même temps, quoi. Ah, typiquement, la LIA, ouais. Thinkerview, Eric Sadin, t'as dû jouer à un jeu, non bah en fait, le truc, c'est que j'allais le faire de base. J'allais m'écouter le Eric Sadin à Thinkerview en jouant à Everspace. Et je me suis dit, autant le streamer, tu vois, c'était pas plus con que ouais. ça. Hein, c'était pas, voilà, pas un truc calculé. Ouais. C'est je me suis dit, et je sais que ça va plaire à des gens. Et effectivement, il y a eu, euh, voilà, je sais pas, 200, 300 personnes qui sont venues écouter. Donc, c'était cool, quoi. Voilà, en fait, je, je, je vais me barrer uniquement quand t'es que sur le jeu vidéo et qu'il n'y a pas de React. Ça bah, c'est déjà arrivé. ça, y a que Elden, Ring, euh, où que Elden Ring, je vais le faire parce qu'Elden Ring, je respecte trop le voilà. jeu pour euh, réagir à un truc en même temps. Donc Elden Ring, voilà. je, vais, je vais full y jouer, je ne vais pas faire de React en même temps. Alors que tu voilà, n'as aucun respect pour voilà. Everspace en fait, euh, bah, Ever 2... Bah Everspace 2, c'est... Non, euh, c'est arcade, ouais. ça se joue comme ça, tu vois, il n'y a pas de... Je m'en fous de l'histoire. Il y a un enfin. scénario, hein Ouais, il est nul à chier, Franchement, le scénario d'Everspace 2... C'est inutile. Hein. C'est en mode, qu'est-ce que ça me raconte Ça me raconte rien. C'est genre des gens qui vivent dans l'espace. Ils, ils ont des trucs à aller chercher. J'en ai rien à foutre de, de leurs histoires. Je m'en bats les couilles. Dis-moi sur qui tirer, c'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse. Dans le 1, t'avais euh, ton IA de... qui t'expliquait te, le scénario du jeu, mais toujours quand tu te faisais attaquer. Yes, yes, et du coup, yes, bah, t'écoutais pas du tout ce qu'il disait. Bah non, mais non. <laughs> et merci extrême con que... qui a pris un abonnement. Daniel Valadon. Oh non, toi. pas lui. Eh <laughs> ben si, il a pris un abonnement. Du coup, il sera encore plus là. Et même si ça te fait pas plaisir, Soro Oui, si c'est. Mais de Real ce c'est pas pour le scénario, c'est juste que le jeu est tellement exigeant que voilà, je, je, je respecterai ni la vidéo que j'écoute ni, ni le jeu si je joue en écoutant quelque chose. Je sais en scénario, euh... on peut le faire nous-mêmes. Faut une valeur ajoutée. Bah la valeur ajoutée, c'est le React. Garca, ah oui, il va pas se contenter de mon avis en sur euh... Il va, il va euh, mettre en pause et il va, euh, il va moment, intervenir oui. il de, voir, temps il temps, de temps en temps. temps euh... Euh... À plein de moments. C'est l'intérêt de ne pas prendre la vidéo thinkerview uh, uh, de base qu'on pourrait faire uh, aussi quoi. je veux dire uh, dans ce -là, on, on pourrait zapper aller sur Youtube et, et voilà mais oui c'est intéressant aussi d'avoir ton avis c'est bah, du contenu transformatif il y a du gameplay plus des commentaires donc c'est pas juste la, euh, vidéo, la vidéo seule sinon tu regardes juste la vidéo mais de toute façon la vidéo était nulle en plus hein, franchement euh... Ah ouais. La vidéo était pas ouf. Bah, Eric Sadin, c'est juste un rageux. Quoi. Il n'a aucun argument. Il est technocritique. Il va quoi, mais... bah, après, non, mais oui, est... Il... le problème, c'est qu'il est philosophe, mais il n'est pas spécialiste. Euh... Enfin, il s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, aux dangers apportés par les nouvelles technologies, mais euh, ce n'est pas son cœur d'expertise. Il mais... nous en parle en tant que philosophe. Tu vois. Bah, pourtant, il ne parle que de ça. Euh... Et à chaque fois qu'il en parle, on dirait qu'il va s'étrangler, qu'il va mourir de, de ce qui se passe. Mais en fait, il te dit des choses très banales et qui ne sont pas vraiment... Enfin, ça fait très boomer qui qui Mais est énervé par tout ce qui est nouveau, tu vois, c'est voilà, un... j'ai l'impression que Finkerview vraiment... en ce ouais, moment c'est c'est oui, juste réac, oui. c'est clair, c'est clair. Finkerview c'est de plus en plus ça honnêtement euh, entre ça et l'interview de Laurent Alexandre qu'on avait vu la dernière fois. Mm. Ouais, après j'écoute pas tout ce qu'ils font non plus. J'ai vu que Jean-Paul Gendron faisait deux mois, bon, répéter la même chose. Bon. C'est de bon, moins en moins il est partout dans les médias ouais, en ce moment en fait, messieurs, est-ce que vous savez Je dis messieurs parce que les Non, On parlait de Sadin. est passé à Finkerview la semaine dernière mais du coup ouais. voilà ce truc-là moi j'avais pas par... pas préparé des trucs à dire dessus tu vois j'avais pas mis le truc à dire je voulais juste écouter ce que ça allait donné donner mon avis c'est ce que j'ai fait je me suis énervé à plusieurs reprises parce que voilà je trouve que c'est vraiment <laughs> un, des, souvent des réactions de, de vieux cons et oui vraiment de la réaction pour le coup c'est vraiment dans la réaction en mode c'est scandaleux parce que c'est nouveau tu vois il y a un peu ce truc euh, où tout est grave, tout est problématique, mais sans jamais vraiment expliquer pourquoi. Oui, moi, il y avait plusieurs fois où, de mon côté, genre, sans réacte. Selon lui, l'IA, c'est grave et néfaste en soi. Ouais. Et voilà, il n'a pas besoin de l'expliquer. J'écoutais ce que je disais. Je connais pas suis le suis sujet genre le ouais. Explique un petit peu. tu vois. Je suis mute depuis tout à l'heure, en fait. Ah, et, euh, ah, et moi, il y a eu plusieurs fois où euh, j'entendais je en... ces critiques. Et il y avait des trucs qui, euh, qui étaient entendables. Mais où tu te disais, Eric Sadin. Le problème du coup, en fait, ça n'est pas l'outil en tant que soi. Le problème, c'est le capitalisme qui fait qu'on collecte les données et qu'on va t'enfermer dans des boucles pour euh, te faire consommer toujours plus de euh, tel type de contenu un peu abru abrutissant parce que c'est facile à produire, rapide à produire, qu'on peut en balancer. En Mais du coup, le problème, c'est pas Internet, la 5G mmh. euh, ou euh, les algorithmes. Le problème, c'est quels algorithmes, comment on les utilise, à quelle fin. Donc le problème, c'est le paradigme. Et Économique dans ouais. lequel ça s'inscrit ça s'appelle le, le problème c'est l'absence de contrôle qu'on a collectivement Et là dessus je suis d'accord avec lui Mais du coup je trouve qu'il en parle mal Je trouve qu'il défend mal sa cause Parce que comme tu dis on est d'accord avec plein de trucs qu'il dit Mais il le dit tellement mal ça donne envie d'être pro-gafame Alors que c'est vraiment tout l'inverse de ce que je pense tu vois, Mais genre J'ai presque ah, envie de dire ouais tu euh, vas que... quoi. Non mais c'est vrai c'est grave D'ailleurs euh, en rubrique monde Aujourd'hui dans Libération il parlait de ça Il parlait de de... en disant Oui et est-ce que Elon Musk, qui fait n'importe quoi avec Twitter, ah bah tiens, Twitter est-il est mort oui. sous X J'ai bien aimé le titre quand même au moins. <laughs> wow, oh ouais, non, y a, y a, effectivement. Euh... Mais d'ailleurs, en parlant de, de la stream... détruit, de, de, détruit Twitter et d'ailleurs, c'est vraiment, ça montre à quel point on est accro et pathétique quoi. C'est que la qualité de la cam n'a jamais été aussi dégueulasse. Et on continue à se shooter quoi. C'est vraiment, euh, Moi, j'ai désactivé mon compte Twitter. Voilà. et ben ah, bravo, réussi, bravo. Bravo. Bah, je... euh... Sur Blue Sky maintenant, c'est ça, ouais, bon. Non, non, même pas, même pas. Et je bah, moi, suis. Un... Pas. Je, 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 vais plus. Voilà. Bah, franchement, c'est un à toi. Non, mais en fait, au bout d'un moment, quand t'as compris que sur Twitter, en fait, ce n'est pas. C'est ou souvent... Oui, t'entends voilà. souvent l'avis des pires casse des pires gars voilà. possibles, et, et sachant Exactement. que, en plus des pires casse de France, t'as les journalistes. Donc en gros, qui sont tous médiocres. Donc t'as soit des journalistes, oh, soit des casse Tout de suite, Donc, okay. Monsieur Soro oh. Oh mais si on va 90% allez d'accord euh, hein, euh, Pauvre Marine Turchi euh, euh, Pauvre Daniel Schneiderman euh... Et Daniel Schneiderman martin oh. Orange de... Oui bah ils, ils écrivent de Pauvre Salomé Sake oh. euh, Combien oh, de non, personnes non, Salomé... en PLS Salomé Sake je peux pas la blairer elle met un support ah bon mais bref. tu sais ah ouais, non, vraiment mais son livre c'est de attention, la attention tu vas réveiller tout livre. tu vas réveiller le renard euh, c'est le secrétaire <laughs> général du fan club de Salomé Saké. donc vraiment euh, bah, bah, tu bah, vas il nous mettre des gens de moi et qui viennent qui viennent me voir qui viennent me euh, chercher euh, celui-là euh, non voilà. mais il est, il, il, est est pas, il est capable de passer à l'attentat donc, euh, hein. hein, donc il est en mode terrorisme pour ça donc sur la jeunesse dont tu parles Moreau celui qui a écrit sur la jeunesse les jeunes OK j'ai pas lâcher sur l'engagement des jeunes de la langue de bois ne plus savoir qu'en faire et son interview de comment elle s'appelait l'autre celle qui a écrit le coup de la virilité, là, comment elle s'appelle euh, Non, mais les P émissions qu'elle présente sur Blast, elles sont intéressantes. Les interviews qu'elle mène, elle les conduit plutôt bien. Ouais, non, que... je trouve pas. Je trouve, je, trouve, je trouve, elle pose parfois. Alors, ça dépend en fait de l'interviewé. mais parfois, je trouve les interviews, elles sont nulles. Elle dit pas grand chose. Et son interview de Pétavard, désolé, c'est une catastrophe. Hein, vraiment, euh, elle, elle lui met pas du tout en face de ses contradictions. Elle est trop complaisante avec elle. Désolé, mais Salomé Saki. Moi, je vois le profil euh, science piste à fond euh, qu'elle représente. Hein. Pas de science ouais, bon... phobie, non. Pas sur mon antenne, moi. Bah, écoutez. Euh... Moi, je ne suis pas science-piste-phobe, j'aime bien Cassandre, voilà. Ouais, ça, ouais, le oui, c'est ça, Oui, c'est bon. Oui, oui j'ai un ami qui a fait Sciences Po que j'aime bien, et même qu'on mange du couscous des fois. On connaît la technique, Nadine Morano nous l'a appris. To la donc. tokenisation des sciences pistes <laughs> là, vraiment. Pas là, ma, ma faute. Eh, eh, moi, j'en ai connu des sciences pistes réelles. j'ai arrêté de les fréquenter quand ils sont rentrés à Sciences Po. C'est pas pour rien, voilà. Les Mais parce que ils sont devenus insupportables ou parce que, en fait, sachant qu'ils rentrent à Sciences Po, tu t'es dit non, je je vais rage quit euh, mon amitié Parce que quand, dès qu'ils ont su qu'ils allaient entrer à Sciences Po, alors déjà qu'ils devenaient de plus en plus insupportables à force de préparer le concours de Sciences Po, dès qu'ils ont su qu'ils allaient à Sciences Po, ils devenaient trop insupportables. Ils commençaient oui. déjà à se conformer dans le moule que ça allait être et tout. Et je leur ai quand même reparlé quelques fois après Sciences Po, je me suis dit oui, bon. C'est bon, ça on n'est plus dans les bonnes voilà. C'est bon, il faut aller sur... Mito, faut t en t en -Mura. Voilà. Et, et juste entre, entre deux, je, vais, je viens de voir qu'il y a une personne, c'était... Ah bah c'est il y a une minute donc ça va. Merci, c'est presque en, en, en temps réel. Merci à Ju qui a fait un don en nous disant sur PayPal, en disant petit rattrapage depuis le temps que je ne donne rien. Eh bien, Daniel toi, merci beaucoup pour ce don, Ju, qui nous permet d'avancer et du coup de rendre la parole à Aska qui avait l'air énervé non, non, ça va, j'allais juste dire, Amura, est-ce que... Est-ce est que, que c'est pas... Elle, elle est pas un peu juste mid, Salome et Saké, et que c'est juste le fait qu'il y a tant de monde qui la porte sur un pièce d'estable qui fait que tu te sens forcé mmh. de dire que c'est de la merde Ah, oui, c'est fait, ouais, c'est le côté A oui, sur un. côté, tout ça après, son livre, ah, c'est vraiment, de... vraiment de la merde. Hein. Pour avoir lu quelques extraits, c'est vraiment de la merde. Hein. Non, mais en en euh... fait, le niveau est tellement faible que quand tu as une Salomé pas. Saké qui est euh, voilà, vaguement basée, bah, en tu fait, es en mode wow, génial, incroyable, le taf qu'elle fait et tout. Oui, Moi, personnellement, c'est mon une... tropisme pro-journaliste parce que voilà, c'est ma caste, je défends ma caste. Mais il euh, y a quelque chose où euh, j'aime ai, bien le parcours qu'elle a, Salomé Saké, et je sens que voilà, ça va être une figure importante à l'avenir. Peut-être que ça ne te rassure pas du tout, euh, du coup euh... Moura, hein, mais ah, peut-être qu'elle va être pense meilleure que... à l'avenir mais, bah, je mais pense, si en fait je... elle, elle, on, on la voit se former en direct Salomé Saké tu vois ces sujets d'émission les interviews qu'elle fait c'est sur des sujets qui l'intéressent Et elle apprend des choses à chaque émission qu'elle fait donc c'est normal elle n'a pas encore toutes les clés elle a encore une forme de naïveté tu vois un peu de voilà du, du fait que oui, découvre de, de des choses été. en fait tu vois. après c'est peut-être ce qu'elle fait aussi en interview pour donner des interviews intéressantes euh, sans doute mais il y a aussi un peu ce côté-là j'ai l'impression tu vois qu'à chaque interview elle apprend des choses elle est choquée elle est vraiment sincèrement Habité, enfin, moi en tout cas, c'est son que j'ai, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle est sincèrement oui. habitée par les sujets qu'elle traite, etc. Et du coup, ben voilà, j'attends de voir la suite, moi. Et effectivement, soutien critique à Salomé Saké. Moi, bah, franchement, oh. euh, depuis cool. que j'ai lu le son clash livre entre Kelly et Salomé, et je trouve que parfois certains. Soutien critique, j'ai dit. Soutien. soutien critique, généralement, oui, soutien critique. ça veut dire que tu trouves non, que c'est dans le sens où je suis d'accord avec Moura que tous les trucs sur les générations et tout, c'est à côté de la plaque, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Après, ouais, je, moi, je, je vois aussi. Je l'ai entendu une fois euh... parler de ça avec Paloma Moritz et c'est tout. Hein, mais bon. Elle a fait à la lire lire à la à la la plusieurs émissions. Mmh, ouais, force d'admettre euh... qu'elle a 28 ans donc euh, saluer oui. quand même euh... mais, ah, bah, voilà, comme qu elle y dit elle, est, elle, est... elle commence quoi, oui, bah, Stanislas Rigaud il est plus jeune qu'elle et il est chez Zemmour donc on va pas critiquer les positions de Stanislas Rigaud non mais c'est quoi cet argument non hein non c'est pas non. ça non c'est pas ça mais c'est que forcément euh, étant jeune elle est forcément à un stade où elle est en train d'apprendre et moi je sais j'ai eu le même oui, parcours en fait. j'écoute mes vrai. émissions euh, ici et maintenant entre 2010 et 2015 bah, je me suis formé en temps réel tu vois en invitant des gens en les écoutant oui. parfois je me suis planté enfin tu vois, c'est voilà, normal en fait. Ah, oui. Du coup, désolé Kali, on n'a pas atteint le donation goal. Tu n'as pas pu voir ma première vidéo sur internet. Ah merde! C'était le donation goal que Kali voulait voir, ma vidéo de 2005. Pourquoi Kali me l'a Je ferai un don. Je ferai un fallu. don à la chaîne. T'aurais ouais. fallu te mettre en mode. Squezy". Non mais en, 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 en fait j'ai pensé à t'envoyer le lien euh, qui est en non répertorié, mais en fait c'est ce qui serait surtout marrant, c'est euh, de, de me voir cringer, de regarder la vidéo, ça ce sera encore plus drôle que de juste regarder la vidéo. Donc euh, je finirai mmh. par le faire, peut-être pour un autre donation goal, nous verrons. Après perso, il y a un reproche que je faisais inconsciemment à beau beaucoup de monde dans les dans les médias etc. C'était de pas être des chômeurs. Je, je m'explique. Ah, oui. <laughs> J'ai été, été chômeur là, pendant, pendant pas mal de temps. J'ai même un ami chômeur. Et c'est vrai que le temps que j'avais, euh, que ce soit en termes de charge mentale ou de temps tout court, pour euh, m'informer et me tenir au courant de tout ce qui se passait et développer de l'argumentaire, etc., c'était scandaleux. Enfin, ouais. J'avais vraiment tout le temps du monde pour le faire. Et c'est vrai que euh, quand on est face à des gens qui sont euh, de métier journaliste, on a tendance à se dire mais ils devraient être plus basés que moi, alors que qu'en fait ils ont sinon, pas plus de ils... temps que toi à y consacrer en fait. Ils ont beaucoup moins de temps que, que que moi et puis en plus de ça, eux sans doute que bah à côté de ça ils font des soirées, des trucs, des machins, des bidules en plus de leur de toutes leurs ils histoires, sont censés etc. leur donner des contacts pour avoir plus d'infos et du coup pouvoir être mieux informés. Oui, mais oui, mais au Dans final, le factuellement, le temps disponible qu'ils ont chaque semaine à passer concrètement du temps à s'informer sur certains sujets, euh, finalement, ça serait réduit à peau de chagrin. Moi, je me souviens, j'étais sur le chat d'Antoine euh, Léaumont. On était semaine 2 après le 7 octobre. Euh, alors, il y a une partie qui c'est de sa faute, une partie qui c'est pas de sa faute. Mais il avait pas pris le temps de s'informer, euh, de, de se réactualiser sur le conflit euh, au Proche-Orient. Et euh, il était en mode, il faut que je fasse ça ce week-end, tu vois, parce qu'il sentait qu'il avait un besoin là-dessus. Mmh. Mais on était, euh, on était le, le 21 ou le 22 octobre. Ah ouais, Et, euh, et j'tu, moi, j'étais en mode, mais euh, gars. Euh, mais c'est-à-dire euh, qu'il ne s'était pas actualisé sur le conflit C'est-à-dire ouais, qu'il avait. Ou... Non, non, non. C'est-à-dire qu'il avait des connaissances qui prédataient du conflit. Mais que depuis, il ne s'était pas repenché sur la question euh, en mode. Euh... Qu'est-ce qui s'est réellement passé Les frontières de 67, les Nakba, les machins, les bidules, ah. tous ces trucs-là, tu vois, tout, tout ouais. ce là précisément. C'était pas tout je recontextualisé. Que... Euh... C'est ça. Alors que c'est des trucs que quand t'es sur un plateau et qu'on te dit alors, hamas terroriste ou pas terroriste, euh, si tu dois euh, porter la position de ton groupe, etc., t'as intérêt à. à... Sinon, t'es juste en train de porter la parole de ton groupe sans trop savoir pourquoi tu le fais, quoi. Moi, je suis ouais. choqué que personne ait porté l'argument de l'État islamique. L'État islamique est né de la war on terror et c'est quelque chose que personne ne dit nulle part alors que c'est quelque chose qu évident. C'est-à-dire que si jamais tu pars en mode de euh, latter la gueule aux gens euh, parce que euh, c'est des terroristes et que c'est mal, et ben, la dernière fois qu'on a fait ça, on va créer l'État islamique. Tous les droits tardés de merde en mode islamophobe, tu leur mets ça devant la gueule, ça les fait bégayer. Mais sans que personne personne a, 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 comment dire, a suffisamment fait reconsexualisation pour dire non seulement ça, mais reparler la Barre, reparler de Zak, etc. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du, du compte à rebours et de toute euh, façon de avant qu'il y ait eu des colonisations euh, l'islam existait depuis plus de mille ans et il euh, n'y avait pas de truc comme ça tu vois il n'y avait pas quoi? de il avait pas il avait pas de mouvement de ce type là il n'y avait pas besoin d'avoir de, de mouvement de ce type là avant qu'il y ait eu des colonisations le plus grand génocide de l'histoire ça vient c'est d'où à ton avis euh, c'est les musulmans euh, en Inde euh, c'est la colonisation des euh, de l'Amérique je dirais non c'est les musulmans en Inde non mais ah, quoi par, oui, rapport oui, oui, déjà, à, un... par rapport à tous les Amérindiens, t'es sûr alors, par Oui, à la on, est, Chouin... on est à plus de 80, pour... 80 millions de personnes tuées. On est parti tellement bah, loin, tellement vite là. Oui, alors euh, le... bah, après c'est parce qu'on a Pollux en vocale, fallait s'y attendre. Euh, euh, après, non, mais... mais, Amérique du Nord en fait, plus on, Amérique on... du Sud je pense que tu es à plus de 80 millions, hein, mec. Avant, avant qu'on parle sur les musulmans, etc., moi juste si je peux finir sur le fait, le niveau de connaissance globale des gens sur ce conflit, au fur et à mesure, que ce soit nos députés, que ce soit les journalistes, etc., euh, le compte à bord dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que les, le, le niveau de connaissance de la masse et de, des élites, entre guillemets, va aussi euh, évoluer avec le temps. Et des gens qui jusqu'à présent étaient en mode pro-palestinien de manière un peu instinctive. Euh, vont devenir de plus en plus basés au fur et à mesure qu'ils vont se, 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 se re renseigner sur les lords, etc. Quoi. Voilà. Les gens ont l'air d'être moyennement d'accord avec le mais... je vous laisse repartir sur l'autre conversation. Mais surtout, euh, euh, l'intensité d'un alors... génocide se mesure pas forcément en nombre, oui. mais surtout. Euh... Euh, et, on, on part et, et de la population que tu extermines par et exemple puis les, on... les même, Américains, si tu, même si tu euh, me mesures pas quant quantitativement c'est combien de personnes en combien de temps aussi euh, si tu veux voir l'intensité mmh. du truc quoi. Mais... par exemple la, la Shoah c'est 6 millions de personnes en 2-3 ans quoi. Mmh. oui parce que c'est à partir de 42-43 qui mettent en place euh, la ouais, en partir de 42, donc quoi, ouais, en 2-3 ans 2 mmh. ans et demi parce que tu parles de, du continent américain mais c'est surtout en fait dû aux maladies en fait et pas bah, euh... débat, ça c'est un débat Pollux, euh, si tu te renseignes entre en ce... Tu parles... entre ce qui était accidentel et ce qui était volontaire quand ils se so sont rendus oui. compte qu'ils pas de dé... euh, que euh, ce qui était une petite grippette pour nous euh, pour eux c'était un peu fatal euh, et entre les volontés de vraiment s'approprier les territoires par la force. Donc euh... puis, non mais même juste je vois je comprends pas l'intérêt de ce débat, c'est que le doute arrivé en disant ouais mais les musulmans c'est pire quoi genre euh... Moi c'est ça que j'ai pas compris en fait, c'est ça qui m'a fait. Bah, c'est je... le plus gros génocide je... de l'histoire. Je... Oui. Je... et le génocide De venir du coup. débat et de dire les musulmans ont fait pire. Bah, c'est qu'en bah, fait, qu en qu en fait euh, quand, quand, quand j'entends euh, Daimon dire main. que euh, dire que du côté des musulmans il y a jamais eu ça, bah, euh, en fait euh, si, il y a j eu de, de la colonisation, il euh, y a eu de la colonisation très concrètement. Je, je, je te je... dis, tu n'avais pas besoin d'avoir euh, de mouvement avec les revendications et les méthodes euh, qu'a par exemple aujourd'hui le Hamas, puisque c'est au sujet de les conversations. Euh, quand par exemple, en fait, tu étais l'Empire Ottoman et que tu avais déjà le contrôle de toute la région. Ça me semble assez évident, mais. Juste, juste pour remettre un peu l'économie du et village. Tu juste besoin bon. de mettre des émirs et, et placer des gens à toi, quoi. Vous parliez de la Shoah, si c'est pas en 2-3 ans, hein. ça a commencé en 1933. Hein. pour info. Non, que les, que ah, les gens ont été emprisonnés euh, dans des camps et que euh, ils, avaient, ils étaient aux travaux forcés et qu'il y en a quand oui. Le fait d'avoir industrialisé la mort, c'est à partir de 42-43. Ah t'avais la Shoah par balle avant, mmh. Est-ce que t'as pas euh, des tueries euh, de, de ce type-là euh, de toute façon un petit peu systématique dans toutes les guerres. Ce que je veux dire, c'est avoir, se dire, il faut tuer tant, euh, tant de juifs, Tziganes, homosexuels par jour dans tel camp et euh, vraiment de l'industrialiser, d'industrialiser le process et, euh, et, euh, et d'avoir accéléré énormément le nombre de victimes, c'est euh, la solution finale et c'est à partir de 42-43. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit, sur 2-3 ans, le nombre de personnes que euh, les nazis ont butées, c'est assez effroyable, quoi, mais... Bref. Oui, non, mais même sur 10 ans, c'est effroyable. Mais, mais bon, c'est voilà, pour rajouter du, du, de, de la, du contexte factuel historique. Mmh. Bah, de toute façon, un nombre de morts, il est toujours effroyable dans l'absolu. Ce que je veux dire, c'est qu'on parlait d'intensité, tu vois, si tu veux comparer des trucs. Euh, entre une guerre qui va faire un million de morts par jour ou un million de morts euh, en 100, 100, 100 ans, je trouve que ce n'est pas la même chose, tu vois, mais par exemple. Non, mais c'est un peu bizarre, par contre, qu'on mette le. le, le... On met l'indicateur, le doigt sur euh, quelque chose, euh, le conflit israélo-palestinien plus que toute autre chose, quoi. Il se passe d'autres choses dans le monde, par exemple, le conflit israélo-palestinien n'a pas fait tant de morts que ça quand on le compare aux, aux, aux deux séismes qui eu, y a eu y a en Afghanistan. C'est surtout beaucoup de populations civiles qui sont touchées, quoi. Ah si, oui. Mais en Afghanistan, par exemple, il y a eu. Le séisme en Afghanistan, il a fait autant de morts, je crois, entre 3 et 4 000, qu'au Maroc. Et on a beaucoup plus parlé du Maroc parce que c'est plus proche de chez nous, tout simplement. Et en Libye aussi, il y a eu un. Comment s'appelle le le barrage qui s'est pété et qui a fait ouais, aussi sauf, beaucoup de morts. Sauf que en fait tu, tu peux difficilement, enfin, On même si moins tu peux te préparer, même si tu peux te préparer à avoir des normes et tout ça, et euh, une fois que le, le, la catastrophe naturelle que ce soit un tremblement de terre, un tsunami, etc. Mais en fait t'as pas trop de contrôle dessus. Alors que la guerre c'est des humains qui font la guerre à d'autres humains. Donc potentiellement, tu peux l'arrêter. Alors tu peux pas dire bonjour, monsieur le tsunami, s'il vous plaît, ça, je suis évitez bien de mais venir le, mais sur nos centrales port... nucléaires, s'il vous plaît. Mais <laughs> Pourquoi mettre le focus en fait sur, euh, sur ça Et alors par un que Par bah, Les morts, je... en fait, c'est un mort est un mort. Cour en fait. pa... en fait. pénale ouais, je... international, moi je dis pour le séisme. Moi hein, j'ai deux réponses à donner. La première, c'est en Libye. Pourquoi en France on a un intérêt à en parler C'est parce que si devait y avoir un responsable humain de pourquoi ils ont eu autant de morts en Libye. la France. C'est un peu la France en premier lieu parce que on a totalement niqué l'État et du coup c'est parce que l'État était plus là pour financer les infrastructures qu'elles ont pété. Et deuxièmement, on a la première communauté Même juive si d'Europe en France. C'était pas à la panacée surtout évidemment. Il y a, tout, si hein, il y a okay. un pays d'Europe euh, qui doit être concerné par euh, ce qui se passe en Israël, c'est en premier lieu la France étant donné qu'on a la deuxième plus grosse communauté juive euh, du monde. C'est un peu pour ça. Et, et a... d'ailleurs, euh, vu qu'on a une grosse communauté juive euh, et aussi une grosse communauté euh, du coup, euh, musulmane, euh, est-ce que vous n'avez pas peur de l'importation du conflit Ah, bah et... si, day one, même heure 1, moi je me suis dit, putain, euh, ça, 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 ça va encore. Euh, ça va enco les esprits vont encore s'échauffer de ouf. Et effectivement, les esprits s'échauffent et... de ouf. Et on regardait tout à l'heure, par exemple, le traitement euh, par les partis politiques en Espagne. Les gens étaient un peu moins tendus, tu vois, par exemple, alors que c'est juste, ils sont frontaliers ou l'Espagne, tu vois. Je pense que la rhétorique de l'importation possible ou pas du conflit, elle est mauvaise parce que de base, euh, en France, on est concerné et du coup, il n'y a pas à importer. On est un ancien conflits, pays colonisateur de toute façon. Voilà, le, le, on est concerné tout court, quoi. En tant que colonisateur, en tant que, en tant que pays avec des, des, une forte communauté juive et musulmane et en tant que personnes qui avons participé en tant que vainqueur de la Seconde Guerre mondiale à Foutre euh, Israël là-bas à la place des euh, sur la gueule des Palestiniens et à continuer de faire de l'ingérence à pas mal d'autres endroits et du post-colonialisme à d'autres, mais et en tant qu'aligné à l'OTAN euh, qui euh, est euh, le, le garde champêtre d'Israël et qui fait en sorte qu'Israël puisse faire toutes les dingueries du monde sans que personne puisse ouvrir sa gueule tant qu'ils n'ont pas des signes. Ça commence à ouvrir un petit peu sa gueule. Et bah justement, puisqu'on est revenu sur ce sujet, je vous propose que nous regardions ensemble l'actu réfractaire. Ça dure 11 minutes 49. Il nous parle des bombardements à Gaza, de l'Israël face à l'ONU. Alors, moi, j'ai entendu que oui, il n'y avait pas de résolution qui avait été prise, parce qu'à chaque fois, il y a un pays qui avait mis un veto. Il y a une résolution qui a été proposée par les États-Unis, une autre par l'Union européenne, une autre par la Russie. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été adoptée, sachant que, par exemple, en 2006, ça s'était réglé, la guerre entre le Liban et puisqu'on parlait justement des tensions au nord d'Israël. Euh, ça s'était réglé par une résolution de l'ONU. Alors, ça avait duré quand même un mois, la guerre de juillet, je crois que c'était surnommé. Donc, on verra. Mais je vous propose qu'on écoute euh, Johan, je sais pas s'il est tout seul, ou si. Bah Là, il est tout seul, sur le coup. Euh, nous parler au moins de ces sujets. Euh, et je crois qu'il commence par ça Palestine, euh, revente électricité. Bah, après, il y a d'autres sujets. Let's go. Pour auvergne rhône alpes ils font danser les chômeurs devant leurs futurs employeurs pour essayer de. Quoi déceler dans leur pas de danse le savoir-être sauf que à part décrocher un casting avec dans... déjà le savoir-être désolé je te coupe au bout de 3 secondes le savoir-être c'est une putain d'arnaque hein. Alors à la limite un savoir-être Si oui si... en fait c'est ton boulot De parler avec des gens, d'être en contact avec du public Mais là ça devient du savoir-faire du coup euh, Puisque ton savoir-être est ton savoir-faire Par le contre savoir le bon savoir-être bon. Dans les entreprises, euh, moi je vois du fascisme hein, mais... <laughs> Désolé ouais, mais mais Il faut pas juste bien faire ton boulot Il faut être content d'être là tu vois, <laughs> Dé Déjà il y, y a un truc qui m'étonne Et qui me choque moi, de la voir de Johan C'est qu'il est presque coiffé J'avais jamais vu ça non, c'est parce que sur les côtés c'est plus court, mais sur le dessus ça n'est toujours pas coiffé, t'inquiète pas. Il a toujours ah, la coupe, bon, la coupe euh, vol au vent. Euh, de... Mince, ils sont, ils sont où en Bretagne déjà J'oublie à chaque fois. Toi, Kali, toi tu sais. Sinon, euh... Pollux, oui, ça ne m'étonne pas que pour toi ça soit important le savoir-être. -gan. -gan, non, mais justement, je, je me dis, le savoir-être, c'est être professionnel. Le, le, non, le, chaque, chaque, chaque profession attend une attitude différente. Et c'est ça le savoir-être professionnel. Non, et, juste, et justement, alors déjà euh, non, parce que en fait, dans chaque, ce que, surtout dans les grosses entreprises, tu verras pas trop ça chez l'artisan du coin. Mais surtout dans les grosses entreprises, en fait, on attend toi surtout. En fait, ce qu'on ce qu appelle le savoir-être, c'est euh, tes relations avec ton N plus hein, ton N plus deux limites, que tu t'entendes pas avec tes collègues euh, euh, au quotidien. C'est pareil dans les petites entreprises, en fait. Ils vont, ils vont demander à quand avoir même une... Moins une, cas, une... Parce que, en fait, tu ne ouais, mais... peux pas... Par... Moi, je, je, je prends par exemple mon exemple euh, parce que c'est forcément celui que je connais le mieux, mais je ne suis pas euh, un institut de sociologie. Euh, J'ai vu dans des boulots où j'étais moins efficace que des collègues où j'étais arrivé après eux où je connaissais moins le boulot. Simplement, euh, moi, je m'étais mis bien avec moins N plus 1 et moins N plus 2. Et euh, du coup, bah, j'étais récompensé. On me filait des tâches plus intéressantes. On me filait un bureau à part. Euh, on me disait Tiens, euh, euh, Diamond, euh, petit, euh, je t'ai apporté un petit café. Tu viens fumer une petite clope avec nous. Et, euh, et en fait, je me disais Mais. Les autres, eux, c'est eux qui font vraiment le boulot. Moi, là, je suis juste en train de me mettre bien avec mon N1. Mais est-ce que je suis plus productif Est-ce que je suis plus utile Non. Et en fait, c'est simplement parce que, voilà, les gens t'aiment bien. Tu, tu fais semblant, tu as, 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 as un visage. Euh, oui, je suis content de l'être là, je suis dynamique. Euh, ah oui, j'ai le sens de l'initiative, je veux du challenge. Ah, plus c'est dur, plus je suis content. Euh, la tâche que vous me confiez, merci beaucoup. Euh, plus, en fait, c'est ça qu'on euh, qu va valoriser, alors que c'est pas ça qui est productif. Et pour moi, du coup, en fait, c'est un petit peu du fascisme, c'est... En tout cas, c'est du totalitarisme dans le sens... Ouais, où du on ne te demande pas juste de bien faire euh, ton travail et ce qui est dans ton euh, contrat de travail, ta fiche de poste, etc. On te demande des choses qui sont pas dites, qui sont pas formalisées, mais qui sont tacites, et on te demande en fait d'adopter, bah, de changer oui, ta personnalité alors... pour adopter la personnalité qui scie à l'entreprise. Et ben bah, Comme, moi, je, comme, je, comme je vous le savez, les... je suis fonctionnaire, et dans le, le fonctionnariat, tu as des obligations. Dans ces obligations, justement, tu as le savoir-être. Par exemple moi j'ai un devoir de neutralité je n'ai pas à donner mon opinion politique euh, lorsque je travaille ce qui est pour moi plutôt ouais, logique c'est bon. hein normal que quand tu vas faire euh, ta carte grise euh, euh, pour euh, ta bagnole on n'a pas à te parler de politique enfin, voilà il y' a pas euh, voilà on va pas s'embrouiller pour une carte grise là on te demande de pas <laughs> faire quelque chose c'est pas on t'oblige à, ah, si à, à, à faire quelque chose c'est pas la même chose tu vois oui, mais par contre... pas, on t'oblige à sourire. Moi, j'ai eu une entreprise où j'étais pas en contact avec du public et on m'obligeait à sourire. Et j'ai dit, mais vous êtes complètement. Oui, mais Daimon, alors euh, moi, je suis d'accord Je suis d'accord avec toi sur le côté entreprise, mais euh, ça fait longtemps qu'on nous demande d'évaluer les élèves sur leur savoir-être. Euh, depuis que je suis un site en 2000, avant j'étais prof hein, de collège lycée mais depuis que je suis un site en 2013, euh, on m'a toujours. Euh on va dire demander d'évaluer les élèves sur leur savoir-être, et c'est toujours dans les bulletins, hein. mmh. il y a des compétences purement savoir-être euh, à partir de la maternelle jusqu'au CM2. Parce hein, qu'on euh... doit apprendre à vivre en groupe, ça demande justement de savoir, ce, ce, de, 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 de s'humaniser de face à la frustration, par exemple. Je ne sais pas, un contrôle d'arithmétique, moi je ne veux pas qu'on me te note te... sur est-ce que le prof il m'aime bien ou pas. Tu vois, mais c'est ah, pas mais rien à voir avec ça. Mais par exemple, est-ce que tu as fait du bruit pendant ton contrôle As pas à faire de bruit. Mais si J'ai bah si des bonnes réponses. Je ne veux pas qu'on m'enlève de points parce que... Euh, bah si moment, on va t'enlever euh, des points parce que tu as ou gueulé ou as 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 et tu as fait ou... tout le monde. Bah Alors si tu pas, que... pas à faire chez tout le monde, c'est tout. Si, si je peux les gens, je veux juste, en, juste envoyer un petit scud, je trouve ça oui. pas du tout étonnant que les deux à rien comprendre à la vidéo qu'on vient de regarder, ce soit les deux fonctionnaires. bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, là, Parce que justement, je vais m'expliquer, là, il y a pas longtemps, on a regardé une vidéo, je sais pas si vous vous rappelez de Tim Gurner. Qui expliquait justement qu'il fallait, qu fallait, fallait faire souffrir l'économie, tout ça. fallait faire souffrir l'économie et du coup en fait en gros faire souffrir les gens qui bossent. Et en fait là on est vers un retour du servage, un retour de l'esclavage. Et j'en donne mille, un, un exemple un exemple parfait de ça, c'est que là en ce moment il y avait une, une tentative, je ne sais pas si elle va aboutir ou pas, euh, d'une députée Renaissance qui est de conditionner, de faire en sorte que les gens qui sont en logement social, ce soit leur, euh, leur patron qui deviennent leur bailleur oh. Je, ah, suis euh... oui, ça, ouais. je suis complètement d'accord avec toi. Oui, mais ça, je suis que... complètement d'accord. De toute façon, on a eu cette discussion-là la semaine dernière en live. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, J'ai ce que tu avais complètement raison sur l'éducation et sur le fait qu'on veuille faire devenir des toutous. toutous. Tu te souviens, j'ai parlé de mon inspectrice qui parlait du jeu dans 10 ans. Voilà. Donc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Oui, mais ça, je oui, sauf que le truc que ne connaît pas un fonctionnaire, alors même si après, quand ah. tu es. On a regardé 5 secondes de la vidéo, donc je vous demanderai de conclure là-dessus parce qu'on <laughs> <Si> <laughs> On va, va pas y arriver là. <laughs> la, la différence entre un fonctionnaire et un du commandement mortel, c'est la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire le fait qu'est-ce qui se passe si tu ne te conformes pas. Là justement, t'as des gens qui, s'ils ne se conforment pas aux attentes d'un patron, ne serait-ce qu'en dandinant des fesses dans un stage de merde, ils ne seront Mais pas pris. C'est que ça ne suffit plus de bien faire son boulot, et c'est ça qui est affreux, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, en gros, dans le sens toutou, -tout, il faut que tu tires la langue et tu donnes la patte, sinon en fait, tu seras SDF. Et c'est ça qui est en train de se programmer. Et c'est ça que a, met en œuvre. T'as de des conditions de travail vidéo. qui se dégradent, et en plus, il faudrait en plus maintenant par rapport à avant, il faudrait en plus faire semblant d'être content de ces conditions exactement. Et... Il pas que, sujet que sujet de toi de toi, toi. Vois. Je comprends en fait que toi tu l'as mal pris quand t'es demandé de sourire, mais on nous demande pas en plus d'être heureux au boulot. En Fait euh, non, on nous le demande et, pas. Et moi fait. je l'ai vu dans le positif aussi, c'est à dire que moi je faisais mieux semblant, tu vois. Genre, quand, surtout quand c'était mes premiers boulots, que j'avais la vingtaine, que j'avais un boulot à responsabilité, du coup, genre, moi je, tu vois, je me déplaçais marchand, on, on te je te pas en marchant, je glissais sur le mais... sol. Quand quelqu'un parlait, je répondais avec enthousiasme et les gens ils m'appelaient l'homme heureux, tu vois. Et en fait, ça m'a pris euh, quelques oui. années, je, je le prenais comme un compliment. En fait, ça aurait dû être un peu méprisant, tu vois. tu ah ouais, t'es heureux de ton esclavage, quoi. J'étais payé 4, mais non, mais tu le vois comme ça, mais en fait, Semblant d'être content, tu vois. Le but de te faire danser, bon, c'est ce est que, que tu penses es que le es... travail oh, est bon libre. C'est bon, oui, arrête. Okay. Le... Alors, moi, juste pour finir là-dessus, le but de te faire danser, c'est justement pour voir si tu t'es conformé dans l'esprit, c'est-à-dire -ce que, que les, avais... bien, quoi, les années 2000-2010, c'était la conformation des corps, c'était les Dominos Pizza où en gros, on te disait pas de boucle d'oreille, les cheveux, telle taille, telle longueur, on te met un uniforme, on te met un bat, contrôle tout. Bide. C'est voilà, ça le totalitarisme. 2010, c'était ton corps. Là, dans les années 2020, on passe à ton esprit. Pourquoi on te fait danser C'est parce que danser, en groupe, on va comparer celui qui est enthousiaste à danser. C'est-à-dire que celui qui fait fake pas, celui qui est vraiment en train de prendre son pied à se soumettre. Et Et là, lui, il a l'air la un peu gêné, il a, ça a l'air un peu forcé. Ah, bah, ça n'est pas assez bien. Peut-être que tu es, es compétent, en fait, mais. Voilà. On rentre dans la conformation de l'esprit, on rentre dans la conformation des attitudes et, des, et des, des… pas des âmes. mais… mais en, en même temps, moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui est joyeux plutôt que quelqu'un qui tire la gueule. En fait, ah, mais peu, le moi. patron aussi, il après, pense Après, toi, après oui, moi, cool. personnellement, je ne vais pas t'y obliger. Mais par contre, quelqu'un qui va tirer la gueule en permanence. Mais tu trouve ça normal, mais ben, en fait, que il ne va pas rester longtemps. Il va pas rester longtemps. Non, je ne vais pas l'obliger, mais il restera pas longtemps parce qu'en fait, ça va me faire chier. Ça va me faire chier d'avoir quelqu'un qui tire la gueule parce que donc je suis les gens en, qui n'ont pas un empathique. sourire ultra bright toute la journée euh, ils méritent pas ils méritent de se faire lourder toutes leurs entreprises je, je suis empathique le fait d'avoir quelqu'un qui fait comme ça à côté de moi je ne pourrais pas le supporter et du coup, on fait quoi pour ces gens-là On leur propose un salaire à vie si euh, les gens, ils ont pas envie de sourire toute la journée ou on les laisse crever euh, parce que c'est normal que euh, bah, maintenant... Euh, Alors moi, je en, suis pour leur revenu... En plus de bien faire ton boulot, il faut que tu saches bien danser. Et du coup, si tu ne ouais. sais pas bien danser, bah va crever au RSA et tu feras des travaux forcés. Et oui, ça s'appelle s'intégrer à un coup, groupe. En fait. Et oui, il faut faire des efforts. C'est dommage. Euh, mais non, mais vous ça n'a rien faites... à voir avec le monde du travail, en fait. Excuse-moi, mais... Ça mais a à voir avec les humains et le fait de rentrer en interaction avec eux et que parfois, il y en a qui font le tri. Parce que bah, t'es pas beau, parce que t'es pas intéressant, parce Sauf que, que t'es un fait, homme, on cherche, parce que t'es pas mal. On cherche etc. pas à trouver une meuf, on cherche pas à se faire des amis. En fait, on cherche à être. C'est le monde du travail, on cherche à être efficace. Le travail, c'est un moyen ou c'est une fin Et puis comprendre venant, venant bah, d'une personne, personne qui a la sécurité de l'emploi, c'est abusé de dire ça. Oh mais arrête d'attaquer sur mon fonctionnariat. Mais non, c'est le je... cas. Parce que t'es en, en train de, de, de dire à les gens que vous avez pas la sécurité de l'emploi, bah tant pis pour vous, en fait. Alors que toi tu ouais. l'as, et c'est abusé. J'ai pas dit ça. Mais c'est ça que tu es en train de dire. Non, je dis qu'on est tous soumis aux mêmes règles. Non, et que, bah non. Moi, Allez, on se clash pas à et, ben euh, si. et, et Pollux sur. Euh, ben non, parce que si Heroïs, tu tires es la gueule au taf, t'es pas viré en fait. C'est ça la différence. Tu peux pas te faire virer parce que tu tires la gueule à l'envoi. Tu, tu peux pas ne pas te faire embaucher parce que tu tires la gueule. C'est ça la différence. Et donc du coup, tu juges quelque chose qui, t qui ne s'applique pas à toi. Donc comprends-le que au moins si tu ne le comprends pas, ben, sur ce sujet-là, tu te tais puisque Alors. ça ne s'applique pas à toi. Ah, C'est moins coûteux d'être d'accord avec quelque chose que tu ne subis pas, oui, mais. Moi enfin, vous personnellement, tous ça n'empêche que go. je suis, je, je suis quand Conscient. même euh, soumis à la, aux ouais. mêmes choses. Je suis soumis aux mêmes choses, tout simplement parce que je peux quand même me faire virer. Il euh, y, y a des collègues qui se sont fait virer, euh, certes, non pas pour euh, mauvaise, euh, mauvais sourire, mais pour euh, incapacité ou pour, enfin euh, le, le... Ah, c'était quoi déjà, euh, inap inaptitude. Parce qu'ils étaient incapables de faire leur boulot, ils ne savaient pas le faire. Donc oui, il y a des risques en fait. On peut se faire virer, etc. Et, et je veux dire, on est, on est soumis par exemple avec des collègues qui ah font ben là la tu gueule. Tu parles d'inaptitude, tu parles pas de savoir-être. Bref, voilà. regardons au moins l'extrait en entier avant de crier, si vous, si vous le voulez bien. Euh, parce que ça a l'air assez incroyable. Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, ils font danser les chômeurs devant leurs futurs employeurs pour essayer de déceler dans leur pas de danse le savoir-être. Sauf que à part décrocher un casting avec danse avec ton chômeur, pas sûr que ça leur permette de trouver un boulot tout ça. Au moins, hein je suis sûr que ne leur donne pas de mauvaises idées Johan. ils sont très très capables de le faire dans le cadre euh, des 15 heures de RSA de dire on va te mettre à la télé, tu vas t'humilier 15 heures par semaine et au moins les gens vont rire. Vas-y sale pauvre, fais ça. Les macronistes, ils débordent d'idées pour essayer de trouver des boulots qui n'existent pas à des chômeurs qui sont beaucoup trop nombreux. En tout cas, nous on ne recrute pas en faisant danser nos salariés. Donc si nos vidéos te plaisent, pense à partager, à commenter. On est rassuré pour Emeric et Pixel. Et à liker, à parler de ça au. Allez, comme d'habitude, on commence avec un petit point sur le conflit israélo-palestinien, en commençant avec des chiffres. Parmi les 5087 personnes officiellement tuées en Palestine, on compte plus de. Ah, du coup, oui, on était plus sur. Bah voilà, on avait à peu près les mêmes chiffres officiels, mais. Bon, on disait. Moi, j'avais vu plus de 6000 par contre, mais. 2000 enfants et 1100 femmes à indiquer. Ah, ils corroborent les 2000 enfants et ce lundi, le ministère de la Santé du Hamas. Le nombre d'enfants morts à Gaza en deux semaines est donc supérieur à celui des enfants tués depuis 20 mois dans la guerre en Ukraine. Ça paraît beaucoup et pourtant, ce bilan semble largement sous-estimé. L'armée de l'air israélienne affirme en début de semaine avoir mené jusqu'à présent des frappes contre plus de 10 000 cibles à Gaza et ces énormes bombes et têtes de missiles toutes supposées. Alors, je sais pas pourquoi tu nous as partagé ça, billchi mais on l'a regardé tout à l'heure, le même lien. Je sais pas ce que tu voulais qu'on regarde. Être des armes de précision sont en réalité dirigées contre des concentrations de population. Tu as l'association de secours et de travaux des Nations Unies qui appartient à l'ONU et qui fournit de l'aide à la population palestinienne. Eux, ils estiment que la moitié de la population de Gaza a fui de son domicile et a trouvé refuge dans une des écoles ou dans un des abris gérés par l'ONU. Quasi la moitié des logements de l'ensemble de l' Il y a des abris gérés par l'ONU euh, dans la bande de Gaza, je savais pas. Oui oui, dans Club les hôpitaux, de la bande de Gaza. D'accord. Gaza a été détruite ou endommagée par les bombardements israéliens. L'ONU a déclaré que 29 membres de son personnel, dont la moitié étaient des enseignants, ont été tués depuis le début des bombardements menés par l'armée israélienne. Alors que les manifestations se sont succédées la semaine dernière et ce week-end à l'international en soutien à la population gazaouie, il n'y a plus de possibilité de nier aujourd'hui les crimes de guerre perpétrés par Tzahal, c'est-à-dire l'armée israélienne. Hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies... Bah, qui commence à être dénoncé de plus en plus largement, on le voyait... Là, là... Notamment une grosse partie de la gauche espagnole tout à l'heure. Réunis toute la journée au siège de l'ONU à New York, et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réitéré son appel au cessez-le-feu humanitaire et a martelé qu'aucune partie à un conflit armé ne peut. À nous en France, si tu parles de cessez-le-feu, on te sort de l'arc républicain direct. C'est considérer au-dessus du droit international, monsieur. Ce qu'il faut, euh, Cancel, Antonio Guterres, du coup. Un conflit armé ne peut se considérer au-dessus du droit international. Monsieur Guterres a jugé important de reconnaître que ces oh, attaques du fois, Hamas hein. s'étaient produites dans un contexte d'une occupation étouffante de 56 ans. Il est important de reconnaître que l'attaque du Hamas ne sort pas de nulle part. Le peuple palestinien subit une occupation étouffante depuis 56 ans. Je suis profondément préoccupé. Par les violations claires du droit humanitaire dont de nous dessus. sommes témoins à oui, Gaza. Alors, je sais plus, je crois, aujourd'hui, il y avait euh, un, un politique français qui, qui aurait dit euh, Non, ce n'est pas un territoire occupé, c'est un territoire autonome. Bon, je... La suite de l'article précise pas si les gens ont rigolé ou pas. Que les choses soient bien claires, dans le cadre d'un conflit armé, aucune partie n'est au-dessus des lois humanitaires internationales. Ce qui lui a valu des accusations graves de la part du ministère des Affaires étrangères israéliennes, comparant le combat contre le Hamas au combat contre le nazisme et a demandé la démission de M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Monsieur le Secrétaire Général, c'est Eli Cohen, ministre euh, israélien des Affaires étrangères. Dans quel monde vivez-vous Ce n'est définitivement pas notre monde. Le Hamas, c'est les nouveaux nazis. Et tout comme le monde le civilisé s'est uni pour vaincre le les nazis, le monde civilisé doit s'unir derrière Israël pour vaincre le Hamas. Ah, euh, le problème du Hamas, c'est quand il a euh, des déclarations en disant qu'ils veulent la destruction totale de l'État d'Israël, mais une fois sur deux, il te parle en fait de revenir sur les frontières de 67. Par contre, euh, je ne crois pas qu'ils aient jamais... Euh, en Palestine, fait des, euh, des camps, déporter des Juifs dedans pour les exécuter. Euh, bon, il euh, y a par contre des gens qui sont dans une prison à ciel ouvert. J'ai pas dit que c'est un camp de concentration, euh, mais les conditions sont pas ouf. Hein. Euh, je sais pas, aller passer des vacances dans la bande de Gaza, ce n'est pas possible hein, de toute façon. Bah, c'est un camp de concentration concentré. Les différences avec un réel camp de concentration, euh, elles, sont, elles sont quand même minimes. Hein, euh. Bah, C'est-à-dire que euh, voilà, les, les gens meurent assez jeunes, mais euh, l'objectif n'est pas d'industrialiser la mort. En tout cas, bah, euh, peut-être qu'à un moment, on verra euh, si les frappes s'arrêtent. Emmanuel Macron continue le en même temps en déclarant à chaque fois qu'il fallait que l'électricité, par exemple, soit rétablie à Gaza pour alimenter les hôpitaux, mais en appelant tout de même en même temps à une coalition internationale pour lutter contre le mouvement islamique palestinien qui contrôle la ouais, bande on avait de Gaza. Entendu où il disait euh, le Hamas, c'est pareil. Que euh, Al-Qaïda, Daesh, etc. C'est-à-dire donner un blanc ça à l'armée israélienne. Macron a défini d'un mot notre ennemi commun, le terrorisme. Avec Netanyahou, ils se sont mis d'accord sur qu'est-ce que devait être cette lutte antiterroriste, c'est-à-dire bombarder euh, Gaza jusqu'à jusqu la fin, quoi. Et notamment le fait que ça devait se passer aussi en Europe et aussi dans les quartiers français. Je dois vous expliquer, ah, ah, bon ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans, à la ban dans la banlieue parisienne. C'est l'équivalent. Ah bon vous, vous prenez la voiture pendant 20 minutes et c'est comme si vous arriviez dans, en banlieue parisienne après 20 minutes de voiture et que vous aviez une enclave terroriste là-bas. Donc on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour détruire le Hamas à Gaza. C'est là où tu remarques que le gouvernement israélien sont totalement des suprémacistes en fait. À voir donc comment le massacre de la population de Gaza et la destruction de l'ensemble de ses infrastructures et une guerre régionale au Moyen-Orient pourraient résoudre le problème du terrorisme. C'est un peu une question sarcastique, un tout petit peu. Et à voir comment ça va se traduire, en tout cas sur notre terrain nous, comment est-ce que le pouvoir va réutiliser le conflit israélo-palestinien pour renforcer sa répression. Par exemple, on vous l'avait dit dans une précédente quotidienne, bah là déjà, en interdisant des manifestations, alors ils sont semi-revenus dessus, où maintenant ils se euh, défaussent sur le préfet qui doit décider s'il autorise la manif ou non, quoi. Qu'est-ce qu'on a Des micros, des caméras, lance-grenades, mitrailleuses, diffuseurs lacrymogènes, hein bah, effectivement, on voit où est passé le, le but qu'ils ont mis dedans. L'État français a investi dans des chars d'assaut de maintien de l'ordre pour essayer de contrôler la population qui pourrait se révolter. Donc, ça, c'était pour la partie sur le conflit israélo-palestinien. On en reparlera évidemment demain à 18h. Mais pour l'instant, on va passer au reste de l'actualité. Est-ce que vous aviez des réactions déjà par rapport à, à ce sujet avant qu'on regarde le reste de la vidéo. Ou pas. Bah, Zemmour, like Allô Désolé, bah, j'étais oui. muté parce que je mangeais. Euh, mais oui, moi j'ai une réaction, c'est sur ce que dit Netanyahou, euh, qui est hallucinant, et ouais, faut savoir que qu lui, euh, Macron euh, en banlieue parisienne. Euh, c'est comme si vous alliez en banlieue parisienne et que euh, vous aviez oui. le Hamas, en gros quoi. Il a dit ça vraiment avec Macron, qui était à un mètre de lui, qui était à un mètre de lui, qui écoutait ça en hochant la tête en mode, euh, ok, bon. Alors qu'il lui dit, voilà, vous avez Daesh et le Hamas, en fait, qui est dans les banlieues. Donc, c'est un délire, c'est la folie. Alors, est-ce qu'il le disait comme ça que, Parce que moi, au début, je l'ai compris comme ça, mais en fait, j'ai l'impression que c'était plus en mode euh, imaginez, c'est comme si vous, aux portes de Paris ou pas loin, où vous faisiez euh, 20 minutes de voiture, et là, vous tombez sur, euh, genre, une situation, genre la bande de Gaza, où c'est euh, aussi tendu, quoi. Non, en, ouais. fait, en fait, il y, y a trois éléments de langage. Et de Merci, Hopnast, la... qui soutient la rédaction. N'oubliez pas, soutien des Daimon Daniel, à toi. Merci beaucoup, Hopnast. Aska. La première, c'est euh, on défend l'Europe, on est aux avant-postes de la défense de l'Europe face à l'islamisme dangereux, etc. La deuxième, c'est de dire euh, c'est des terroristes. Comme ça, vous, ça rejoint, ça rentre dans le contexte de la War on Terror, comme je disais la dernière fois, le machin euh, euh, sur le fait que du coup, il faut tous, que tous les pays qui ont déclaré la War on Terror à la suite du 11 septembre, ils mettent leur pognon et leur armée au, au service de ça. Et, euh, et la troisième, c'était euh, de « surtout que le mot Palestine n'existe nulle part ». C'est-à-dire que tous les, gens qui, tous les médias qui sont, euh, on va dire, en train de reprendre les éléments de langage de la diplomatie, c'est pour ça qu'ils titrent guerre, Israël, Hamas. C'est pour ça que le, 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 le mot « Palestine » et « Palestinien, n'existe jamais. C'est vraiment c'est faire Alors, disparaître maximum qui meurt euh, actuellement. Mais... Bah, bah justement, c'est bien pour ça qu'il faut faire disparaître mmh. ce mot-là pour pas qu'on puisse en parler. Ça, c'est les trois éléments principaux euh, qui sont dans la, dans, la, dans la diplomatie, dans les éléments langage de la parce que euh, les hommes du Hamas, ils sont euh, généralement euh, un petit peu euh, mieux protégés, j'imagine, que le reste de la population. Ils ont des tunnels, euh, notamment, par lesquels ils circulent, dans lesquels ils peuvent s'abriter, même si Tzahal euh, euh, dit euh, en avoir détecté et les avoir frappés, et que notamment, ça servait aussi à les repérer, euh, euh, le raid ciblé aujourd'hui euh, en territoire gazaoui. Après, moi, je ne suis pas, pas assez renseigné, mais j'ai envie, mon biais, j'ai un, un biais pro-palestinien, et dans le doute, j'ai envie de les assimiler au FLN et à Mandela et compagnie, et être en mode, bah, ils ont fait des dingueries sur des civils aussi. D'ailleurs, j'ai revu il y a pas longtemps une vidéo d'une euh, nana qui avait fait partie du FLN qui était face à BHL. Et BHL lui disait, est-ce que vous avez regretté avoir bombardé des civils, enfin avoir foutu des bombes sous le cul des civils, etc. Et la nana du FLN qui lui expliquait bien, mais en fait. Euh, je vous explique que quand nous à l'époque, on était en, donc l'FLS c'était les résistants algériens qui étaient à l'époque appelés des terroristes et qui étaient condamnés comme terroristes par la plupart des, des Français à cette époque-là. Et elle expliquait, bah en fait, quand on envoyait euh, un, de nos, un de nos soldats aller défoncer des cibles militaires euh, en Algérie, et ben bah en fait, avait toute la population française sur place. Euh, qui était en train de pointer du doigt à notre soldat pour faire pour faire en sorte qu'il soit retrouvé. Donc en fait, on, nous on assimilait la population occupante comme une comme faisant partie de l'armée comme population occupante quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai un peu le parti de me dire bah euh j'ai jamais vécu euh, ce genre de situation où effectivement, euh, j'ai jamais vécu que l'oppression et, le, et que Ah c'est sûr que quand tu as, as une, là, une euh... colonie de peuplement, tu as aussi des civils. Et que du coup, c'est sûr que cibler les civils, ça va dissuader les civils de s'implanter. Mais oui, mais est-ce que... Est-ce que... Euh, c'est est, est pas quand même faire... C'est plus difficile de, de faire la guerre qu'au militaire, effectivement, euh, quand es dans une guerre de décolonisation, mais est-ce que ouais, tu perds pas un peu ton âme quand même euh, en faisant trop de dingueries, quoi. Mais non, en le fait, je, là, là, ce que je venais d'expliquer, justement, c'est que les personnes qui avaient vécu ça, qui avaient pratiqué ça, et qui avaient réussi à gagner... Euh, C'était qu'en oui. fait ils n'avaient pas le choix parce qu'en fait la population. J'ai bien compris que sinon pas... la population et en fait ils disaient, il les pointaient ça. du doigt quand il faisaient... Euh, en disant et puis les militaires ils avaient Donc, euh... se baisser pour les cueillir. J'ai bien compris et, et mais et sachant et sachant que pour ça plus... je te dis oui c'est plus facile tu vois mais puis c'est pas je forcément. C'est euh... qu'aussi là dans l'histoire israélo-palestinienne euh, ils ont fait tout le reste avant en fait c'est pas en mode euh, tiens ils résistent et d'un coup ils se mettent à défendre la gueule des civils c'est qu'en fait. Toutes les scales, tout l'éventail le, 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 de possibilités pacifiques et moins pacifiques a été essayé avant. Là, là moi, je suis plus en mode, c'était pas une manœuvre pour eux d'essayer de gagner quoi que ce soit. Sans, sans, là, parler de, sans parler de pacifisme, encore une fois, des objets. Euh, si le Hamas il s'en prend euh, à, au, au, euh, point, au checkpoint de RS et qu'ils arrivent à, à battre le mur et tout ça, bah oui, tu peux trouver ça basé. Alors après, Nova Festival, tu peux te dire, c'était pas obligé. Alors, juste pour finir ce que j'étais en train de dire, pour moi, parce que là pas... c'était pas, les... pas les mecs foncedés dans le désert qui allaient dire aux militaires Si, si, là, les mecs ont pris le checkpoint, on les a vus, ils sont là, ils sont là. Euh... Alors, déjà, ouais. le Nova Festival, c'est une petite partie de ce qui a, euh, qu a été fait et effectivement aussi. Bah oui, parce qu'après, il y a eu. On parle d'un millier de Palestiniens qui est rentré dans les kibbouts, etc. Et il y a eu beaucoup de cibles militaires qui ont été touchées. Mais bref, là en l'occurrence, pour moi, ce qui s'est passé, c'était bien plus un barreau d'honneur de gens qui étaient en mode foutu pour foutu, qui t'a crevé, je préfère crever selon mes propres termes que d'essayer de gagner quoi que ce soit en fait et c'est d'ailleurs on voit bien que derrière ils n'ont pas accompli grand chose à part le fait d'ailleurs si leur accomplissement c'est de faire en sorte que la, la société mondiale se réveille sur ce qui est en train de se passer là-bas quoi parce que pour l'instant bah, pour moi le plus gros social... accomplissement c'était réussir à défoncer le checkpoint de rs euh, pas euh, euh, prendre en otage ou euh, mettre une balle à un mec foncé dans un désert tu vois mais bah là, pour eux, ils se faisaient, ils se faisaient crever. En ouais, Ça c'était un symbole, Eretz. Tu vois. Ils se faisaient oui. crever, ils se faisaient crever à petit feu euh, par euh, par les Israéliens. Et là, en l'occurrence, peut-être que va y avoir un aboutissement qui va se faire dans un sens ou dans l'autre. Mais au moins, compris, ça sera euh, grâce à eux ou à cause d'eux, de, selon leurs termes, quoi. Parce que là, ils étaient juste en train de subir et de et de crever à petit feu sous la sous la botte israélienne, quoi. L'accomplissement est du côté de l'Iran qui adore sacrifier des Arabes à ses intérêts depuis des années. C'est-à-dire, soit plus spécifique, Ragequit. Effectivement, s'il y en a un pays actuellement qui est le plus officiellement remonté contre, euh, diplomatiquement contre Israël, c'est bien l'Iran. Euh, alors après, eux, ils ont surtout de li des liens avec le Hezbollah en l'occurrence, hein, mais ils ne traitent pas directement avec le Hamas. Hein, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse dire les Arabes, tu vois. Déjà, les chiites, peut-être, un petit peu plus. Euh, je ne sais pas s'il les sacrifie, mais en tout cas, il les finance. Et il les arme un peu. Euh, ouais, cest à que les Palestiniens n'ont rien à voir avec la situation dans qui les concerne au premier chef. C'est l'Iran, le Hamas. Ouais, tu affirmes beaucoup ça. de choses, Reichquit. N'hésite pas à les justifier un petit peu, un moment. Bref. On avait... De quoi il parle d'autre dans, dans la vidéo parce que je pense qu'on a bien fait le tour du sujet euh, du sujet Gaza mais euh, bah, pour une fois qu'on nous propose une autre actualité écoutons euh, ce qu'a nous proposer yo États de l'Union européenne ont signé un nouvel accord pour la revente de l'électricité en f... que pour la revente et pour ce qu'on l'achète du coup le système de l'arène euh, de le payer euh, de le produire. Euh, Huit fois moins cher que ce qu'on paye enfin, L'énergie électrique va donc pouvoir être négociée et se vendre sans prendre en compte le tarif du gaz du marché ah, européen, qui a est été la principale cause de l'augmentation des prix de l'électricité ces derniers mois. Ces accords. Eh, sauf que ça impacte beaucoup plus l'Allemagne que nous, ça, par exemple, d'être privé de gaz russe. Concerne les énergies renouvelables et les énergies nucléaires, ce qui fait que, bon, bah, en France, on va être très concerné par cette mesure. L'hiver dernier, on a cru qu'on ne pourrait pas les temps se soucier. Temps non, un titre putaclic. Bah, il fallait être là tout à l'heure quand, quand on les a montrés, extrême con. Non, ce n'était pas un titre putaclic. Et là, je t'invite à vérifier, tu auras tous les liens à la rediff. À cause des problèmes de technique et des centrales qui ne marchaient plus, mais là, ces derniers temps, la France est excédentaire au niveau de l'électricité produite. Alors du coup, on va pouvoir la revendre et donc se faire pas mal d'argent. Mais est-ce que ces bénéfices vont pouvoir entraîner une baisse de nos factures Eh ben là, c'est moins sûr quand même. Ah. En tout cas, notre ministre Pannier euh, Runacher, elle garantit elle une mise en place parfaitement achevée <laughs> de ce programme-là pour 2026. 2026. J'ai toujours envie de dire nul à chier, mais je me retiens. Tu 2026. 2026. On a donc un problème de, de prix est qui est apparu. 50. En 2022 Comment Si c'est pour ça qu'il a fait bien gaffe, sachant que souvent il écorche un peu les noms et les mots. Là, je pense qu'il s'est vachement concentré pour éviter de dire ruin chier ou Nul à chier. Mmh. <laughs> c'est peut-être possible. J'ai rétabli mon, mon U-Block et j'ai quand même encore des pubs. C'est super chiant. 2026-2026. On a donc un problème de prix. Alors, sur, sur toute cette problématique, vous avez un featuring entre Osons Causer ou chez les amis, bah, justement, et. Euh... Et euh, Eureka, euh, qui euh, fait des vidéos euh, ultra complètes, euh, qui vulgarise quand même pas mal, euh, quand même relativement accessible, mais très très dense sur l'économie, euh, qui est un ancien trader, euh, je crois, et euh, qui a rage quit un petit peu tout ce milieu-là. Et par contre, euh, je, je crois que j'ai essayé une fois d'en faire un react, mais euh, c'est beaucoup trop dense sur un domaine sur lequel j'ai pas assez d'expertise et euh, j'avais du mal à apporter de la valeur ajoutée. Mais je ne puis que vous recommander euh, euh, ces vidéos. Ah oui. Moi, j'en si manque pas. Une, vous... En tout cas, si vous voulez vous former à l'économie, regardez Eureka. qui est apparu en 2020. 2026-2026. On a donc un problème de prix qui est apparu en 2022. Nous sommes en 2023 et ils annoncent le régler en 2026. Voilà. C'est long. C'est très très long. Et c'est pas une question de le temps de construire des centrales. Non, c'est juste une. Non, elles existent déjà et on produit déjà pas si cher que ça. Question oui. de prix, de comment est-ce qu'on détermine les prix. C'est juste une question de loi, pas plus. Hein. Selon elle, les factures seront plus simples avec un coût au water plus stable que ce qu'on a connu auparavant. L'accord ouvre aussi la possibilité Merci de signer des tarifs bloqués sur plusieurs années, mais à plus bas coût qu'actuellement. Et en attendant, on a donc vécu un an et on va encore en vivre trois avec des prix de l'électricité qui sont totalement déconnectés de la production et de la réalité. Bon, et si consommer une électricité. Qui compte comme décarboné ne vous suffit pas comme geste écolo, et bien le gouvernement a pensé à vous. Depuis lundi, dans tous les bureaux de tabac, on retrouve des tickets à gratter qui soutiennent la préservation de la biodiversité. C'est beau dit comme ça. Hein Pour seulement 3 euros, vous pourrez bon, gagner hein jusqu'à 30 000 euros et arrêter de faire pipi sous la douche. Et ça, c'est quand même stylé. Hein la ministre Sarah El Ayri le garantit grâce au QR code présent sur le ticket tout le mais moi je fais pipi sous la douche. Mais co comment tu fais quand t'as pas besoin de prendre de douche Tu fais quand même dans les toilettes. Tout le monde pourra découvrir les sujets défendus par ce ticket et par le gouvernement, et tout le monde se sentira concerné par l'écologie. Même Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Bon, c'est une blague. Enfin, hein, juste ce, ce petit bout-là, parce que le ticket, lui, c'est pas une blague. Il existe vraiment et il a la même utilité que tous les numéros verts qui ont été pondus par le gouvernement à chaque fois qu'il y a une crise wow. qui a, <laughs> a surgi et qu'il fallait. Quoi oh, ce <rire> graphique <rire> Il avait l'air trop bien. que tous les numéros <laughs> verts. Quel numéro vert du gouvernement dois-je appeler Es-tu un animal Alors, si tu réponds oui. Euh, alors, est-ce que tu es un cheval Dans ce cas-là, il y a un numéro. Est-ce que tu es un cochon Est-ce que tu es une punaise de lit Il y a SOS, punaise de lit. Mais par contre, je, je suis sûr que c'est des vrais numéros. Un autre animal en cours Ah, dommage. Bah, rip les autres animaux. Oui. Ou cela Et concerne a un le... animal Non. A... As-tu chaud le... <laughs> Information y a, y a canicule. <laughs> Et a, ça finit le... par 66666. <laughs> ouais, c'est incroyable, hein. Non non c'est des vrais numéros hein. Oui non mais par contre le, le diagramme ça n'a pas été euh, enfin le graphique n'a pas été fait par, euh, non, par non, la République française. française. Mais... Attends à ah, quoi que. C'est possible Tu bah, vois il y a le logo tu vois mais oui ça met le doute. Non es-tu un animal euh, non je, <laughs> je sais ah, qu'on nous prend pour des cons mais <laughs> oui. c'est un gag. Par, par contre je trouve qu'il a été un peu naïf euh, parce qu'il est passé très vite sur le fait qu'en 2026 ça allait être changé. Euh, Je pense que c'est que du flan. C'est comme les bases de glyphosate et autres conneries comme ça. C'est juste repousser à plus tard en s'engageant sur un truc qu'on qu respectera pas, mais juste pour évacuer le débat là tout de suite. Parce que comme il le dit quelque part, si on voulait le faire, on pourrait le faire de suite sans problème quoi. Oui, non, juste au pire, là, on, 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 sort notre, euh, on sort notre botte secrète, tu vois. Si en 2026, il se passe rien, comme euh, tu le préchotes on envoie Bruno Le Maire à l'Union Européenne, on l'envoie à Bruxelles, et il demande très 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 fort, avec un regard déterminé, que les règles de la Reine changent. C'est que j'ai eu ça, peur ça que un vrai <laughs> argument. Ah tu vois, je pensais que c'était un vrai <laughs> argument, pardon. <laughs> ah oui, là, il va arriver Bruno il va être là, je suis vraiment pas content. Ça fait très très longtemps que Bruno Le Maire a cessé d'être un vrai argument, hein, mais même au sein de son propre parti, je crois que bon qui ont été pondus par le gouvernement à chaque fois qu'il y a une crise qui a surgi et qu'il fallait prouver que le gouvernement servait à quelque chose. Et encore, on ne sait même pas si le financement de ce ticket ne va pas finir dans un obscur fond Marianne comme la dernière fois. Et certains diront qu'une loterie pour financer ouais. l'écologie. Je reste bloqué. Il y en avait. C'est M tu débattre et dans les propositions, il y avait marqué avec un flashball. <laughs> Attends, ils... ils ont vraiment créé un numéro vert J'ai je... envie de retourner en arrière pour voir si que le gouvernement vert... servait à quelque chose. Et encore, on par le gouvernement. Attends. Un tu débattre pour rien Il te met « mettre... Information, grand débat national <laughs> !» ah ouais, Avec un flashball « Recrutement, police nationale <laughs> !» Tout a l'air beaucoup trop bien <laughs> Avec un flashball, mais tu as perdu ton débat. « Support, police pas... victime d'agression <laughs> !» J'espère qu'il a mis son, son graphique dans la description. Oh, Il faudrait faire... Un... Idée, idée de concept de live, tu, tu fais un live où tu appelles tous ces <laughs> numéros verts. <laughs> et tu, tu vois et tu leur poses. Ou quel que soit le sujet, appel. tu arrives à trouver un numéro vert qui y répond grâce à ce oui. schéma. Ah Ça, ça oui, pourrait être ça. bien ça. Le conflit israélo palestinien comment on le règle Est-ce que tu es un pays Non. Est-ce que tu as une reconnaissance internationale Euh. <laughs> euh Constates-tu quand même un problème Avec des terroristes Ah, ah peut-être Oui. Euh, avec des terroristes dans le futur dans, dans le, le présent, présent ou dans le passé Dans ah, le témoin attentat, victime attentat, euh, radicalisation. Tu imagines Meyer Habib, il appelle ça, il dit oui, j'ai vu des terroristes. J'ai vu Mélenchon sur un plateau télé. <rire> <rire> Je pense <laughs> qu'il y a eu urgence à intervenir. intervenir, oui. Ah ouais. <laughs> Quelqu'un te lit ce schéma, car tu ne sais pas lire, car tu ne peux pas lire sur un ordinateur. Ah bah oh, dommage, on voit pas. Ouais, il est devant après, mais... pardon. ...diront ouais. qu'une loterie pour financer ouais, l'écologie, eh ben en réalité, c'est un impôt caché où on profite de l'espoir de sortir de la galère pour financer ce qui aurait dû l'être par l'impôt sur les grandes fortunes, sur les super profits ou sur l'évasion fiscale. Quand il s'agit de taxer les pauvres, la Macronie déborde de créativité, c'est incroyable. Hein. Mmh. Par contre, si vous avez 3 euros en trop, eh ben vous pouvez nous faire un don ou sur alors, Tipeee. Ou ils le font nous, hein, nous... indirectement en, su... en supprimant le peu de minima sociaux qui leur restait, tu vois, mais comptabilité, Contrairement au fonds Marianne, est totalement transparent. Chacune de nos dépenses y sont justifiées. Et si on a suffisamment d'argent, on va pouvoir acheter énormément de tickets ah, écolo. Et comme ça, forcément, il y en aura un qui sera valide dedans. Et on va pouvoir financer le canard comme ça. Comme ça que ça marche à la loterie, non Non Donc le gouvernement cherche à financer des projets écolo. Et ça tombe bien, il y en a un qui a été financé il n'y a pas longtemps. là, Et ça en Bretagne en plus. Donc on vend. Souvenez-vous, en, de... en 2017, Emmanuel Macron qui disait. Euh, mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas. Bon, on a vu, c'est. On sait. parler Et ça concerne des compagnies aériennes. Et ouais. La société Céleste a reçu l'approbation du ministère de l'Environnement. L'entreprise sera soutenue à 60% par des aides publiques sous forme de 3,5 millions de prêts sans intérêt accordés par les collectivités locales. Tout cela, on avait vu qu'ils aimaient bien subventionner des trucs pour se donner bonne conscience ou quand tu regardes le détail, c'était quoi l Lulu dans ma rue ou en fait euh, on, on finançait avec de l'argent public l'ubérisation des gens littéralement. Mais... Une ligne intérieure qui va de Brest à Orly, donc en avion alors qu'en réalité il y a bien un tgv qui va de brest à paris gare de montparnasse et cela en 3h49 mais en avion le vol ne dure que 1h25 mais sans compter l'enregistrement et sans compter le fait que bah après t'as 45 minutes de transport en coma à paris pour aller de Orly... bah ouais de horly quand c'est des vols intérieurs et quand et en plus ouais c'est encore plus chiant que Croatie parce que Roissy, au moins t'as un terminal du rerb mais, euh... mais alors Là, je sais pas s'il va en parler mais il passe peut-être à moitié la euh il passe peut être à côté de la moitié du truc. c'est surtout que actuellement le dos c'est qu'on subventionne. en fait on aide tellement le secteur aérien et on subventionne tellement peu le ferroviaire qu'on se retrouve via euh, le péage ferroviaire à avoir des... Sur le... Sur les tra... des trajets équivalents des trajets qui en tgv sont beaucoup plus chers ou significativement plus chers que des vols intérieurs. et là tu te dis il y a un problème l'aérien n'est pas assez taxé tu vois à Montparnasse. Donc, au mieux, ça te fait gagner une heure de la ferroviaire passée subventionnée. J'aime, mais au prix d'une pollution considérable. Et en plus des aides publiques, la société a trouvé des financements privés. C'est comme ça qu'ils ont réussi à s'installer. Environ 60 entreprises de Brest et de Bretagne ont investi de l'argent dans le projet parce que ça permettrait d'améliorer la connectivité de la région. En examinant un petit peu les soutiens au projet, ah, il parle pas de vous mettre euh, la fibre internet là, évidemment. C'est vous allez pouvoir aller euh, plus facilement à Paris pour euh, travailler, puisque de toute façon, il va falloir faire toujours plus de trajets pour avoir du boulot. Hein. Et vous allez être obligé de plus en plus d'avoir un boulot. On réalise que l'objectif final est de faciliter les déplacements des cadres qui doivent se rendre à Paris et qui préfèrent ne pas prendre le train. Selon une étude de The Shift Project, le truc de... ah, C'est surtout les cadres qui sont concernés par ça. Alors après, ouais, quand, euh, quand euh, tu peux te peut-être euh, te payer le luxe de... Euh, aller euh, te prendre une, une maison à la campagne et, euh, et travailler à Paris, peut-être que... Je sais pas. Jean-Covici, là, les cadres prennent 37 fois Ce plus l'avion en France représente. que les ouvriers. Alors qu'ils pourraient juste... Ah, qui prennent l'avion pour aller bosser. Ah oui, d'accord. Moi, j'étais resté bloqué mmh. sur le train, du coup. Il y a vraiment bah des oui, gens qui euh... prennent l'avion pour aller bosser tous les jours bah, non pas tous les jours mais souvent quand tu fais des boulots de cadre ou ta boîte elle est un peu partout en France tu vois souvent tu par exemple tu dois faire un Paris Marseille et pendant deux jours tu vas à Marseille tu es logé dans un hôtel par ta boîte et tu rencontres d'autres cadres de ta boîte Non mais quand as un pays souvent... genre la Russie ou les états unis je veux bien que euh, ouais pour aller à l'autre bout du pays un avion euh, ça peut peut-être euh, plus le faire euh, la France hexagonale, ça va, wesh. Enfin, bah, même un oui, lit mais... ça se fait, tu vois. C'est euh, es le, les deux villes et... les plus éloignées, je crois, en France. Hein. Écoute, l'entreprise, elle compare les prix du billet d'avion et le prix du billet de train. Elle prend le prix du billet d'avion. Hein. Ça va pas être plus loin que ça. Ah, on en revient du coup au même problème. Se parler sur Discord, ça marche bien. Les conversations de cette chat vocale, il y a les caméras et tout. Ils mettent leur petite chemise de cadre et voilà, et ça passe. Hein. Pas besoin de prendre l'avion, les gars. Même des fois, il paraît qu'ils mettent pas de pantalon, mais là, je ne veux pas trop ouais. m'avancer. Surtout qu'ils vont si en si première classe avec de leur. Ça. On, yeah. on a il vu même sur il y a des stri... Alors, je veux balancer personne. Il paraît qu'il y a des streamers ah. et des streamers qui ne mettent pas de pantalon. Parce qu'ils se disent, on me cadre jusque-là. Pourquoi je me ferais chier à mettre un futal, putain de merde Il paraît qu'il y a des gens qui disent ça. On a eu un grave erreur on a eu un... Surtout que ça peut être dangereux. On a vu en direct sur LCI un un grand scientifique du GIEC. C'est Gémen. Oui, François Gémen en direct sur LCI pour parler d'à quel point la canicule réchauffe la France en plus. c'était En vrai, c'était dans le propos, bien vu. Je pense que c'était quelqu'un. Du il avait un quoi. C'est parce que euh, euh, c'était dans Roy mmh. Match sur Mozart, il y avait un présentateur de euh, Metro News One qui était en slip tout le temps, mais qui avait le, le, le costume, la chemise impeccable en haut, mais il disait, ouais, c'est bon, on est sur une, une pauvre chaîne du Cap toute pourrie, euh, notre carrière est plus la merde, euh, je vais pas en plus mettre un futal, tu vois. <laughs> je trouvais ça rigolo. Bon, tout n'était pas rigolo dans Roy Match, il y le moins si la, la Ah, la tu l'as mis où Dans la con... Ah c'est Dailymotion C'est vraiment gênant C'est malaisant J'ai li un lien YouTube sinon C'est un ah. short Ouais bah vas-y Parce que euh, En fait Dailymotion ah, euh, Ils sont encore plus chiants Pour la pub que YouTube Ah bon ouais. T'avais pas bah... de pub Bah as si là, y a... un Ah si si euh, Bloqueur de pub euh, détecté Il me dit euh... oh, Sinon j'ai un autre lien Mais ça dure 9 minutes C'est une chronique autour de ça Bref ah, voilà. mais nous peut-être le short C'est bon c'est celui-là Le short c'est le premier lien Allez, Continue. regardons ah, ça mais... on entend. Pour rien. Les... Pour tous les fans de Calbut. Alors attends, je vais booster le son artificiellement à 320% en espérant que ce soit suffisant. 6, ce matin, et non. J'ai un autre lien, j'ai un autre lien. Un autre lien. Sur, euh, LCI. Ah, mon on lien marchait très bien, Bon, bah ouais, écoute, on, on va se taper la minute et demie de pub que va nous demander Dailymotion et. Et euh. Et bon, sinon, on regarde ça. Alors pourquoi il ouais. y a un mec qui, extrême con, a l'air reparti en couille parce qu'il gueule dans le chat L'athéisme Point de sport, Alors après, vu qu'on a une minute Donc, euh, et demie d'attente. Il répond à quelqu'un, on l'a pas suivi. Vu qu'on euh. a une, une, une minute et demie d'attente de pub. Pardon. Euh, pendant une minute et demie, on peut répondre à la question de Lomir Nian qui demande la solution pour la, le conflit israélo-palestinien. Je pense qu'une minute, c'est parfait. Je t'en prie, euh, Damon. Ziaska. Tu <laughs> envoies Nemo Macron régler le problème. Je Moi, pense je pense que la n'est pas du tout une bonne, une bonne solution parce que. Euh, non, on ne va pas de bannir, extrême qu'on t'inquiète, mais c'est juste que je ne pense pas que ce soit une solution parce que la question n'est pas fondamentalement religieuse. La religion est un aspect de la question. Mais c'est juste un aspect. Au fond, la question elle est beaucoup plus oui. territoriale, géopolitique. La vidéo de Taokan là-dessus, elle tout... était super. Elle montrait qu'il y avait différents étages de réflexion là-dessus et que euh, vraiment c'était seulement le premier étage euh, mmh. de le voir en tant que conflit religieux. Euh, parce que mmh. après, sur le positionnement, il y avait aussi un positionnement gauche-droite et après en fait il y avait surtout un positionnement entre les pays qui ont été colonisés, et les pays qui ont été colonisateurs et que c'est plus ouais. ça qui déterminait les positionnements des uns et des autres. En gros, pour résumer la vidéo qu'on avait vue l'autre fois. Tu l'as vu, tu as un react dessus, toi, Kali ouais, 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 je l'ai regardé euh, avant-hier. Mm. Pour, euh... ouais, pour répondre à Mire Million, c'est vrai que moi, enfin, cette question a tendance à me faire doumer parce que, en fait, le... là, je vois pas vraiment de, de solution à moyen terme. Comme c'était dit tout à l'heure, le Hamas, ils étaient un peu en mode euh, entre guillemets baroud d'honneur parce que tu es des gens, Voilà, bon, c'est absolument abominable. Bien évidemment, on ne répétera jamais assez. Euh, mais c'est quelque chose qui vient d'un désespoir, qui vient d'une envie de euh, voilà, réactiver, qu'il se passe quelque chose quoi, au final, même quelque chose d'horrible, euh, et bah, les conséquences sont, sont évidemment tragiques, parce que d'un autre côté, le gouvernement israélien, il a l'air, alors c'est très cynique là aussi, mais il a l'air quand même de, de, de pouvoir euh, laisser parler une, une violence et une haine qui est latente en Israël depuis longtemps, qui n'est même pas que latente, puisqu'il y a des morts, etc., mais il y a quelque chose un peu d'un déchaînement de quelque chose qui, qui était presque attendu par certains en mode ah ça y est maintenant on peut vraiment les défoncer parce que c'est pas des humains de toute façon donc allons-y gaiement quoi il y a ce truc de après ça fait longtemps qu'on attend ça quoi et donc ce côté là en fait fait que j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun frein euh, qu'il a plus aucun frein à, à la violence euh, des, des deux côtés en fait mais bon là c'est surtout la violence israélienne qui s'exprime là, là depuis, depuis deux semaines quoi hein, suite à ce qu'a fait euh, le Hamas donc, euh... clairement pourquoi ah, euh, Après, de toute façon, qu'il n'y a, qu a pas de issues Quoi non, Mais parce qu'il y a un mec qui dit qu'on défend le Hamas. Mais pas... Je vais répondre là-dessus là pour donner une réponse claire et pas une réponse langue de bois comme, le, comme la télé la, la demande en mode oui, vous condamnez, vous condamnez, évidemment on condamne, etc. Mais... On condamne les violences, toutes tout les violences contre tous les civils. Sauf qu'actuellement, c'est plus ceux qui sont à Gaza qui mangent. Du coup, il y a Tofi qui divise Israël. Mais du coup, le fait que le gouvernement israélien, ouais. notamment des membres du Likoud y compris Netanyahou lui-même, ont laissé des financements passer au Hamas dans le but que justement mm. euh, le Hamas devienne puissant et de pouvoir ensuite les combattre. c'est -ce affaiblir l'autorité toujours... palestinienne. Donc, euh, jouer avec le feu, jouer avec la vie de millions de personnes, c'est mm. toujours vivre Israël. Donc, euh, arrêtez d'être dans un truc binaire. En mode, euh, voilà, c'est soit on défend le Hamas, soit on défend Israël. Euh, on défend aucun des deux. On Mais est déjà, en fait, ouais, si, si tu défends Netanyahu, c'est Netanyahu qui a décidé de financer le Hamas. Donc euh, quelque part, Netanyahu euh, soutient Et... le Hamas. Donc en fait, Et... si tu dis, euh, si tu soutiens l'actuel gouvernement israélien, tu soutiens le Hamas. Donc en fait, c'est oui, là où je voulais en venir. En fait, les radicaux des deux côtés euh, sont presque main dans la main dans le sens où ils ont besoin les uns des autres. Tu vois, les fanatiques ont toujours besoin d'autres fanatiques à combattre. En fait. C'est beaucoup plus facile de combattre d'autres fanatiques que de combattre des gens modérés qui demandent des solutions pacifiques, etc. Donc effectivement, c'est le, le fatah qui aurait dû être, euh, qui aurait, devrait être au pouvoir, etc. Voilà, Et, euh, les gouvernements d'extrême droite se, se gargarisent du fait qu'il y d'autres gouvernements d'extrême droite en face à combattre. Cette toujours être comme ça. Donc, euh. Justement, en fait, les, les moi, je, vois, je vois que quatre issues à ça de toute façon. Moi je sens, je vais pas vous dire quelle est la solution. Moi il y a celle que, que j'aimerais bien, tu vois, c'est euh, la solution. Bah, ça, du coup, ça fait peut-être ça fait peut cinq issues. Même si celle-là semble de plus en plus impossible, c'est la solution à deux états, mais avec des vraies frontières cohérentes euh, pour que la Palestine n'ait pas des bouts d'enclave et des, ouais. des, des constellations de, de petits territoires, tu vois. Je euh, pense pour Loin, mais voilà, euh... effectivement. Euh, les autres issues, c'est quoi C'est euh, la victoire euh, euh, à 100 euh, comme le voudrait actuellement l'extrême droite au pouvoir en Israël, euh, comme le voudrait Smotri Smotrich Ben Gvir. cest euh, à une forme de nettoyage ethnique, hein, euh, Oui, voilà. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que toute ouais, la Palestine je... mandataire de l'époque, juste je finis. Euh, ouais, en fait, ouais. les six Jordaniens, euh, ils vont en Jordanie. Euh, les Gazaouis, ils vont en Égypte ou ailleurs. Euh, ouais. Et en fait, que eux récupèrent tout le territoire. Euh, de la Palestine oui. mandataire et le modèle Fatah mais qui semble aussi euh, justement être le plus éloigné possible une solution de un État mais multiconfessionnel, confessionnel euh, multi multilinguistique oui. euh, euh, avec tout le monde à égalité bon ça a l'air d'être parti pour ça ou le statu quo de euh, on continue d'essayer de grignoter et de, euh, de faire cuire le, le tout à l'étouffer et il euh, continue d'y avoir plein de morts mais euh, avec des conflits de basse intensité ou avec de temps en temps des moments où ça pète un câble comme euh, on le voit actuellement même victoire, victoire, si tu tu euh, même pas une victoire des Palestiniens, dire comme enfin du, du Hamas si voilà, en si, voilà, si, si je l'avais marqué ouais. justement, ouais. Mais après, je, bah, pour moi, le modèle Fatah, c'était une victoire des Palestiniens déjà. Mais, euh, ouais, mais... Ou alors le modèle Hamas dans sa version la plus énervée, qui est en mode la destruction de l'État d'Israël, tu vois. Oui, euh, ou est... alors, mais au revenir aux frontières de 67, ça, ça ce serait pareil. une solution d'un truc à deux États, tu vois. Ça mais... n'arrivera pas parce que les forces en puissance. Ne... Enfin, voilà, c'est. ils n'en ont pas les moyens, quoi. Bah après, euh, franchement, Kali, euh, euh, jamais dire jamais. Hein. Ouais, mais non, jamais dire même... jamais. Bon, après, ce serait... ce serait horrible. Moi, je ne suis pas pour cette solution-là aussi. Que, que voilà, des millions de juifs soient chassés de la région, je trouve que ce serait, ah, mais clairement. Ce serait grave également. D'ailleurs, hein. je ne pense même pas que le Hamas veut encore ça aujourd'hui. Hein. Ça a pas l'air d'être dans l'ordre. Leur... Il y a sans doute des extrémistes qui veulent ça au Hamas, soyons pas. Sûrement. Soyons pas les sûrement. sûrement, mais. Mais le Hamas, c'est compliqué en vrai. Il ouais. y a beaucoup de caricatures et peu de nuances sur ce sujet. Il n'y a rien que le fait que les gens confondent le Hamas avec Al-Qaïda et Daesh. Oui, ouais. bah, ça c'est un dessin aussi. On a vu Netanyahu tout à l'heure qui entretient cette confusion. Ça lui oui. ça sert. L'axe du mal. Là, et ouais. Il avait déjà dit d'ailleurs en, en 2015, quand il y a eu Charlie Hebdo, qu'il est venu en France et tout, il disait Allez. déjà, vous combattez les mêmes qu'on combat chez nous, etc. Il était déjà dans cette rhétorique-là. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien rappeler en ce moment parce que très peu de gens sont au courant et pour moi, ça illustre vraiment bien ce conflit. C'est la première Intifada, à savoir mmh. euh, des Palestiniens. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un Donc, checkpoint, 97-93 euh, pour aussi. C'est ça. En fait, avant, c'était la, intifada, pas la semaine, intifada, des pires, ça. Non, non, euh, non, non, il y a eu deux intifadas. Les deux, il y a eu des pierres lancées contre les soldats en fait, israéliens. Il première... ah, y en a une qui est surnommée les, euh, les... Ouais, bah, Je vais vérifier laquelle la question. La, 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 la toute première, c'est euh, un checkpoint. Ou encore une fois, ils, à, à cette époque-là, ils n'avaient plus de possibilité de circulation. Ou en gros, un Israélien avec un véhicule a écrasé quatre Palestiniens. Et en fait, il y a eu euh, des mouvements de foule, de, de, de révolte, en fait, de la part des Palestiniens. Et en fait, à la, la fin de cette, de cette révolte... C'est encore démarré par le checkpoint des restes, d'ailleurs. Il y a eu 140 morts du côté palestinien et zéro euh, du côté euh, israélien. Et en fait, à ce moment-là, euh, il euh, y avait Issa Rabin, dont on a entendu parler plus tard à, devant les accords d'Oslo, qui était euh, général à ce moment-là, et qui a dit, OK, ils se battent avec des pierres, et du coup, pour leur faire passer l'envie de se battre avec des pierres, on va se servir de pierres dans la loi du talion pour leur faire passer l'envie de se rebeller. Et en fait, ils ont mis en place une doctrine qui visait à briser les mains, les jambes et les membres des Palestiniens à coups de cailloux. Et il y a encore en ce moment, il y a des vidéos qui refont surface sur les internets de justement où on voit des soldats israéliens en train de briser les membres de, de jeunes garçons avec, avec des pierres. Et c'est celui de sa qui, après avoir fait ça, s'est rendu compte. Que à coup de violence gratuite et ignoble, on n'engendrait que plus de violence, puisque derrière il y a eu là une seconde intifada qui, pour le coup, a été beaucoup plus violente d'un côté et du coup encore plus violente de l'autre. Que il s'est dit, ok, euh, il serait peut-être temps d'arrêter de 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 d'alimenter ce cercle de violence. Et c'est ce gars-là qui à la base n'était pas un, un propé. C'était un, un de ces fanatiques euh, israé israéliens d'extrême droite qui était en mode il faut leur péter la gueule, qui s'est dit en fait on n'arrivera à rien en faisant ça. Et qui s'est ouais. dit en fait il faut qu'on arrive à vivre ensemble parce que en fait, c'est la seule possibilité. Parce que même, même si on leur écrase tous la gueule, là ce qui est actuellement en train d'essayer de le faire. Même si on leur écrase tous la gueule, eh ben en fait, on va juste créer encore plus de haine, encore plus de violence. Et du coup, il est revenu de là. Et quand bien a... même il tuerait tous les Palestiniens, si Jordaniens comme Gazaouis, bah, il ferait que monter euh, la colère euh, des pays euh, alentours, de la Jordanie, euh, de Hezbollah au, au Liban. De... Alors l'Égypte e qui se veut la plus modérée, je ne sais pas comment elle réagirait sous elle sisi mais... Et c'est -ce pour ça qu'un Rafat, qui était à la fois, qui était aussi lui-même considéré comme un terroriste, alors qu'en fait, il a il a un prix Nobel de la paix, Isaac Rabin, qui était, comme on vient de le prouver, un putain de terroriste, hein, parce que le but de péter les membres des gens avec des cailloux, c'est du terrorisme, même si on parle pas de terrorisme quand il s'agit de gros, hein, comme d'habitude, euh, qui se sont dit, OK, on va s'asseoir contre une table, on va faire en sorte d'arrêter cette merde. Et parce que tu avais des suprémacistes israéliens, pour le coup, qui en bonne, non c'est pas possible, il faut qu'on leur éradique tous la gueule et qu'on fasse en sorte que cette terre soit totalement à nous. Ils ont appelé, et Netanyahu était parmi ceux-là, ils ont appelé au meurtre des Zach Rabin. Mais bon, y a encore alors, les malheureusement, filles, le, le truc là, des, des pierres, alors bon là, là ça avait l'air de viser des enfants et du coup pas du tout des militaires, donc là forcément c'est beaucoup plus dégueulasse. Mais par exemple, euh, pendant, euh, alors je ne sais pas si c'est une légende euh, ou pas, faudrait que je vérifie, euh, pendant la guerre de 100 ans entre la France, euh, euh, qui, aurait de, qui aurait duré 116 ans, mais avec des accalmies etc. Bon, bref, et c'est oui. une nouvelle guerre de 100 ans, ceci dit, la comparaison est pas forcément débile, euh, et entre la France et l'Angleterre, donc euh, les, les Anglais avaient d'excellents archers, et moi euh, ouais, j'ai entendu ne vais pas vérifier mais vérifiez-le, n'hésitez pas, euh, que euh, les Anglais, les archers qui étaient capturés ou les Anglais qui étaient capturés, on leur coupait euh, ces deux doigts là euh, pour être sûr qu'ils ne puissent plus tirer à l'arc et que après du coup c'est devenu une insulte et c'était euh, une sorte de bras d'honneur de l'époque de faire ça oui. aux Anglais. Ça allait toujours ouais, d'ailleurs. Les doigts là. écartés, euh, mais c'est les Anglais qui font ça aux qui font ça aux Français en fait. Ah ouais. bon oui, mais ils le font encore entre et eux. En J'espère que c'était eux temps. qui avaient des bonnes d honneurs, d honneurs, On avait une bonne cavalerie. Et Geoff, Empire 2 m'aurait menti. Putain. C'était euh... pour, c'était pour les narriers en disant, celui-là, tu l'auras pas, tu vois. Exactement, ah, c'est ah. ça. Genre, moi, j'ai encore mes doigts, je peux encore tirer des flèches. Et en fait, les Anglais, effectivement, ils font pas le doigt d'honneur avec le juste le majeur levé. Ils le font avec les deux doigts levés. Et en fait, contrairement au signe de la paix, c'est avec la main tournée vers l'extérieur, quoi. J'ai envie de dire. D'ailleurs, anecdote Churchill, quand il a appris le signe de la paix. Il l'a fait il a une première fois dans le journaliste et il s'est trompé. Et il a fait ah un non. doigt d'honneur. Mais il savait pas que c'était un <laughs> doigt d'honneur. De... Ah, il, un il a Maristo. fait une dupont moretti mais ah non, c'était sûr. <laughs> non, pont moretti il a fait un bras d'honneur et il a dit non. Il en a fait deux. Voilà, c'était <laughs> sa défense, hein, le mec. Je précise qu'il est avocat de base. Hein. <laughs> non. <laughs> ça, ça ne va pas de, de est soi est non donc... et le pire c'est que c'est pas le, le pire truc dans ce genre qu'il est fait bon, oui, est... Oui, bah, de toute genre... façon là les affaires qui continuent enfin, et les accusations qui continuent de s'amonceler de l'ensemble de la profession, profession semblerait-il à son encontre ouais. les accusations de sexisme notamment ça se, ça se touche la bite de en d'intérêt audition, audition. De... Ouais, ouais, ça c'est n'importe quoi en, 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 en tirant la langue et en, en fixant la, la procureure euh... Et après elle dit « Oui, est-ce qu'il pourrait arrêter ses tics ?» Et le mec il répond, sa défense c'est « Je n'ai aucun tic, madame. <laughs> » Non, non, c'est fait exprès en fait, c'est pas un tic. Ouais. Je suis vraiment oui, oui, non, en fait, un grossier personnage. Et du coup, juste pour, pour, pour finir éclore euh, sur ce truc-là, et effectivement, pendant la seconde Intifada, il y a effectivement eu sniper contre gens avec des cailloux, et ils ont fait exprès de tirer dans les genoux pour faire, pour faire en sorte qu'il y ait des amputés. Euh, et je sais plus où est-ce que j'en ai mis oui. en en 2009. Attends, Aska, oui, je voulais revenir sur un truc que tu as dit et insister ouais, ouais. un peu parce que c'est très important. Euh, quand tu as dit que Net Netanyahou était de ceux qui étaient contre Itzhak Rabin après son, peu son revirement et son oui, idée, idée de, de dire qu'il il faut, faut la paix, il faut ça, négocier et tout. Netanyahou était non seulement parmi eux, il était un des leaders de ces, de ces mouvements-là et il a manifesté avec un échafaud, je ne sais plus si c'était un échafaud, une corde de pendu ou quelque chose comme ça pour symboliser, pour menacer Itzhak Rabin en mode on va te tuer si tu continues quoi. Donc il faisait en partie des gens qui appelaient à l'assassinat de Yitzhak Rabin, hein, Netanyahou, ça, pour bon dire que c'est précis. Quand on dit extrême droite, c'est précis. C'est ah. des gens qui ont toujours poussé pour qu'Israël se radicalise et soit de plus en plus violent, qui au pouvoir aujourd'hui en Israël et ça n'a oui. pas toujours été. Et d'ailleurs Itzhak Rabin. Euh... Certes, c'était un général sioniste de tsahal et tout. C'est pas du tout un mec euh, sympa, mais il, justement, il n'est pas de cette branche sioniste religieuse. Il venait des travaillistes, euh, mm. de la branche plus modérée du sionisme. Euh, Je vais pas dire de gauche parce que pour moi, le sioniste, ça peut pas être de gauche. Mais euh, voilà. Donc euh, à partir de oh, là, euh, là oui, on va pas refaire ce débat, daimon euh, Et euh, donc euh, c'est pour ça qu'il a été plus enclin à négocier, même si. Un truc à rappeler quand même sur les Rabin, il était Premier ministre quand Israël a déclenché la guerre au Liban, qui a duré 5 ans et qui est l'une des pires guerres, oui. qui fait que... Moi je crois plus au facteur humain qui fait qu'il était plus enclin à négocier, c'est-à-dire que quand c'est oui, si. celui qui a mis en place la doctrine de brisage d'os de, de Palestiniens, et que derrière, en tant qu'Israélien, tu te manges le retour de bâton et des morts israéliens derrière alors que jusqu'à présent, il n'y pas trop eu tu te sens un peu responsable et tu te dis OK, c'était peut-être pas la bonne solution. Et ah, en fait, oui. et, et alors j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de lore en français, mais si ceux qui sont anglophones, il y a une émission de la de, de la série qui s'appelle Blowback euh, sur YouTube qui, en, euh, qui narre la création du Hamas et on voit que euh, dans ce dans ce documentaire là, le Hamas ah. dans son inception, dans son dans son dans son dans son démarrage est une créature d'Israël. C'est-à-dire qu'au démarrage, c'est une créature d'Israël. Parce que il y, a tout, euh, il y a aussi un trait de Twitter d'un mec qui s'appelle Zachary, je ne sais plus comment, qui, qui s'explique que c'est un mec qui a été victime d'Israël, euh, qui a eu son frère amputé ou je ne sais plus quoi qui a monté ça a, un truc qui était à la base une sorte d'ONG et qui d'un coup en fait s'est retrouvé financé de ouf par Israël à condition qu'ils suivent tel ou tel truc. Donc c'est vraiment une créature d'Israël et ensuite effectivement euh, passer par le Qatar et faire en sorte de le financer et compagnie. Donc que tous ceux qui disent ah le Hamas, et ça se que... le Palestine, etc. C'est connu c'est Reconnu par des, des anciens membres du gouvernement israélien eux-mêmes, et c'est pas c'est pas de théorie du complot inventé sur un coin de table, c'est vraiment un truc. Euh, genre, voilà, hein, faut ah oui, 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 il faut s'intéresser que... euh, Là, Le documentaire dont je parle. C'est un truc totalement enfin, euh, voilà quoi. La régradé pour ceux qui parlent anglais, malheureusement en France, euh, c'est compliqué de trouver des bonnes sources euh, en français, mais. Euh... Oui, voilà. Après, donc, euh, par rapport, euh, par rapport à, à, à tout ça et la conclusion que ça avait connue euh, euh, avec les accords d'Oslo, dans quel sens aussi poussait à l'époque Bill Clinton C'est une vraie question, je ne me suis pas intéressé à la question. Bah, le, le, le truc, c'est que les USA, pour moi, ont toujours poussé Israël à ce qu'il ait le contrôle maximum de l'endroit, de, de parce qu'eux, ils ont l'intérêt de ouf à avoir une base avancée. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, euh, pour des raisons de ressources naturelles, hein, euh, assez simplement. Et euh, il ne faut okay. pas chercher beaucoup beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est de l'impérialisme, c'est de la lutte de civilisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains, euh, c'est plus ou moins quand même une théocratie, en plus d'être euh, un truc ultra-capitaliste. Et que, ça 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 que ça ça contre le... contre... Il y a quelqu'un qui a Oui. Merci. Bien. C'était toi, moi je, je sais est, pas. Non, c'est bon, c'est réglé. Euh, et du coup, euh, moi, ma solution, euh, pour, euh, parce que c'était un peu la fin de ma, ma tirade, je, je vais vous expliquer un peu pourquoi par rapport à tout ce que je viens de resituer. Euh, c'est un petit peu le côté... Euh, bah, c'est un État qui me paraît le plus souhaitable et le plus possible à l'horizon, parce que les Palestiniens n'ont pas les moyens militaires de quoi que ce soit. Et que je pense qu'effectivement, bah, c'est euh, réunifier tout ça... Organiser des élections et que tout le monde ait absolument les mêmes droits. Et, euh, et puis après, bref, ouais, faut, que, faut que les Israéliens ils se disent, bah, ouais, bah même si on est en minorité, ça devrait pas mal se passer en soi si on a tous les mêmes droits, Et qu'on a une justice pour se protéger et compagnie, quoi. Ouais. Alors, je voulais tout à l'heure vous faire voter pour regarder la vidéo de votre choix, mais en fait, je vous en ai parlé d'une en introduction, et euh, du coup, ce serait dommage de pas la regarder euh, sur le deuxième épisode des Faflix. Euh, du coup, qui ont été publiés par Street Press, n'hésitez pas à les suivre, euh, et du coup, bah découvrons ça ensemble. Ah, ils ont déjà un habillage sonore, donc on va pouvoir couper Baldur's Gate 3, non oh, mais cette <laughs> vidéo Tu l'as vu euh, Ah non, non, je... je, je, je t'ai repassé dans la vidéo du mec en slip, euh, voilà, c'est juste ça, bref. Ah oui, la vidéo du mec en slip, c'est vrai, on l'a pas regardé, du coup Oui, du coup. Alors, regardons le mec en slip d'abord. Bon, il y a de la oui, publicité. L'invité du 6-9 ce matin est François Gémen, chercheur spécialiste du climat. Bonjour, merci <laughs> d'être avec nous en direct <laughs> euh, sur euh, LCI. Et Monsieur Gémen, euh, la France est traversée par une nouvelle vague de. de... Alors, je ne le mets pas en plein écran en Plein écran exprès parce que LCI si ils vont si être embêtants peux. sinon. T à l'heure, la, la Grèce est sous les eaux après avoir été ravagée par euh, les flammes. Euh, la Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça non. faire une liste. Euh, ne cassez pas votre matériel, nous pourrions comme ça faire une liste. Euh, ouais, on va parler de son De quel matériel tu parles là, effectivement euh... <laughs> oh. Mais. Il, il est, mais, après, il est chez lui, donc... Euh... Euh, ne cassez pas votre ah, matériel, nous pourrions comme ça faire une liste euh, très longue des événements qui climatiques. Tu veux quand même le rictus, euh, il a l le, l le rictus qui pointe, ouais, ah, il est en mode. De toute façon, tenu ces, euh, ces dernières euh, semaines, euh, les mots oui. d'Antonio... Ah, c'était il y a deux mois, oui, il y a deux mois, il faisait effectivement plutôt chaud. Euh, meilleure preuve, à une vieille. meilleure illustration au final mais hein. pire c'est rendre en tout cas parce qu'on a plus parlé de ça que du fait qu'il annonce ouais. la fin du monde etc mais bon. bah après c'est un moyen c'est un moyen de parler du fait qu'il fait de plus en plus chaud et le réchauffement climatique hein. ouais, ouais. même les scientifiques du GIEC sont obligés de travailler en slip quoi c'est ouais. dramatique hein. c'est un peu en pour illustrer les propos voilà voilà, voilà. après c'était une suggestion fait. de présentation du euh, du réchauffement climatique ce le gars parfait. il passe sous... Ce gars, il passe souvent dans les médias, mais maintenant, tant que j'ai pas vu son bas, pour moi, il est en slip. Ouais, il est en slip tout le, le, le temps. Par, maintenant dans oui, ton esprit ça. Euh, de, par oui, défaut. D'accord. Je ne sais pas quoi penser de ce mec. Euh, Jemaine, même... pourquoi Il a, il, a, il a fait ou dit des choses bizarres. À part, euh, il est pas très. Non, mais non, il est. C'est un scientifique du GIEC, donc il a des dates intéressantes, mais il est pas très bon politiquement, quoi. Est... il est un peu rompif Mais bon, ça va. Comme beaucoup de scientifiques en soi. Oui, j'ai un truc pour bon, ça. Je là. demande non, non. les scientifiques. Voilà, on est toujours content. Euh, du coup, on va regarder la vidéo de Street Press si on arrive à en changer légèrement la vitesse. Let's go. Oh, oh, oh. Cette vidéo a été tournée le 20 avril 2022 à Paris. Ce jour-là, en fin d'après-midi, une vingtaine de jeunes néo-nazis ont tabassé des collégiens et des lycéens. Les victimes ont entre 13 et 16 ans. Je suis Mathieu Mollard, journaliste à Street Press. Je bosse sur l'extrême droite. Il y a quelques... Ça, ça, ça doit pas être facile à porter. Ça, je... comme nom, Mathieu Mollard... En Plus ça fait MM, ça fait une allitération. On, on, euh, ça me fait penser au sketch de euh, et Moon. Euh, on, on dirait vraiment euh, le pauvre. <laughs> on a dû lui faire toute son enfance. Cette semaine avec mon collègue Christophe, nous avons mis la main sur plus de 2000 documents... In quoi les noms Je suis Jean-Louis Connard ou un truc comme ça. On les a baptisés les Faflix. Ils viennent tous d'un même téléphone, celui de Pierre. C'est lui. C'est un militant d'extrême droite, il a tout juste 18 ans et... et... Les autres sont floutés, et pourquoi là il est flouté alors que juste avant on voit son visage oui, C'est lui qui est flouté que... sur la photo Oui je pense c'est ça, je pense qu'ils ont ouais. dû récupérer, il s'était flouté pour... sur la photo lui-même. Ratonner des collégiens, faut vraiment être viril, ouais, évidemment. Et puis à euh, bah... 20 contre 2, et, et bon alors après eux-mêmes sont pas très très vieux, mais ils sont un peu plus vieux que des collégiens quoi. Et il bah, est l'un ouais. de ceux qui ont organisé cette ratonnade. Comme la plupart des agresseurs, il est membre de la division Martel. C'est un groupe plus spécial. Généralement, les mecs qui ont, des, qui ont des pseudos avec Martel, généralement, tu sens l'odeur du faf, quoi. Mais... Non, mais attends, juste remets en arrière parce que je crois euh, leur logo. Il comme la plupart des agresseurs, il est membre de la division Martel. Euh, c'est euh, la, la même croix que, tu sais, je sais pas si c'est une croix celtique ou un truc comme ça. Oui, sur euh... un Pokémon. Euh... Ah, c'est un Pokémon derrière je oui, sais pas, un je ne connais pas. J'aurais pas dire lequel. Comment il s'appelle hein. déjà C'est Hektoplasma. C'est ectoplasma Non mais c'est on... vraiment des gamins hein, de faire ça. Mais ouais. Et là par contre Nintendo ne dit rien. Là par contre Nintendo <laughs> ne cancelle pas. Ça oui pour ah. les gens qui font des modes, tout de suite on monte sur ses grands chevaux. Par contre quand l'extrême droite elle monte on ne dit rien du tout Nintendo. Je remarque, Nintendo. je note, j'en prends comptabilité. Nintendo complice du suprémacisme blanc. Ah, voilà. euh, je suis désolé hein, mais. Pas moi qui ai fait le logo, hein. C'est un groupuscule qui regroupe des jeunes néo-nazis violents d'Île-de-France. Il tabasse des gens dans des forêts aussi Non non non, il va l'expliquer. Attends, il va l'expliquer plus tard. On vous a raconté leur histoire dans le premier épisode Les des ouf. Faflix. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va revenir en détail sur l'agression qu'ils ont menée devant le lycée Victor Hugo dans le 3 arrondissement de Paris. Oh bah on s'est procuré des vidéos, des audios on a discuté avec l'une des victimes. On a aussi discuté alors, avec des sources policières. entre le GUD, la Division Martel, les ouaves de Paris. À Paris, ils en ont beaucoup des fachos à scroller. Hein. Le, le Paris et Lyon, ça a l'air d'être les pires plus. villes, quoi. Alors non, alors en vrai déjà c'est une grosse ville, donc c'est normal qu'il y ait plus de groupes. Et en plus le GUD, ils n'existent plus. Ils se sont ah divisés. Bon en... ouais, ils ont été dissous euh, par le préfet. Euh, par contre, oui, donc, euh... ils ont cessé d'exister, d'être racistes et... et de ratonner des gens. <laughs> non, ça, c'est pas sûr. Ils sont probablement regroupés dans plus de petits groupes. Et les oeuvres aussi ont été dissous. Probablement aussi regroupés dans des petits groupes. Et euh, en plus, donc, ils sont allés tabasser devant Victor Hugo. Donc, non seulement ils vont tabasser des collégiens, mais en plus des petits bourges, pas très virils. Euh, mmh. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Victor Hugo, c'est un des lycées les plus bourges du... Du... de l'Est parisien. Plus que le lycée voilà. Henri IV euh, non, moi, pas dans non, 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 non. Henri IV, c'est national, c'est l'élite, enfin, euh, c'est ah oui. les plus bourges de France qui vont. Ouais. Oui, parce que moi, à chaque fois, oui, quand je, je, tu sais, je fais le, le curriculum vitae des gens, euh, et, et je vois. Et, ah tiens, il est passé aussi par Henri IV, lui aussi. Euh, Ou Louis bon, le Grand. Ah, ouais, euh, fils de euh, PDG de multinationale. Ah ok, d'accord, bon ok. Voilà. Et le parquet de Paris qui dirige l'enquête. Parle de ce dossier. Le journal évoque une blague entre lycéens qui aurait mal fini. Ah bon euh, Oui, quel genre de blague alors La division Martel, le groupe de jeunes néo-nazis va ensuite se mêler de l'affaire Ah des blagues nazies, d'accord pour venger la victime du canular. L'un des militants d'extrême droite, celui qu'il surnomme le russe, va provoquer les lycéens. Comme on peut le voir sur cette conversation Instagram, le ton monte. Jules, pas ton gars, on verra l'ancien, va t'asseoir cousine. Là il y a deux messages vocaux. Répondu par d'autres messages vocaux, ils doivent s'invectiver. Entre les deux groupes, et ils se filent rencard pour régler l'affaire. Tu verras ce soir, c'est quoi de s'en prendre à des Russes Tu crois que t'es Poutine, sale bâtard Russe ou pas, je m'en bats les couilles. Je vais vous enculer, vous allez voir. Les mecs qui font les, les, euh, les doublages, les ils sont trop bien. Le mec a fait Tu crois que t'es Poutine, sale bâtard <laughs> j ai, j ai... Oh, lui, il est fort, lui. Insulte les Russes en plus. Ferme ta race. On verra, je parle pas pour rien dire. Tu nous fais le mec de la street. Plus loin dans la conversation, le lycéen prévient. Ils ne seront que deux au rendez-vous. Vous serez combien Moi, vous je serai. Ils p... utilise un Rode NT1A, mais vous en foutez. Voilà. Ils seront deux. En face, ils seront une vingtaine de militants néonazis équipés pour en découdre. Le noyau dur est. Ah, équipés, ils sont torse poids Ils n'ont pas beaucoup d'équipement, hein, Mais membres de la division. Ah, ils, ah, ils, ils en avaient un peu des... plus dans la rue. Ils ont quand même des petits gants de boxe. C'est vrai. mais si eh ben non, il y en a, de... ils en ont pas, tu vois. Regarde, lui, par exemple, euh, c'est le laissé pour compte de la bande. C'est le seul ah, qui ouais. n'a pas de, de gants. Ils ont dit non, mais toi. Euh, je sais pas, il le suspecte d'avoir des origines un peu d'ailleurs parce qu'il est brun, tu vois, mais... Vision Martel. Il y a aussi quelques membres du GUD, le principal groupuscule néo-nazi de Paris. Bah a... je croyais que ça existait plus, le GUD Il a dit le GUD, ah, là bon, Il y a aussi bah, quelques ah, membres du GUD, le principal... Depuis... C'est le logo, oh, c'est pas le logo du GUD, ça, ceci dit Non, c'est le logo de, la... de Paris il est restylisé avec euh, euh... les fleurs de lys et tout ça c'est pas le logo de Paris le bateau oui le bateau sur fond bleu mais euh... si. il y a, sur le drapeau de Paris il y a la fleur de lys aussi je crois ah bon ah, non non je recheck as raison non mais j'ai bossé à la mairie de Paris mec t'as raison t'as raison non mais t'as euh... raison c'est euh... le vieux logo de Paris si alors juste Juste pour débunker un truc, les gens, oh euh, tout, ce est, tout ce qui est ah gant de boxe, euh, etc., c'est d'abord pour se protéger les doigts davantage que pour protéger la gueule oui, des oui. autres. Hein. Non, mais évidemment, mais du coup, Parce ça permet de mieux, de plus frapper, en fait. Du coup, tu mmh, Tout à arme. fait. Parce que c'est. Vos, vos ah, sont... gens... ouais, l'ancien logo, c'est ça. Vos oui, doigts bah, sont bah, fragiles. Euh, alors, oui, c'est pas le logo de la mairie de Paris, mais c'est le blason. Voilà. Pour être exact. Est-ce que j'arrive à le retrouver Ok. Bon. Non, c'est pas la bonne vidéo. On était sur les FAF, ils sont là. Groupuscule néo nazis de Paris. Et puis qu'ils appellent des indeps Titeuf. indeps pour indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas membres d'un groupuscule politique. Titeuf, en référence au personnage de BD, parce qu'ils sont très jeunes. Le plus jeune n'a que 14 ans et presque tous sont mineurs. J'allais dire, moi je me souviens de Titeuf. J'en ai même encore quelque part ici. Il n'allait pas casser la gueule à des gens, tu vois. Euh, à la limite, c'était plutôt l'inverse, c'est que euh, je me souviens que dans une des BD, c'est lui il se faisait racketter, et bolosser, et, et il voulait avoir un lance-roquettes nucléaire et il demandait ça à son père à Noël et il disait bah non, petit œuf, tu n'auras pas de lance-roquettes nucléaire même si ça n'existe pas. ce qui ne les empêche pas d'être très violents dans les faf alors les gens ils disent si tough est antiraciste, what the fuck et tout ça. ça ça ne pose pas de problème à l'extrême droite, justement, on a commencé l'émission par ça, en vous expliquant, bon avec les raisons les plus éclatées au monde mais c'était fait exprès euh, en vous expliquant pourquoi Matrix c'était woke. Bah, ça n'empêche pas euh, les euh, incels, les mascus et, et euh, plein d'autres franges de lalt américaine, et pas américaine d'ailleurs en France aussi, euh, de vous parler de pilule rouge euh, pour dire « Ah, regardez, je me suis fait dématrixer et là je suis devenu d'extrême droite parce que j'ai vu la lumière et j'ai pris la pilule rouge. » Il euh, y, euh, y a un mec mais... qui a dit premier degré, ce qu'on a dit sur Matrix tout à l'heure, qui, qui a dit premier degré que c'était woke. Parce que Kenny Reeves était à moitié Hawaïen et qu'ils avaient pensé à Will Smith pour le film. On... Je sais pas si t'as vu, <laughs> j'ai fait un short même de ma réaction. J'ai entendu ça. C'est Plot Times. Tu dois le connaître, Damon. Ouais. Un ah mec mais oui, des... on a déjà fait du react sur lui, oui. Oh bah oui, c'est. Ah il, il est oh, parti ça. sur des trucs comme ça, d'accord. Alors, alors qu'en vrai, la vraie texte, c'est qu'il y a d'autres arguments pour dire que Matrix. est ah, woke, oui. Mais bon. ah oui sur euh, la transidentité, sur plein de trucs oui. euh, en fait, mais. Le capitalisme mais pour ça il aurait dû, il devrait analyser le fond et le discours du film pas enfin, juste le casting de quelle couleur de peau ils ont les gens dedans ah, et puis sont leurs les origines, noirs, un peu donc... Kenny mais... Ça a une grand-mère chinoise <laughs> ça m'étonnerait pas qu'il soit du PC... lié au PCC Jean-Robin il se mêle à la critique de Plot Time et là ça devient un featuring de l'enfer et tout. je t'ai mis le lien ça... dans le chat ça peut paraître rigolo, mais moi, c'est uh, un type de personne que j'ai appris à détester et à pas prendre ça du tout à la rigolade, parce que j'ai Matrix je... Pas... parce qu'au fur et à mesure, je découvre que c'est une pipeline vers la droite et l'extrême droite de ouf en fait. Ouais, c'est clair. Hein. Et, Matrix. Euh, et y a... non, ce type de. <rire> de... <rire> Parce que, ben, genre par exemple, tu vois, on connaît tous Karim. Ah mais mais, Karim, mais pourquoi Mais pourquoi tu crois que je me faisais chier aussi à en parler sur mon autre chaîne où je parle de Personne n'a regardé ma dernière vidéo, mais justement où je parle de est-ce qu'une série elle est woke, ou pas woke, et, et répondre un petit peu une fois pour toutes à tous ces trucs là, tu vois Mais euh, parce que oui, je le vois, je m'y confronte euh, tout le temps, euh, et je vois que euh, la plupart des euh, critiques euh, ciné-séries ils sont au mieux confus, souvent de droite. Donc, euh, alors après, bah ouais, voilà, mais c'est euh, plus... hein. le, le, le côté pipeline que je trouve ouf parce que par exemple, alors ça vient beaucoup des USA où il y a des émissions. Je pense ceux qui connaissent un mec qui s'appelle Nord, Nord Rotique qui, il y, a, il y a 5 ans, 6 ans, il était à genre 100 000 abonnés, euh, il, est, il, est pas loin du il est pas loin du million. Et son contenu, c'est en gros, c'est le, bah, le même contenu que ce gars-là, hein, dénoncer Walk Hollywood, etc., Gatewalk Gobrok et toutes ces compagnies comme ça. Et en fait, euh, au, au fur et à mesure, ça soupoudre, ça soupoudre de trucs en mode anti-cheveux ouais. anti bleus, euh, pro-fasciste, etc. Non, je, et je vois, moi, des gens en... qui sont à la base pas des tard et qui ressortent Pardon des éléments de langage de ces vidéos. Merci, Corky Frukek, pour le ouais, parce que Je, 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 de... je l'entends, tu des gens qui euh, sont pas trop de cette team-là, tu vois, même qui votent plutôt à gauche et, et qui me sortent Oui, par contre, là, euh, c'est quoi les expressions qui ressortent tout le temps euh, l'agenda politique woke, le cahier des charges de ils nous mettent des homosexuels euh, et ça j'entends de plus en plus de gens ressortir des trucs comme ça mais vraiment toujours justement là, vraiment l'agenda politique et le cahier des charges en parlant du caractère trop woke des séries c'est les deux expressions qui reviennent tout le temps c'est pour, euh... pour ça que c'est pour ça car je sais pas si toi tu le fais exactement parce que j'ai pas vu les trucs que j'ai regardé de toi c'était pas trop le cas mais je pense que dans d'autres séries ça ça s'y prête plus mais à gauche, les gens qui font du contenu euh, culturel, que ce soit de la review de films, de séries ou de jeux vidéo, euh, ils se Ils il po il politisent pas du tout, tu vois. Il le ouais fait un peu mais moins il le fait maintenant, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors qu'en alors que face, euh, c'est ultra-politique, mais sans, sans prétendre l'être. Et du coup, les gens qui regardent ces trucs-là en mode non-stop, ils se retrouvent à être ultra-politisés, tout en se disant ah, non, moi la politique m'intéresse pas du tout tu vois et, et c'est des et gens justement là-dessus plot, plot fâche, time c'est peut-être le plus dangereux parce que les autres ça, ça, oui c'est un peu évident tu sais quand t'entends euh, dg euh, entre deux deux de take euh, te dire ce qu'il a pensé du dernier euh, du dernier marvel bon bah tu, tu sais où t'es tu vois plot time il, il fait le truc de façon déjà l'esthétique est un peu plus léchée le ton est un peu plus posé et euh, il fait un petit peu plus attention à la façon... En règle générale, là, j'imagine on va regarder une dinguerie. Il fait un peu plus attention que les euh, Dirty Tommy, euh, les Padawam HD euh, qui, euh, euh, qui font des critiques en mode « Ah oui, ce wokisme insupportable euh... !» Alors ouais, si, non, il y en mais a mais qui, il, qui le font un peu il, en il mode joue... neutralité, tu vois, genre Captain Popcorn, ah, j'ai jamais simple. entendu parler de ça. Parce qu'en par en fait, exemple. il te dit dans la même vidéo... Le wokisme, c'est raciste, il faut le dire, je suis obligé de le dire, ah, c'est des racistes, des ils sont racistes anti-blancs et tout. Et Les quelques minutes plus tard, et connaît, ouais. tu dis, Mais moi, je ne suis pas anti-wok, hein moi, tu personne je ne suis pas anti-wok. Hein » voilà. Ouais, c'est ce double discours insupportable. Oui, c'est « Je ne suis pas anti-wok, mais… » Force est de constater que, que En gros, le discours, il y a parkour. des petits mots qui sont bien mais c'est quand il y en a trop que c'est chiant. En gros, quand il y a trop de noirs, d'homosexuels dans les films, là, j'aime pas. Voilà, quand il bah, y en a je... trop, c'est pas... Voilà. Je suis sûr que t'as des gamins de, de, de 14 moi, ce ans... Ce que je trouve insupportable, tombe... tu vois, c'est... Euh... Vas-y, euh, moi, excuse-moi. Non, mais je voulais juste faire un... Je suis sûr que t'as des gamins de 14 ans qui tombent sur ces vidéos-là qui peu à peu commence à regarder de plus en plus, à se dire ah, quand même, le wokisme, c'est un problème. Puis il voit des vidéos, de... il commence à avoir des, des shorts de papacito, il commence à aller sur Julien Roger et tout. Et, euh, et après, ça finit à se taper sur le tapis. Est-ce que plot time tu, hein, une ouais. porte d'entrée au papacitisme Je ne sais pas. Mais... Euh... Ah, ouais, J'ai une question intéressante à vous poser, à Calier, à toi, parce que ça m'intéresse et je n'ai pas de réponse particulière. Mais ça serait quoi la réponse de gauche au, au comment dire au problème euh, vous, vous voyez ce que c'est L'escapisme, je sais pas comment on dit en français. Je vois pas le pas fait tout escape, mais je vois pas ce que ça veut dire l'escapisme. En fait, ce qu'on qu appelle l'escapisme, c'est le fait que quand tu lances un jeu vidéo, ou quand tu lances une série ou quand tu lances un Star Wars, par exemple, tu as envie d'oublier le monde réel pour partir dans un autre univers. Tu as ah, besoin d'évasion. Hein voilà, c'est exactement ça, un besoin d'évasion. Et en fait, très souvent, la porte d'entrée de ces lords qui finissent par être d'extrême droite, c'est de dire à ah, quelque chose avec lequel je suis fortement en empathie c'est des fois, tu te lances un jeu vidéo, tu te lances une série, tu lances un film, et tu es un peu en mode, tu oublies le monde réel, tu oublies les, les problématiques du monde réel. Et même si dans le jeu, le film, la série que tu mates, il y a un sous-texte euh, politique, etc., ça te le met pas en pleine gueule euh, le fait que tu sois, je, comme exemple concret, par exemple, je citerai un exemple de Doctor Who. Ou euh, Dans la saison où il y a la, 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 la femme docteur, euh, c'est clairement un épisode sur Donald Trump, tu vois. Où le, le, le personnage, le méchant du, du sport, c'est Donald Trump, mais genre euh, la carrière, la, le discours, il dit des, même des phrases. Textuellement, qui sont des fresques que Donald Trump a utilisées, et c'est en gros un méchant bourgeois riche blanc euh, bah, qui est égoïste et qui veut tuer tout le ce monde. Ce que tu as l'air de dire, en fait, c'est pas tellement le problème de, de critiquer un avatar du Trumpisme, et ça, les œuvres de fiction et encore plus de science-fiction, elles sont là pour critiquer le temps présent, hein. bien sûr, pas le futur, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue. Mais donc le problème, c'est pas ça, le problème, c'est que c'est mal fait qu'ils y vont avec leurs gros sabots, en fait, d'après ce que tu me décris. Mais. Oui, mais du coup, c'est quoi, c'est quoi la réponse que tu fais en mode mainstream euh, sur que, que, que tu répondrais en face du mec de il te ruine ton bah, il te, il te ruine ton, ton besoin d'évasion. Bah, je répondrais ça. En fait, euh, ce qui ruine ton besoin d'évasion, c'est pas la thématique, c'est la façon de la traiter. Et oui, bah en fait, tu peux, euh, tu peux trouver que une thématique de euh, toute noble qu'elle soit est maltraitée. Il n'y a pas un problème avec ça. Est -ce moi, le souci avec, euh, ouais, du avec coup, le euh, début du discours, euh, est moi, est que, en fait, il commence exactement de la euh, même façon. En fait, pour moi, c'est le pas d'après, parce que là, vous... là, un mec d'extrême droite et toi, vous allez vous rejoindre sur le fait que c'est maltraité, sauf que lui derrière, il va te dire. Ils ont un agenda politique et qu'ils veulent te mettre de le bouffer dans le l'enfoncer de force dans le fond de la gorge. Bah, après, tu rentres un peu plus dans le détail, tu vois. Par exemple, moi, j'ai un de mes euh, derniers commentaires. C'était sur la saison 2 de Fondation où j'avais fait une review où un mec il, il vient et euh, justement il me parle de cet agenda politique. Je lui dis, mais vas-y, mais euh, pour. Là, on parle de la saison 2. Vas-y, alors qu'est-ce qu'il y a qui t'a choqué dans cette saison 2 Et il me fait Oui, ils se sentent obligés de mettre un couple homosexuel. Alors, c'était un personnage, Belle Rios. Euh, en fait, on ne sait pas du tout, on connaît rien juste de sa vie. En fait, c'était juste une fonction dans les bouquins d'Asimov. Là, ils l'ont développé et ils lui ont. Euh... Moi, j'ai trouvé que, là, la... après, la romance, on l'aime ou on l'aime pas. Euh, ils lui ont mis une romance avec. Euh... Avec un mec euh, sensiblement plus jeune que lui euh, dans, euh, dans la série. Et, euh, et du coup, développement, je ne vais pas spoiler, mais euh, sur le dernier épisode, est plutôt cool quand même. Du coup, bref. Et, euh, et il me dit voilà, ça, c'est euh, l'agenda politique. Je lui fais. Et du coup, je lui dis, c'est-à-dire, ils me disent, ils se sentent obligés de nous faire croire, de nous marteler dans la tête que, euh, voilà, le monde entier, 90% des gens, c'est des homosexuels, 90% de la galaxie. Alors qu'en en fait, quand tu regardes dans Fondation saison 1, plus de confondus, combien il y a de couples homosexuels 1. <laughs> il y en a un seul dans toute la putain de galaxie. Si t'appelles ça un agenda politique, si t'appelles ça essayer de euh, euh, biaiser euh, la réalité pour essayer de faire passer un message de propagande, le seul message de propagande c'est si tu considères euh, le futur dans 200 000 ans à l'échelle galactique, il se peut que tu trouves un couple homosexuel. Et eh bah ben, oui. si c'est déjà trop, écoute, ça, ça va être. Oui, compliqué. mais tu vois ce que je veux dire Là t'es en train de répondre au facho. Moi ce que je veux dire c'est euh, on est d'accord oui. par exemple que vis-à-vis d'une œuvre d'art. Euh, une fois qu'un euh, certain temps est passé et qu'elle s'est suffisamment démocratisée, on va être à peu près tous d'accord pour dire qu'elle appartient autant au public qu'à son, euh, son auteur de début. Et il y a beaucoup de gens qui, par exemple. Euh, ah, et puis plus l'œuvre est date, plus elle mérite d'être un peu réadaptée, tu vois. Euh, d'accord. Mais là, je, je, je peux te reprendre l'exemple de Doctor Who, tu vois, par exemple, où c'est une, 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 une série qui, dans ses prémices, ça date depuis soit de, à, à 60 ans, tu vois et que justement a toujours fait gaffe à pas s'intégrer euh, dans la politique euh, politicienne du quotidien pour laisser un peu ce sentiment d'évasion de, 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 et pouvoir être à la fois être visible par des enfants et par des adultes tout en ayant des sous-textes bien sûr euh, politiques. Donc euh, mmh. comment tu comment tu comment tu parles aux gens pour leur proposer une lecture alternative au fait qu'ils se sentent euh, floués. <laughs> ouais. J'ai pas oh, compris ta question. Non mais je, je, je la repose parce que tu réponds tu réponds à autre chose que ce que je disais. C'est bah, C'est que... bien la preuve ouais. que j'ai pas du tout compris ta question. Comment, moi, oui. comment tu réponds à la personne qui se sent flouée dans son besoin d'évasion dans sa série ou dans son film ou dans son livre qu'il suit depuis qu'il est jeune ou comme avec ses parents suivaient avant lui et qui qui se sent un peu abusé et qui se trouve pas et qui du coup quand il cherche une réponse la seule réponse qu'il va trouver ça va être une réponse qui va l'amener peut-être dans une papillon d'extrême droite parce que eux vont adresser ce, ce besoin cette empathie Et... j'ai pas compris le rapport avec le bah... besoin d'évasion moi mais euh... en fait ouais puis en plus dans tous les cas c'est qu'il a pas assez cherché à l'heure actuelle il y, a suffisamment de... il y a suffisamment de contenu pour plaire absolument tout le monde si vraiment ça t'embête de voir un couple homosexuel ou un renoir ça regarde d'autres choses. Enfin, voilà, oui, franchement, des œuvres avec des. Non, blancs, mais c'est surtout qu'à à partir du moment où il y aura un seul euh... homosexuel ouais, ouais, ouais. dans un casting de 100 personnes, euh, tu vois, il y a un seul personnage homosexuel, ça va déjà les gêner. Donc, à partir de ce moment, ça devient dur. Ouais. De, tu vois, mmh. si, si tu dois avoir 100% de blancs, cis, hétéros, avec des femmes qui ne sont que des love interest, bah oui, ça devient peut-être un peu plus, moins commun qu'avant, où avant c'était la norme. Et c est c est ça pendant des années, quoi. Là, c'est le modèle là, c'était ça pendant des années. Non, mais juste pour euh, revenir parce que c'est vraiment précisément ce que dit le gars dans sa vidéo, cest ah, va fait, peut en le, le regarder gars, du coup parce que euh, à chaque fois qu'on veut lancer une vidéo, le gars. Non, mais qu la, 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 la que je t'ai envoyé, oui, c'est juste un extrait. C'est juste un extrait où je rigole en fait. Il y a rien de, rien vraiment. Si tu veux le regarder, mais c'est juste que le gars en fait compte les personnages non blancs, regarde les personnages blancs, qu'est-ce qui leur arrive, qu'ils soient pas négatifs, etc. Enfin bon, c'est vraiment. On sent qu'il, lui, il y a. Oui, parce que souvent c'est ah oui, les noirs ils sont gentils, les blancs ils sont méchants, et ça c'est insupportable. Ça, si un blanc il est forcément méchant ou négatif ou traître ou ceci ou cela. Je suis frustré de mal cool, m'exprimer. Je vais essayer une dernière fois, après j'abandonnerai. Il y, y a des gens qui, quand ils matent le contenu qu'ils mataient depuis des années et des années, ont un sentiment de, de malaise et ils sont, ils sont sortis de leur immersion, de leur, euh, de leur diégèse, parce que d'un coup, ils ont l'impression que c'est plus ce qu'ils regardaient avant. Mais ce à quoi So, mais, mais eux ils en savent rien et c'est un sentiment et du bah, coup, dans ce cas là ta toi... question elle est trop vaste et oui il y a des non, gens ils avaient un truc et puis non. maintenant ils, ils ressentent ce, quand, euh, quand cette évasion quand on... Quand ce malaise, quand ce malaise, ils cherchent à mettre des mots dessus qui vont sur Internet. Les seuls à leur répondre, c'est les fachos qui leur disent c'est parce qu'il y a des homos, c'est parce qu'il y a des noirs, etc. Parce qu'il y a un agenda politique. Moi, ce que je vous demande, c'est pas de répondre aux fachos qui leur répondent, c'est de proposer une lecture alternative de, 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 à leur malaise et à, leur, à leur, avoir de l'empathie vis-à-vis d'eux. Est-ce que c'est une... euh, est, bah, le problème Il peut être, euh, il peut avoir plein de causes. Ça peut être la standardisation des séries, le fait que euh, il y a de plus en plus de plateformes qui doivent bombarder de plus en plus de contenus qui suivent de plus en plus des recettes euh, de euh, voilà, c'est le héros milieu visage etc ou, euh, ou des, euh, des personnages qu'on a déjà vu mille fois et que bah, tu as un peu l'impression de regarder la même chose tu vois mais là tu me parles plutôt d'une adaptation d'un truc qu'il regardait quand il était gamin ça avait l'air d'être plus précis. De... Non mais genre les nouveaux Star Wars par exemple j'imagine. Oui, que ce soit les nouveaux Star Wars, les nouveaux Doctor Who, il y a plein de séries. Pour nous c'est pour plusieurs raisons c'est parce qu'on a grandi c'est parce que c'est nul aussi. Et voilà. <laughs> en fait, si c'est nul, c'est pas parce que c'est woke tu vois. Je... Si c'est euh, là-dessus là euh... qu'il va tomber. On oui. va lui dire. En fait, ton sentiment de malaise, c'est parce que c'est la wokeisation de la société. Il te, c'est parce qu'ils te ouais, mettent des ont... noirs de force et des, non, et des homosexuels homo pour parce la la euh... Parce que t'as grandi, parce que t'as changé de goût, parce que aussi, enfin. Parce et que tu es aussi, nostalgique d'une époque où tu avais moins de préoccupations et qu'en fait tu euh, bah es plus nostalgique que vraiment en train de juger le truc, euh, la qualité de ce que tu regardais quand tu étais gamin parce que tu le regardais oui, avec des yeux gamin. Oui, aussi, même si je sais que Kali, bon, on lui trouve que Star Wars globalement c'est de la merde, euh, on peut pas se mentir que quand même la posture. Tu peux trouver des qualités, des... mais c'est ce qu'il y a de moins a bien de en SF. Star Wars. Oui, mais, 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 pour moi c'est pas de la SF d'ailleurs. C'est euh, pas de la tout au plus. Oui, pour moi, c'est même... Bref. Et il y a aussi vraiment une baisse de qualité en termes de scénarios et des idées, parce que Hollywood est en crise un peu quasiment existentielle, et que du coup, ça se ressent sur la qualité des scénarios, et même dans les derniers Star Wars, qui sont juste là pour pomper une licence qu'a racheté Disney. Et à partir de là, tu peux l'amener sur une vision sur... payer mieux vos scénaristes, arrêtez de les pressuriser, faites-leur des vraies conditions de travail, peut-être ils feront des meilleurs scénarios. Oui, déjà et arrêter de les virer pour parce des raisons de merde de euh, pour des raisons de merde bref c'est tout ça et euh, leur faire comprendre que peut-être que leur, euh, leur sentiment de lassitude il est plus logique des de studios euh, capitalistes qu'au au wokisme en fait voilà. ouais, Alors il y a M. M. Tuga que... qui demande dans le chat Wem euh, Tuga je sais pas comment on prononce qui dit bonsoir je viens d'arriver en quoi Star Wars est woke alors moi je pense pas du tout que Star Wars soit non. woke mais il y a des gens qui vont argumenter que parce que Rey est une femme du coup c'est une femme Jedi et l'autre, si je sais plus son nom, qui est le un soldat de l'Empire, qui est noir. Donc voilà, il y a une femme et un noir. Donc c'est bon, c'est déjà trop, c'est déjà beaucoup pour eux. c'est quelque chose. D'ailleurs, à la base, il s'appelait. Ses initiales, c'était FN. Je sais pas s'il faut voir un message. En VF, c'est très marrant parce qu'il dit à un moment, mon nom c'est FN machin, et l'autre lui répond, oh non, on change ça, c'est pas terrible. Du coup, en VF, c'est marrant. Bref. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, euh, euh, ce qu'on qu pourrait appeler le wokeisme ou quoi que ce soit euh, au, au cinéma, bon ben, bah, c'est vendeur et c'est vendeur. Pourquoi Ben bah, notamment à cause, c'est c'est un peu l'effet stressant, bah, tous les droitards qui sont en panique morale. Ben bah, ouais, soyons en panique morale. Qu'est-ce que ça fait Ça crée de la polémique et ça crée de la publicité gratuite pour les trucs. Mais ça. Et pourquoi ils s'en sont sont utile De ça. Hein. Enfin, voilà, non mais clairement! Parce que en vrai de Donc... vrai, moi, tous les woke que je connais, les gens qui sont woke, qui sont gauchistes et tout, ils ne sont ils pas voir les couilles. Star Wars au cinéma ou MCU ou je sais pas quoi, ils sont ouais. s'en battent les couilles de ça effectivement. Et ils ne vont pas regarder que, attention, Hollywood a bien mis des noirs dans leur film, tu vois. Ils, non, les gens sont dans d'autres dans des vrais combats en fait, pas dans des mais combats de. Que de, que de droite, droite, parce que mais que l'extrême. Est... juste du, du woke washing pour faire vendre des tickets, quoi. Mais voilà. que je pense Après, que c'est pas, ouais. pas un débat à avoir le fait que l'extrême droite fasse une réponse simpliste, identitaire et raciste sur un problème qui est complexe. Ça, ça serait une surprise pour personne. Après, mais moi, ça ne en répond fait, a... pas à ta question, je suis d'accord. Oui, voilà. Pour moi, bon, résumer, je... ce que J'ai compris. C'est, en gros, c'est une réaction presque naturelle de gens qui sont nostalgiques, qui sont attachés à des œuvres dans lesquelles ils ont mis beaucoup de leur identité et qui se sentent attaqués par un agenda politique qui ne leur ressemble pas. Et du coup, ils en. Tire une forme de radicalité. Il s'inventent un peu un combat, mais c'est un peu ça qui se passe. C'est vrai que c'est factuellement ce qui se passe dans leur tête, quoi. Bah, bah, y a moi, faire moi... en sorte. Euh, eh bah, là, c'est un ce problème. Est-ce que tu peux répondre euh... ouais, Est-ce que tu Aska, peux répondre Qui avait posé le, le problème de base Donc, pour pour mm. Ask précise ce qui. Ouais, moi, que, en fait, ce, ce, fait, moi ce, ce que en fait. Asuka, ce que Aska, tu, tu peux répondre à Ask a Est-ce que tu peux répondre à ce que tu viens de dire Salut. On va parler aussi un peu. Mais juste, je veux qu'Asuka aille au bout de son idée qu'on ne réponde pas à côté, quoi, parce que. Moi ce qui me désespère juste un petit peu c'est qu'en fait la personne qui a juste ce sentiment et qui va sur les réseaux pour essayer de mettre le doigt dessus, euh, même si là nous on a des réponses etc, euh, il trouvera pas de réponse de gauche entre guillemets sur les, sur les internets. À part à tomber sur une personne qui va finir en fait pas parler de matérialisme et par finir par lui expliquer qu'on vit dans une saucisse tu vois ouais. et ouais. le problème bon, c'est qu'on bien... qu a envie de donner à gauche aussi c'est de se foutre de leur gueule quoi parce qu'au final c'est quand même marrant il y a quand même un aspect marrant de leur panique morale moi ça me fait rire j'avoue que ça me fait rire c'est peut-être ouais, ouais. moi aussi mais complètement bah, ça me fait trop marrer là le passage du mec à cagoler les pronoms là sur, en parlant de Starfield j'ai trouvé oui, ça oui, marrant mais mais le truc c'est que vraiment euh, pour l'avoir vécu euh, mais pour moi j'ai trouvé des réponses parce que je suis politisé je suis complètement en empathie et ça me fait chier que des gens qui, à la base, ne sont pas du tout politisés tombent sur des gens qui, sont, euh, qui font semblant de pas être politisés et se retrouvent dans des patchlines de droite et ensuite euh, venir dire dans notre chat, par exemple, venir dire de la foularde raciste parce qu'en fait, ils, ont juste, euh, ils sont partis d'un malaise que je trouve légitime pour l'avoir expérimenté et ils ont fini dans une patchlines d'extrême droite et ensuite à répéter de la merde. Et j'aimerais bien que euh, à gauche, on ait une solution euh, que je n'ai pas. Qui soit autre chose, et est-ce que c'est possible Je ne sais pas non plus. Bah, je ne que, que euh, euh, suis... sais pas que quelqu'un a un mal-être et un malaise, je ne sais pas si tôt. Ben, je vais te répondre. La personne qui vient de dire ça, si tu veux lui, lui soumettre une réponse euh, qui pourrait, entre guillemets, le gauchiser, tu lui dis, dis bah, écoute, c'est simple, si tu y réfléchis bien, tout ce qui est fait dans ce sens-là, si ça te fait chier et tout, ben, prends-toi-en capitalisme. C'est le capitalisme qui essaie de te vendre tout et n'importe quoi. Et ça, étant donné que chez les droits tous, ça crée une panique morale et ça crée, euh, ça crée de la polémique et de la publicité gratos, et ben, ils le font, ils s'en privent pas. C'est un problème ouais. de capitalisme. C'est -ce voilà, un peu une critique. critique. Attention, crit crit il y a, des des gens... que... oui, y a un écho. J'ai un écho, pardon. Mais juste pour répondre à, à, ce que, à ce que dit l'ours, euh, certes, euh, c'est le capitalisme qui en arrive là, C'est du c'est du walk-washing ou tout ce qu'on veut. Mais de base, les œuvres qu'ils aiment et qu'ils vénèrent, elles sont aussi issues du capitalisme. Star Wars n'était pas une, une création communiste dans les années 80. C'était un film capitaliste qui avait pour volonté de vendre des trucs. Et si on parle de ça, des trucs que moi j'aime beaucoup, comme Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, enfin que j'ai aimé, bon aujourd'hui c'est pas forcément ce que je suis et tout, mais tu vois, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Diablo, c'est des licences auxquelles j'ai beaucoup joué, mais qui sont 100% issues du capitalisme et qui sont oui. 100% des machines fric déjà, tu vois. Donc je trouve que. Non, le capitalisme mode, ah oui, arrive oui, à faire oui, du fric fait avec fait toutes les idéologies. C'est ça le problème non. en fait. Mais... Non mais les œuvres qui nous ont bercé quand on était enfant, c'est aussi des œuvres capitalistes de base, tu vois. On, est, on, on a grandi dans ça, on ne peut pas le nier. Donc être en... je trouve que c'est un peu courte vue que de dire ⁇ Ah oui, ce que tu n'aimes pas dans les œuvres aujourd'hui, le truc dont parlait Aska », euh, non, c'est n'est pas qu'une question de capitalisme, en fait. Mais c'est pour ça genre, que moi, je ne peux pas répondre à la question de la parce que c'est du cas par cas, en fait. Ça, ça dépend de la personne, ça dépend de qu'est-ce qu'elle aimait regarder avant et qu'est-ce qu'elle aime plus regarder maintenant. Et euh, du coup, je peux pas répondre à une... cette question dans l'absolu, tu vois. Oui, mais, oui, veux... ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir un miroir de ce que eux ils font, c'est-à-dire qu'avoir une réponse qui, d'apparence, est non politisée, non prise de tête, donc sans rentrer dans un débat matérialiste, marxiste, euh, anticapitaliste mais qui soit dans un sous-texte intelligent qui empêche les gens de tomber dans la pipeline d'extrême droite, tu vois. En disant oui, effectivement, je te prends comme t'es avec tes affects vis-à-vis -vis de, ton, de, ton, de ton besoin d'évasion, et voilà comment j'explique et je réponds à cette problématique que tu vis de manière générale, de la même manière qu'en face ils le font, et qui aboutissent à qu'un mec il soit en paix vis-à-vis -vis de ça, euh, sans... ouais, voilà. enfin, bah, le problème, c'est que si tu si tu veux euh, résumer, avoir une take qui marche avec 100% des gens dans 100% des situations, dans 100% des malêtres, tu vas forcément dire un truc très vague, très général et du coup pas du tout précis. Donc en fait, ce, ce serait une mauvaise réponse à apporter en soi, je pense. Mais enfin, je, vois, je, vois pas -ce, je vois pas pourquoi de base ça le serait. <laughs> je vois pas ce qui permet d'affirmer ça. <laughs> Parce que ça Mais serait parce génial. Que... Bah parce que, Mais bon parce que... que tu, tu me dis, vas-y, euh, trouve-moi une contre tech qui va résumer 100%, 100%, 100 des mal-êtres de 100% des gens. Bah, je te dis, c'est pas possible, sauf à moins de te foutre de leur gueule, tu vois. Parce que Le, le, seul, le, seul, moyen de, le seul moyen de toucher un maximum de gens, c'est de miser sur l'effet Barnum. Donc, c'est de balancer des platitudes où tout le monde peut plus ou moins euh, se retrouver. Et donc, voilà, c'est tout. Enfin, c'est ce, ce que Daimon est en train de te dire. À, à part faire ça, euh, qu'est-ce que tu veux faire Déjà, en fait, pas. le mal-être, il vient d'où Et c'est un besoin d'évasion en faisant quoi Donc, tu... mmh. enfin, je sais pas. Il faudra que tu arrives à, repriser, à repréciser ta question, parce que du coup, bah, tu as 1, 2, 3, que... 4, 5, et je crois que personne n'a que... compris. ta Enfin, personne, en tout cas, n'arrive à. Je sais pas, les autres, ils ont peut-être compris, mais en tout cas, personne ne semble t'apporter de réponse satisfaisante. Oui, bah, ah, si, je pense moi, la ce que, que je les... qu'il qu a pas de réponse de gauche à apporter à ça, parce qu'au final, les gens de gauche sont aussi dans une forme d'escapism, tu vois. C on est tous là-dedans, en fait. On est dans cette saucisse collectivement, quoi. Et oui. C'est est... Est la réponse peut-être doumante, mais il y a un truc de. Comment tu veux dire à des gens, oui, il faut sortir de l'escapism, alors que tu l'as aussi, tu vois Bah ouais, bon je, là, je moi je, je, je regarde. Je, je veux pas qu'ils en sortent. Je veux qu'au lieu qu'on ait un Karim qui débarque chez nous en nous disant que euh, Disney a un agenda politique, etc., qu'au qu lieu qu'il ait vu cette vidéo-là, il ait vu une autre bah, vidéo. À la base, Karim, c'est surtout tout était mieux avant. C'est parti de Shenmue. D'accord. <laughs> je, je caricature parce que quand je fais une vérité générale, ça comprend pas. Mais je décide d'un temps concret, j'essaie d'arriver au bout. Mais qu'au lieu qu'on a un individu qui débarque ici en nous donnant des textes d'extrême droite, alors qu'à la base, il avait juste un malaise vis-à-vis -vis de quoi que ce soit qui débarquent dans un chat d'extrême droite tardé et qui sont en train de leur dire ah mais en fait les gars, la problématique c'est ceci ceci cela en parlant peut-être de capitalisme etc mmh. sans qu'en fait on ait besoin de lui faire une qu'il ait vu une vidéo matérialiste euh, anticapitaliste ah, t'as pas, pas besoin de faire euh, de faire un long développement matérialiste pour dire bah peut-être que t'as grandi dans un monde où c'était peut-être un petit peu moins compliqué qu'aujourd'hui et que c'est peut-être plus ça que tu regrettes tu vois plutôt que de dire les jeux vidéo c'était mieux avant la musique c'était mieux avant les séries c'était mieux avant les films c'était mieux avant en fait, peut-être juste pris, euh, avant les conditions de vie, ça dépend quand tu considères cet avant, évidemment. Au euh, 19e siècle, c'était pas après, le cas. Il n'y a, a, et... a forcément pas de réponse simple, puisque quand on ouvre Internet et qu'on se pose ce genre de questions, il y a 90% de vidéos d'extrême droite, si ce n'est 100%, et euh, il n'y a personne de gauche qui, euh, qui a pris ce, ce chemin de bataille. Mais de vous... vidéos d'extrême droite pour... qui répondent à quoi, en fait Sentiment de mal-être, en fait, je comprends pas. Enfin, tu, tu me répètes depuis tout à l'heure, sentiment de mal-être et besoin d'évasion, mais c'est beaucoup trop vaste et je vois pas. Le est en boucle. Mm. Mais c'est pas du tout. Là, le, le mec dont on parle à la base, c'est un mec qui fait des vidéos pour dénoncer le wokisme. Tu crois que tous les mecs à la base qui vont regarder sa vidéo, c'est parce qu'ils ont un biais de confirmation, parce que juste ils veulent se renforcer dans leur biais identitaire Tu pense pas qu'il y a des pas. gens qui sont. Euh, J'ai pas dit ça. Sont... Bon, bah alors, mais... pourquoi tu... tu. Tu viens de me dire un truc que tu comprenais pas, donc. Euh... Ah oui, non, je fais que depuis le début te dire, je comprends pas ce, où tu veux nous emmener à ce cas. Mais... Alors là, là, on parle, on parle d'un mec qui fait une vidéo euh, react en disant que le wokisme est un problème dans toutes les vidéos, hein, qui compte les noirs et les arabes à l'écran. Hmm. On est d'accord que c'était ça à la base Oui. D'accord, donc ouais. si c'est ça en fait qui cause. Ah d'accord, en fait c'est le devoir des noirs à l'écran qui cause du malaise aux gens J'ai pas compris. Ah, lui en tout cas, oui. Lui oui, mais en fait, euh, les gens, en fait, ils ont pas un sentiment de malaise parce qu'ils voient des noirs euh, dans une série. Ou alors, si c'est le cas, c'est des gens qui sont tellement racistes que, de toute façon, tu pourras leur dire ce que tu veux. Et ils sont déjà, je sais pas, pas Pas forcément parce que, justement, il y en a qui ont l'impression de pas être racistes, tu vois. Malgré qu'ils pensent ça. Mais personne ne pense jamais être raciste. Attends, j'ai reçu Cro Blanc non, sur non, mon antenne. Quoi. Il m'a dit, de mon point de vue, je suis pas raciste. Ouais. Je connais ouais. personne qui dit bonjour, je ouais, suis ouais, raciste. Ouais. Alors qu'ils le sont, clairement. Hein. Donc euh... Mais même en Afrique du Sud, réponse. ils disaient pas qu'ils étaient racistes. Hein. de quoi, à partir de là... Bref. Oui, tu dis toujours que c'est pour le bien des gens, tu vois. Même ceux que t'opprimes, dis... surtout ceux que t'opprimes. Ils dis... Il disaient pour l'apartheid, pour un développement séparé. J'ai l'impression euh... que ça paraît fou Bref. que des gens, ils aient un malaise de manière... Un affect qu'ils ressentent sans pouvoir mettre le doigt dessus. Est-ce derrière... que, est que le malaise il était pas avant Asuka Est-ce que le malaise il était pas dans le fait que, je sais pas, en, 9 sais en 10 saisons de Friends, il y a un personnage noir et c'est tout. Il y a un seul personnage noir dans tout New York. Non mais, en 10 pour ans. répondre à... Est-ce qu'il n'y avait pas un être... malaise tu vois, au casting avec ça Donc est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas juste un retour à la normale en fait Là où Moi, on je... avait une situation anormale avant. Et si les gens ils regrettent avant, ils oh. regrettent pas le fait qu'il y avait moins de noirs. Ah c'était bien quand il y avait moins de noirs. Ils regrettent, sauf s'ils sont racistes encore une fois. Et dans ce cas-là, ça sert peut-être un peu à rien de parler avec eux. Mais euh, et si en fait il y a autre chose qu'ils regrettent de avant bah, c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Hum. plutôt que euh, là, leur, de leur laisser et entendre et en... dire que c'est à est -ce cause du -qui? qu il, euh, que, euh, en fait qu'ils se sentent mal aujourd'hui, qu'ils ne se sentent plus en adéquation avec la société dans oui, Friends fait, il y avait deux, deux noirs ah bon il ouais, y, y a celui qui chante le, le matin et, et d'ailleurs c'est David schumer qui a mis un peu la pression quand il a commencé à faire partie de la production en disant oui ce serait bien qu'il y ait quand même un personnage noir oui la copine de Ross et celui qui chante le matin est là ah oui je me souviens même plus de ça. Ah oui. Ouais, tu vois, c'est vraiment des personnages tertiaires qu'on voit une fois. Mais le truc, c'est qui est précis, c'est que Friends, les auteurs euh, étaient des des homosexuels euh, juifs new-yorkais. Ultra branchouille, mm. tu vois, qui était clairement pas racistes, etc. Mais en fait, la méta à l'époque, c'était, ben, on peut mm. pas mettre des personnages principaux non blancs, en fait, tu vois. Non ou blancs, alors, non ou, ou blancs. Alors, alors, il faut que ce soit une série pour les noirs. Parce que c'est ça, les États-Unis. C'est Ah, oui, On va clair. avoir des séries pour les noirs et des séries pour les blancs. Vous êtes sûr que vous avez arrêté de faire la ségrégation Parce que je suis mm. pas très, très sûr. Hein. Ah oui. Ouais, en fait, c'est une vision communautaire différente, mais c'est. Ouais, c'est clair que même chez les bourgeois, euh, même chez les bourgeois du, du prince de Bel Air, c'est vrai qu'il n'y avait que des renois. que il y avait que des renois. Ma famille d'abord, c'est que des renois. Euh, hein. Et c'est vrai que tu, tu, peux voir, tu peux voir, la destination des programmes. Euh... Et encore, euh, tu les deux séries que tu as citées, le prince de Bel Air, le Cosby c'était un peu des familles euh, afro-américaines qui n'existaient pas vraiment dans la vraie vie, mmh. très bourgeoises et, et très. Euh... Marginal au final, alors, euh, par à la ça c'est ça, ça c'est un, un petit peu tout le monde. À part quand vraiment le but d'une fiction est de te dé dépeindre la misère, d'ailleurs, il y a un arrêt sur image ultra intéressant sur le sujet qui nous parlait de nos fictions bien à nous en France, tu vois. Où on te montrait des personnages qui étaient censés être des prolos qui vivaient dans des grandes maisons de plein pied avec une piscine de 20 mètres de long et, euh, ah et, ouais. et le mec était censé être euh, bouché, tu vois. Aux États-Unis, ils font des progrès à ce niveau-là, mais c'est alors en la série française, c'est un peu compliqué. Hein. Moi, les deux dernières séries françaises que j'ai maté bah tous les persos quasiment c'est des gros bourgeois après bon c'était le bureau des légendes des barons noirs donc à la limite c'est compréhensible tu vois mais c'est bien baron noir c'est pas mal du franchement c'est très bien moi c'est le truc de l'aviateur là non non c'est euh, sur, sur la politique sur ouais. ah, <laughs> euh... <laughs> le baron rouge l'aviateur je sais pas j'ai découvert le truc récemment dans une vidéo de Didi Chamboulié je crois de Julien Drey baron noir d'accord voilà voilà. La dernière série française que j'ai regardée, c'est tapis, du coup. Tiens, il faudra que je fasse un adent là. Je voulais faire sortir la vidéo où on en parlait. On n'a toujours pas parlé d'ailleurs d'aimon faudra qu'on en parle Maintenant que je l'ai fini, alors je maintiens mon jugement, mais juste pour la scène, sans rien spoil. La scène très longue avec le procureur mérite à elle seule qu'on regarde la série, je trouve. On est d'accord. Et je, je, je pense que c'est de ça que les gens parlaient quand ils nous disaient vas-y regarde tout et après on en reparle et ça effectivement c'était bien bref euh, on va regarder donc un moment de gloire de Calivision Vision euh, qui a été euh, qui a été partagé en short pour votre plus grand plaisir par exemple peut-être ah, oui. considéré comme une façon ah parce que Keanu Reeves est à moitié hawaïen et en plus c'est <laughs> quoi et l'arrêt sur image est trop bien <laughs> Quoi? J'ai un câble en même <coughs> On pouvait plus. C'est du hurlement à la fin. Quoi? Beaucoup trop long. Pour <coughs> qu'elle idée des shorts. <laughs> C'est un short, un short. Oh non! Matrix, par exemple, peut être considéré comme une ah façon, Parce que Kino Reeves est à moitié hawaïen, et en plus c'est. <laughs> quoi C'est le... marrant parce que, tu, en fait, quand tu fais le quoi Et on dirait que tu deviens un corbeau, en fait. Ouais, J'aime euh, bien le... quand même. Alors, non, non, Asino, il est premier degré, hein, vraiment. Euh, c'est le, le niveau du YouTube ouais. ciné français. Hein. Et encore, et son moi, je. Suivant, Lui, c'est le plus subtil, hein. De, 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 de tous les droits d'art qui ouais. ont euh, ouais. des critiques son, son argument suivant c'était littéralement vraiment l'argument la phrase d'après c'était et en plus ils ont pensé à Will Smith pour jouer Kenny Reeves donc c'est Woke voilà mm. oh là là Calisterie, oui c'est compliqué hein. Euh, on, on disait, rigole. ouais, c'est euh, du coup euh, Tapi, ouais, c'est effectivement. Il y avait quelqu'un sur le chat qui disait, ouais, euh, la critique de Tapi est euh, très légère, oui, tu, le, tu regardes pas que pour ça, et oui, forcément, ça te rend Tapi un peu sympathique. Alors que, bah, évidemment, mec qui rachetait des entreprises euh, pour les liquider, et peu importe le coût social que ça avait, euh, c'est pas très très glorieux, tu vois. Mais Après, euh... ça en parle euh, dans, dans l'épisode 4. Ça en parle euh, et puis justement par rapport à son père qui, euh, lui, euh, mais, euh, qui lui lui dit euh, un petit peu ses quatre versions mais qui arrête au fur et à mesure euh, un petit peu justement euh, le développement de la relation avec le père c'est à la fin le père il est un peu euh, oui bon bah mon fils il a un peu raison quand même tu vois c'est bah, il le soutient parce qu'à un moment euh, il voit les attaques puis euh, je pense qu'il était divisé le père de tapis par rapport à la réussite de son fils quoi. Mais oui, euh, on est moi je trouve, ça moi trouve, trouve formé, la relation, euh, mais... je trouve que c'est un des meilleurs persos de la série, son père. Euh, euh, franchement, la relation elle est bien écrite entre eux et tout. L'interprétation de Laurent Lafitte elle est exceptionnelle. Enfin, hein, moi j'aime beaucoup. Je trouve il a, moi j'ai bien aimé bien voir entendre. François Rollin. Il a un rôle tertiaire, mais. <laughs> ah oui, c'est vrai, il apparaît vite fait. Et comme on a dit, ouais. la, la, la scène finale. Euh, avec le procureur, mais elle dit tout. Enfin, il joue trop bien, l'acteur. Ah, le mec procureur. qui joue le procureur, bah oui, c'est peut-être lui le MVP de la série. Hein. Bon, après, euh, ah, c'est Laurent Lafitte qui joue euh, Tapi, lui, il est très très bon. Oui, aussi, hein, mais, ah oui, c'est ça. Et euh, en plus, je trouve que ça parle bien de la tous la ces aspects de vie, subtilité, même si... Si vous êtes fan de Mediapart, ne regardez pas cette série, vous allez détester, <laughs> hein, clairement. Ah, Car vraiment. Ben, là... Je lis du Mediapart tous les jours et j'ai réussi à la regarder. Bon, par contre, ouais, les premiers épisodes, euh, je t'avoue que je trouvais ça bien fait, mais pas. Voilà, je, je ne ressentais pas ce besoin d'évasion dont parlait Ascar. Bah, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour décrire un peu le, comment il a commencé. Le là où il en était. Moi, je trouve c'est intéressant quand même, même si on passe beaucoup de temps là-dessus, ça te montre un peu de là d'où il vient, comment il a eu cette mentalité, comment il a réussi à se faire un peu un nom dans ce milieu-là alors qu'il en venait pas du tout à la base. Moi, je trouve c'est bien, c'est bien vu puis le parallèle avec Paul narev qui revient sans arrêt, non en vrai la série, elle est bien écrite, hein, on va pas se mentir. Hein. là-dessus. Et franchement, ils ont bien mis. Elle est les mieux moyens. écrite que la réalité, je trouve. <laughs> c'est peut-être le problème, clair. tu vois. Mais... Moi, c'est ah, clairement ouais. pour ça que je l'ai pas après, regardé. Il euh... y a des séries. Honnêtement, les affaires tapis, tu faire trois saisons dessus et mmh, ça mmh. Sera une série difficilement bitable tellement il y a des, des histoires oui finalement genre, moi je finalement. pensais qu'ils allaient qu'ils allaient finir le propos en vrai tu peux faire une saison 2 du coup parce que moi je pensais que ça allait ju jusqu'à sa mort et tout ça tu vois mais à ah, une saison 2 sur l'arbitrage avec sarkozy est ce qu'on perçoit le fait que c'est un, un homme de la gauche de pardon de la gauche cavière qui qui représente justement le début de la gauche caviar avec l'esprit d'entreprise. Alors, je alors, vois le caviar, je n'ai pas vu la gauche, mais... Euh... Alors, la gauche, oui, avec Mitterrand, euh, tout ça, mais ouais. euh, en, vrai, en vrai, pour répondre à ça, il parle du côté que Tapie était matrixé par le libéralisme et par l'entreprise, que notamment l'épisode... Euh, ouais. Ah, l'ambition, l'émission, là. De... L épisode, l épisode, là. Euh, ouais, d'ailleurs, euh, ça, c'est un truc inventé par la série pour en parler, parce qu'il n'y a pas eu de, de blocage syndical juste avant son émission, un truc mmh. inventé, mais euh, du coup, dans cet épisode là, ils en parlent très bien et des paradoxes que ça a. Et à la fois, il reste matrixé pour ça et qu'ils voit vraiment un moyen de réussite. Qui croit vraiment que la réussite, oui, c'est le biais de... du mec qui est parti de tout en bas qui a réussi. Qui s'est dit, bon, moi j'ai compris le truc, et même avec les meilleures intentions du monde, j'ai compris le truc. Il faut qu'ils fassent comme moi, les gens. Et, oui. euh, et, et, et qu'est-ce qu'il a fait bah, Le mec, il a affronté des échecs Et il s'est relevé Et à un moment, ça a fini par marcher Et puis à force d'obstination de travail de temps passé et, Sauf qu'en fait, il y a plein de gens et À force d'obstination de travail de temps passé Ils sont smicards en fait <laughs> oui, Mais ça. voilà, et... il a le biais ouais, du survivant et ça, ça montre ça la série, son côté un peu biais du survivant ça ne développe montre, pas après mais... ça ne développe pas assez peut-être mais ça le ça le mérite d'au moins un peu le montrer et ce côté gauche ça le suggère bien, sans même l'évoquer la série a un point de vue intéressant en gros et elle montre que Tapi s'est développé en parallèle dans le monde des affaires et tout et que c'est quand la gauche et que la gauche s'est ensuite intéressée à lui pour, euh, pour développer euh, pour sa, sa popularité avec Mitterrand et qu'en vrai, tapis en politique, il a jamais été très bon dans la série. D'ailleurs, il euh, y, y a des anachronismes dans la série. Il y a des trucs qui sont passés avant et d'autres qui sont passés après, euh, qu'ils ont un peu oui, mélangé. Oui. Euh... oui, mais par, par exemple. Euh, Notamment le, le moment des... où il a été approché par Mitterrand. Euh, pour être le, le, truc des tar... le truc des tartines, c'est 100% réel, par contre. Il ça, ça a vraiment oui. procédé ça comme projet politique. En gros, le seul truc <laughs> concret politique pour les banlieues, on va arrêter le blabla, on va leur faire des tartines de confiture. <laughs> voilà, fait par les grands-mères. Donc ça te montre un peu son niveau euh, en politique qui était pas très bon. Et euh, donc à ce niveau-là, ça en parle. Et ça parle aussi du fait que Cobb, il est resté un peu. En... Il a jamais été vraiment dans les codes totalement politiciens, un peu un peu euh, bourgeois et tout ça il a toujours été un peu en décage à ça et ah. il s'est fait lâcher par Mitterrand assez vite au final et à un moment il y a une réplique de son père euh, qui m'a fait beaucoup rire qui dit en même temps c'est des socialistes tu crois qu'ils allaient faire quoi d'un fils d'ouvrier voilà ah. ça m'a fait marrer ça, Alors, bien dit. Avant qu'on finisse la vidéo sur les Faflix, parce qu'on était là-dessus, souvenez-vous, euh, il y a 40 minutes, euh, je vais remercier les personnes qui ont aidé cette émission, à savoir Hopnast qui a fait un don en disant n'oubliez pas soutien des diamonds, Visitor G pour ses beats, merci à Clear pour ses subs. Merci à Bonnie pour son troisième mois. Merci à Pop. Pop-up la gaffe pour ses 5 euh, gifts sub. Euh, merci à toi Aska euh, pour les 5 euh, gifts sub aussi. Merci à Sodom Gimilic pour ses bits. Merci à Dopke pour son prime. Merci à Ocho le réacteur pour son raid. À euh, ah, Notclear pour son 16e mois, Noctoparoki aussi gift sub, euh, et toi qui avais Risub pour ton 10e mois aussi, est-ce que j'avais pas vu? Et merci à Iris Desmarais pour son 2 mois, normalement je l'ai oublié, euh, personne, ah si, et du coup, et euh, aussi Juki a fait un don tout à l'heure, Daniel, à toi. Alors juste parce que tu t'es marré sur le besoin d'évasion il y a quelques secondes, je te, ah. je te, signale, je te signale juste que t'es un streamer radio libre qui euh, pour s'évader avec des gros guillemets joue un jeu qui s'appelle Coffee Talk où t'écoutes encore d'autres gens parler. <rire> <rire> non mais justement, en fait, quand je bois mon café du matin, j'aime bien faire un chapitre où justement je donne euh, du café à des gens, tu vois je. Non, je non dis, mais comme ça j'ai sais... vraiment la... je suis dans un café tu vois je m'évade c'est très, pré... très précis que toi t'as pas du tout besoin de t'évader hein. t'es toujours euh, dans le même lore à écouter des gens parler que ce soit dans ton taf ou dans ton plaisir mais est-ce que je t'ai dit que les gens n'avaient pas besoin de s'évader mais non mais c'est pas ça que je te dis <laughs> bon bah, j'ai toujours rien compris à ce que tu me dis c'est t'es trop intelligent à ce que je... ça, ça dépasse mes compétences je ne comprends rien à ce que tu dis il y avait un glu patate il a peu ou tapis vieux disait le seul truc à peu près basé que j'ai entendu de lui bah regardons ça avant de reprendre Faflix on voilà, va <laughs> oui. jamais reprendre les Faflix Là, le fois, pouvait... ah c'est pas un short en plus ah il est bien oui' est le café être pauvre et oh, heureux vous parlez de l'époque où vous étiez jeune qu'est-ce qui a changé ce qui a changé c'est ce il y avait des Avec partis politiques et tout. qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres, c'était le parti communiste qui pesait 20% des voix. Toutes les municipalités communistes. Ah, c'est sûr que maintenant, à part distribuer éventuellement de la charcuterie aux gens. Toutes les municipalités communistes, avec des aussi. cours de musique, des cours de sport, des cours de théâtre, gratuits, comme c'était fait dans les pays de l'Est. Moi, j'ai appris le violon, mon frère a appris le piano. On a fait tout un tas d'activités sportives, parce que les municipalités à l'époque faisaient ça. Maintenant, tout est payant. Là. Bernard Tapie fait l'apologie du communisme. Et des... Maintenant, il existe des tarifs remisés. Avec des places limitées, j'ai vu au, au niveau de ma municipalité. Euh, C'est-à-dire, genre, vous pouvez avoir un abonnement pas trop cher pour faire du sport, mais ce sera euh, seulement le premier et euh, le troisième je, jeudi du mois, euh, et ça coûtera quand même jeunes. de l'argent. Et euh, dans la limite euh, des stocks disponibles entre guillemets, quoi. On a des passes jeunes, ouais. Et ça pour mes filles, ouais. Euh, bah non, ouais. moi je suis pas assez jeune pour avoir un page jeune, mais Les <laughs> pays de, la la de communiste ouais, dans Les communistes dans les villes, c'est ouais. mieux qu'est-ce qu qui vous fait rien. Hein bah, Où a priori, est... on n'attendait pas forcément. Et ben, vous savez, la différence entre nous deux, c'est que moi le soir, je mangeais du café au lait. Oui, ça ça pas... ne se mange pas un café au lait bah, du coup, toi, oui, tu avais si, la dalle. Heureusement qu'il faut dîner léger. Hein. Si hein. à l'ancienne, les... les prolos, ils. Enfin, ça. ça je... Ça se faisait genre du riz coré ou du café au lait quand t'avais pas les moyens d'avoir un vrai repas le soir. C'est pas l'ancienne, hein Ça, ça te cale pas. Quand t'as faim, il y a rien de pire que boire un café. Justement, ça te tord un peu l'estomac quand t'as rien dans le bide, je trouve. Bah, J'ai vécu une tartine généralement. J'ai vécu les six derniers mois où c'était café au lait, petit déjeuner midi et un repas le soir. Euh... Et fini, quoi. Il mangeait des tartines de confiture. Ah bah voilà, tout s'explique. Pas vous eh ben, c'est ce qui fait que mon père était communiste. Et que j'étais fier de mon père. Et que j'ai été heureux, pour revenir à ce que vous disiez, parce que notre bonheur était placé là où il faut le placer, c'est-à-dire la famille, euh, les enfants, la piscine gratuite, la musique gratuite. Un jour, je vous parlerai de ce que c'est dans les familles immigrées. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Euh, avouez que c'est surprenant d'entendre de dire. Est-ce que ce n'est pas plutôt Bernard oui, Je me posais la même question, Pujadas, il vient d'où Je comprends qui, Parce hein. qu'à l'époque, il y avait des perspectives et qu'on avait. Ah, Pujadas euh, oui, la sont typiquement que si on était pauvre, son enfant serait plus riche que soi. Écoutez bien, l'état dans lequel je suis me permet de vous dire, je veux bien qu'il y ait des pauvres, mais vous savez que les pauvres, qui sont pauvres, ils ferment leur gueule, ils sont cachés et ils pleurent. Ils ne sont même pas sur les ronds-points. Vous voyez Il faut savoir ça. Il y a des pauvres qui sont en dessous le seuil de pauvreté. Oui, ça c'était plus des travailleurs pauvres, mais euh, bah après le seuil de pauvreté... Oui, non, c'est en cité au SMIC. Normalement, t'es pas sous le seuil de pauvreté, je crois pas. Qui pas de quoi bouffer. C'est 60% du salaire médian. Ils font les poubelles. Parlons pas de la misère. Il y en a une. Et celle-là, je peux vous garantir qu'il faudrait un jour qu'on s'en occupe parce que je suis malheureux de savoir qu'il y a 5 millions de gens qui sont en dessous le seuil de pauvreté aujourd'hui. C'est comme ça. Si... Euh, si tu savais, Nanar, aujourd'hui, après le Covid, l'inflation, 6 euh, euh, ans de Macron, euh, les gens, ils mangent encore moins, tu vois. <laughs> Et on est à bien plus que 5 millions. Ouais. Ceux qui se plaignent de Mélenchon, j'entends dire beaucoup de mal de Mélenchon. Ah. Je vais vous donner un, un conseil. Priez pour qu'il reste là où il est, parce que tant qu'il sera là, lui, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Je suis pas sûr que ça sera la même chose avec euh... ceux qui veulent sa place. Vous parlez d'une alliance entre la France insoumise et le Front National, à l'italienne entre guillemets. Oui, ça et va, ben tant que Mélenchon sera là, vous le ferez pas à voter pour le Front. National. Oui, parce que j'allais dire moi, des, des gens de droite qui euh, en, l'envisagent, j'en vois beaucoup. Hein, euh, moi, je serais pas très bah, étonné oui. de voir euh, Ciotti, qui est quand même euh, le patron des, de LR, euh, faire un jour alliance. Euh, euh, que ce soit de circonstances ou... et plus ses affinités, que ce soit avec Reconquête ou avec euh, le RN. D'ailleurs, il a dit qu'entre euh, Macron et Eric Zemmour, il se sentait plus proche d'Eric Zemmour. Hein, mais mais euh, c'est un des derniers remparts. Eh bien, euh, le, rempart, le rempart qui bah doit merde, ouais. abattre la citadelle, en tout cas qui nous a montré le chemin. Espérons qu'il continue d'aider encore un peu s'il n'est pas trop vite sorti de l'arc républicain. Effectivement, c'est dommage que. T'as vu qu'on revient sur cette image-là de Titeuf Voilà, c'est Dieu, le sexe et les bretelles. Voilà, alors après Nanar, regardons. Non, mais c'est parce que, souvenez-vous, c'est les fachos, ils se faisaient appeler Titeuf aussi, je crois. Titeuf, oui. en référence aux personnages de BD, parce qu'ils sont très jeunes. Le plus jeune n'a que 14 ans. Et Pour les gens qui nous rejoignent, c'est des, des fachos, ils tabassent des gens, des collégiens et des lycéens dans la rue. Que tous sont mineurs, ce qui ne les empêche pas d'être très violents. Dans les Faflix, nous avons découvert un compte-rendu rédigé par les militants d'extrême droite. Il nous permet de retracer les minutes qui précèdent l'agression. 17h35. Les fachos se regroupent dans un parc à proximité du lycée. Ils sont une vingtaine en tout. Les gudards en amont nous préviennent d'une présence ennemie aux abords du lycée. 17h40. D'accord, et les gudards les préviennent. Donc, ah, c'est les fachos qui parlent. Là. Mais les fachos s'appellent eux-mêmes les fachos. C'est marrant. Bah, Au moins, oui. hein, ah, oui. non, ils mais... disent les choses. Entre eux, ils, non, se, oui. ils se reconnaissent. Oui, bah, oui tu es facho, je suis facho. ils sont fachos. Euh... Non, mais là, là on a les groupes violents qui se cachent pas, euh, qui mettent des croix celtiques sur des Pokémon. Euh, voilà quoi. Hum. Oui, mais ils vont te dire que non, c'est une référence. à Rien à voir. Euh... À De Gaulle. <laughs> c'est une référence. Voilà. Le fascisme, c'est une idéologie de gauche, monsieur Soro. Donc nous ne sommes pas fascistes vu que nous sommes d'extrême droite. C'est pour ça j'ai fait une vidéo pour répondre une fois pour toutes à ce truc-là, parce que j'en pouvais plus. Il y a plein de gens qui se revendiquent et qui sont fiers d'être racistes, ça existe. eux notamment. Je le monde est dans une du lycée pour ne pas se faire voir. Ils se préparent. Ils enfilent leur cagoules les grands coquets, prêts pour le choc. À peine 30 secondes après, ils chargent ensemble en criant Paris hooligan La scène est magnifique. Les Sarrasins restent figés. Car Sérieusement, crois... le, le mec, le, le, le niveau du mec, il est bloqué. Comment ça s'appelait ce film là déjà euh, Les visiteurs. Il parle comme dans Les visiteurs. <laughs> oui, c'est vrai. C'est goûteux. Mais, 3, mais bon sire, les Sarrazins, ils nous attaquent, c'était dans les visiteurs, ça. Sauf que le mec oui. avec l'excuse de venir du 13 siècle, quand même. Ce qui, a priori, n'est pas ton cas, même si ton idéologie... Elle... Bon, bref. Mais ça, c'est sure. les... les jeunes fachos de Discord, ils bandent beaucoup sur les croisades et tout, ils se prennent pour des chevaliers croisés, bon. alors que c'est juste des mecs qui se battent entre qui eux... Dans la base des collégiens, il y voilà. comme une bataille épique le fait qu'ils ont tabassé des collégiens, c'est quand même ça qui qu Oui, c'est... Et... Alors après, quand même, le lore qu'on passe par Bolloré, le milliardaire Onfray ou Zemmour, c'est le même, hein. c'est toujours à parler de croisade, guerre civilisationnelle et compagnie, hein. ce n'est pas juste les jeunes... D'ailleurs, Bolloré euh... parle directement d'une mission civilisationnelle. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur ça... Euh, le niveau chrétien contre musulman pour analyser les croisades, c'est comme mmh. le conflit israélo-palestinien, c'est le niveau 1 de l'analyse, ça va pas très loin. En vrai, mmh. les raisons des croisades sont bien plus profondes que ça. Mais Déjà ça de la géopolitique pas. de l'époque, oui. Ouais, c'est ça. Et salut Chira, nuit. J'ai, car surpris de la scène. La suite de l'agression, on l'a en image, dans des vidéos tournées par les jeunes néonazis. Quoi ça Ça, c'est que ce que eux ils filment, hein. C'est armé de béquilles. On a une seconde vidéo qu'on va regarder là, plus en détail. Il y en a un qui a pris un vélo aussi, il n'y a rien à voir La bande marche sur le bord de la rue des Frambourgeois. L'un d'eux porte une pancarte en carton. Si on s'arrête sur l'image, on devine une croix celtique, l'un des symboles favoris des néo-nazis. Ils tournent ensuite dans la rue de Sévigné et chargent. On entend leur slogan, Tendez Jambon « Tendez l'oreille ». Jambon ou ligane Jambon ou mais non seulement ils sont d'extrême droite, mais je, je, le niveau des slogans. Est-ce qu'on est qu en parle en fait Jambon ou Ligan. Jambon c est, c est, Ils sont aussi ridicules. Vous vous souvenez là, les fachos qui euh, 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 ils faisaient des, ap des apéros euh, saucisson vin rouge et à un moment les gens disaient ouais c'est un peu bizarre oui c'est un truc social oui mais c'est que euh, c'est que des trucs à base de porc et d'alcool. Oui histoire de bien exclure la soupe, certaines personnes. Il y avait ah oui, je sais de... avec du porc dedans, il y avait ça, ouais. et, oui, et, Aion, je et, et je crois, et je crois qu'il y avait une confluence euh, de d'une euh, d'une manif du coup qui protestait contre ça. Alors je sais plus si c'était le même truc, il me semble. Et que euh, en fait il y avait euh, des, des fachos, en fait y avait, ils ont vu des, ils ont vu euh, quelques rebelles arriver et ils ont pris euh, ils ont pris des saucissons, ils les ont attachés au bout d'un pic et ils disaient arrière arrière comme ça en, en brandissant le saucisson comme si c'était une gousse d'ail devant un vampire ou j'ai pas très bien compris c'était quoi leur délire. Ils sont dit ça. Ah, c'est ah le oui, point faible, c'est leur point faible, le saucisson. Ah mais c'est C'est le même niveau. Me... À l'époque, euh, les, les gamins de 15 ans de JVC qui se prenaient en photo devant des boucheries à l'al en train de bouffer du saucisson, quoi. C'est ce niveau-là. Que, quel niveau de subversion. Ouais, après, franchement, voit... après la vidéo de, de Tapi, moi, je trouve ça précis hein, parce que l'État recule, la précarité avance et on a effectivement des mafias de droite qui se reconstituent. Ah, et qu'ils bien sais... leur beurre là-dessus, oui. Et, et ça serait pas mal qu'il qu y ait aussi des mafias de gauche qui se reconstituent, parce que, non, mais... ce, que parlais, ce dont parlait… Tu veux faire interdire mon émission, je sais, Aska. Aska, J'entends ce pas... que tu as à dire. Mais... Oui, <laughs> oui, en j'entends son argument. Quand il dit mafia, c'est en fait la, maf la mafia en Italie, c'est ce qui prend la place de l'État quand l'État est défaillant. Donc c'est une étape… Un peu final d'un état qui est en train de, de partir en couille. Hein. C'est ça, le, la réalité. Comment Je ne vais pas ouais. te ma phrase, ils m'ont tous sauté à la gueule, non, quoi, alors que c'est génial. Tu sais qu'actuellement, ça peut vraiment. Si tu proposes de faire des mafias de gauche, là ils essaient de trouver des terroristes de gauche juste parce que les mecs ils ont fait du jus de fruit, ils ont fait sauter un pétard, ils ont fait ça. Donc on peut passer pour une apologie du terrorisme très très vite. Surtout en plus je prenais comme référence Tapi parce que justement avant que l'État prenne en charge les cours de musique, les machins, les bidules, c'est parce que tu avais des organisations comme les communistes qui sans que l'État leur fasse faire quoi que ce soit. Ils en sorte de prendre en Mais charge l'éducation. Ils les, les, ils avaient des mairies, ils étaient dans l'État. les communistes Avant, avant qu'ils aient des mairies, avant que les gens si sont... ils pu élire à la tête des mairies, ah, oui. ils avaient okay, des associations. Alors, faut que tu comprennes que avant que les communistes ils aient des mairies pour que les gens ils votent pour eux, c'est parce qu'en fait sur le terrain ils faisaient en sorte de s'occuper des gens. Mais parce qu'ils. Alors, alors pourquoi Mais Ça c'est pas communistes... la mafia. <laughs> alors pourquoi les communistes ont des mairies Parce qu'il y avait un parti le... politique et des associations. Alors, euh, peut-être qu'il y a eu des histoires un peu mafieuses au sein de ces, ces des de partis politiques. ce en n'est fait, pas, mais le sens pas, du pas mot une mafia toi. au sens euh, mafieux. Oui, parce qu'on enfin, qu n'a si pas, qu pas le même sens du mot mafia. Comme vient t'expliquer, Cali, si tu l'avais écouté, la mafia, oui, c'est ce, ce qui prend en charge la population quand l'État n'est plus là. Genre, par exemple, imaginons oui. un lendemain de guerre après 1945. L'État hein. est en ruine, d'accord Qui c'est qui s'occupe que les gens ils aient à boire, à manger, qu'ils aient accès à l'hôpital, qu'ils organisent des gens pour construire des trucs, etc. Et ben bah, c'est pas spécialement l'état, c'est plus des groupements auto-organisés de gens et que tu peux en fait tout simplement associer à ce qu'on appellerait être une mafia, c'est-à-dire que c'est des groupes avec des mais si... ok. On met un autre mot dessus, mais factuellement, oui, parce que mafia, mafia, c'est des mots qui définissent des criminels, oui, parce que c'est comme terroriste en fait. Mafia, non mais non mais non mais, mais arrête hein, tu vas pas me faire dire, dire à tout le monde non mais je sais Dieu, pas est-ce que, bon que de l'autogestion qui fait du social euh, ça s'appelle forcément le meilleur mot pour le décrire c'est la mafia je sais pas hein. bah non le parce maf... que la Moi, mafia je, je, je dans, dans l'usage le... je comprends qu'on qu fait et, et puis, tu, et tu, et tu vas et en plus tu vas faire peur aux gens tu vois donc oui, contrairement à théoriste il si y a une définition de la mafia il y a vraiment marqué dedans. C'est une sorte d'organisation criminelle, la mafia. Je veux dire, hmm. qui agit par le racket, l'intimidation, euh, et euh, qui non, a agi protège dans les gens. Oui, bien sûr. Oui. Bref, est-ce est qu est qu'on okay. finit cette vidéo un jour ou pas, s'il vous plaît Vois qu'ils sont équipés. Deux d'entre eux au moins ont une béquille ah, qui va servir. Comment si j'en demanderai pas, je suis pas d'accord. Exemple... On sait que tu pas d'accord, mais on a entendu que sur plein de sujets où on n'est pas d'accord, qu'en fait, on en parle pendant 40 minutes et qu'à la fin, en fait, on n'a pas forcément beaucoup avancé. Bah, c'est en... toi qui as raison, hein, mais, euh, mais en non, fait, c'est pas, une... <laughs> pas une question d'avoir. Mais n'insiste pas, mais... Amenez, claqué, Parce que là, là, ça va faire claqué. un débat de 40 minutes sur ce que toi tu veux dire par la mafia, et on te dira qu'on n'a pas la même définition et tu... on va juste répéter ça en boucle. Donc, euh, si on pouvait éviter. La jeune garde à Lyon ne protège personne, du coup. Assiste pas, tout le monde te dit que, que c'est claqué, assiste pas, c'est tout. Non, euh, tout le monde ne disait pas que c'était claqué. Qu'est-ce que vous me mettez Ces plans du 14 juillet Qu'est-ce que ça vient faire dans votre téléphone Demande le juge. Euh, je sais pas ce que c'est. Euh, je sais pas ce que c'est. Les photos qu'il a dans le dossier sont fausses, je n'ai jamais vu ça. Non, mais. En plus, ouais, c'est une photo, c'est pas une vidéo. J'ai aucune idée ce que c'est, donc euh, explique-nous, euh, Sodom. Mais voilà, moi, je t'avoue j'aimerais bien qu'on finisse la vidéo qu'on a lancée il y a une heure et demie et qui fait 9 minutes. Si vous le voulez bien. Servir d'arme. Gant. Tendez l'oreille. Parce qu'on partait de ça à la base. Hein. On voit qu'ils sont équipés. Deux d'entre eux au moins ont une béquille qui va servir d'arme. Ah, il a je pas l'air d'en avait... avoir besoin pour marcher vu qu'il court sans. <laughs> Donc Alors, En on... deuxième écoute, j'ai cru entendre qu'il disait debout, Ouligan, et pas le jambon. Mais, euh, et, on mais va le... pas faire et un lui, troisième replay, moi j'ai bien entendu jambon. Allez, bon. Ici, on voit aussi une gazeuse dont ils feront largement usage. L'agression est très brève, moins de deux minutes, mais violente. Les coups n'apparaissent pas dans le champ de la caméra. Bah, c'est en... ça, c'est. Euh... On s'organise, on target des, euh, des cibles qu'on est sûr de dégommer et après on s'enfuit en courant. Là. Pour espèce de. Ça va l'air d'être une insulte. Espèce euh... de Street Press a pu s'entretenir avec l'une des victimes. Il n'a dit-il rien à voir avec cette affaire il n'est même pas scolarisé au lycée Victor Hugo. Il avait ce jour-là simplement rendez-vous avec des potes sur le parvis de l'établissement. Il était venu avec son petit frère. Cette victime n'a que 15 ans et souhaite garder l'anonymat. C'est pourquoi nous ne l'avons pas filmé. T'as pas de chance, le mec. Hein. Il se donne rendez-vous sur un bahut qui est même pas le sien et il se fait cueillir par des facho. Mais nous allons simplement lire des extraits de son témoignage. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi et me met un châssis sur le torse. Je vole car je suis un peu léger. Il y a plusieurs personnes qui arrivent et me mettent dans un coin et commencent à me frapper. Moi, je me protège la tête. Ils m'ont collé à la porte du lycée, au mur. Ils commencent à me frapper. J'ai pris un coup de spatule aussi. De spatule Ils me disent course à le Quand ils m'ont dit ça, j'ai pas couru car c'est un sentiment, j'ai de la fierté. Et du coup, j'ai pas couru. Ils se sont rapprochés, je cogne, un, deux, et je cours quand même. Oui et bah là, la fierté est épargnée si t'en as coup deux, mec... Pour, on court, et j'ai aucune nouvelle de mon frère. Finalement, on s'est retrouvés au KFC de Bastille. Moi j'avais du poivre partout sur les mains, dans les yeux. J'avais un copain qui saignait énormément. Il a eu des points de suture. Il y a un autre gars qui s'est fait tabasser, écrasement de tête, etc. Écrasement de tête Ils ont tapé les gens qui étaient sur le trottoir. Ils ont frappé un noir, une fille d'origine asiatique, des filles sur le trottoir d'à côté. Et à, à la base, ils n'étaient pas censés... Ça ne devait pas être une tape organisée contre d'autres gens, où je sais pas, où il n'y avait pas les autres gens, où ils, ils ont juste ciblé des gens au hasard. Oh, « Regarde, une Asiate oh, Regarde, un Renoir et, !» Et ils ont connu. Non, mais mmh. comme j'ai bah, dit... Après... Euh, Vic... Victor chaud, Hugo, c'est réputé un peu un lycée de gauche, tu vois, dans ce dans le milieu des lycées parisiens. Ils se sont dit, on va aller taper du gauchiste, sans être plus précis que ça, et ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont tapé du gauchiste, et après ils ont tapé sur tous les noms blancs qui avaient aux alentours, quoi. Ah, peut-être, oui, ça c'était la prolongation de leur affrontement, tu penses Comme ils amorcent là-dessus, mais qu'ils n'en parlent pas, du coup, je. Ils je ont une montée principe, lieu, mais euh... Ils ont une mmh. montée d'adrénaline, de testostérone, ils se défoulent... Euh, voilà quoi. Le tabassage voilà, voilà. ne dure même pas deux minutes. Et sur place, personne n'a le temps de réagir. Une dizaine de lycéens ont pris des coups. Une fois la ratonnade terminée, les agresseurs se dispersent, avant de se retrouver un peu plus loin pour faire une petite photo de groupe. C'est... Il y a vraiment un mec avec une spatule, mais ils sont complètement fous, ces mecs. Non mais ça, à la base, c'était fait pour faire des casserolades. C'était quelque chose... Euh... De positif, c'était quelque chose de pacifique. Et regarde, même les casseroles, ils arrivent à les salir. C'est une tradition dans le milieu après chaque action coup de poing. Ces photos servent ensuite, en général, à revendiquer l'action. Pierre, à qui appartient le. Comme un groupe terroriste. Téléphone dont sont tirés les Faflix, va d'ailleurs insister pour que sa bande revendique la ratonnade. Il en discute avec Tristan, un autre membre de la division Martel, écouter l'échange. Pourquoi on sort pas l'action des Arabes qu'on a fait là, il y a trois semaines Parce que des actions comme ça, des Français qui nient des Maghrébins, c'est pas tous les jours qu'il y en a. Genre tu vois les patriotes euh, qui voient ça, bah, ils bandent dessus. Ok, bah va falloir m'envoyer l'intégralité de tout, genre les screens, les machins, les provocations, puis la réponse euh, en vidéo. Et je veux bien faire un montage, parce qu'en plus mon montage va se repailler, il la sauté. Mais je pense que là ce montage il va être assez radical aussi et je risque de voir euh, mon compte de être se être se un... ça, ça, ça doit être une, une chaîne d'extrême droite, 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 oui. Hmm. une chaîne Telegram où ils partagent des, des montages on, on avait vu dans la précédente épisode qu'ils faisaient des montages avec des musiques euh, des oui, remixes genre, euh, hum. de Frisk Corleone et tout euh, ah je bon ah, j'avais pas vu ça <laughs> ah, si si je te jure à un moment il y a un remix funk de Frisk Corleone et euh, le montage est fait sur euh, littéralement une ratonade voilà en fait c'est vraiment des genre, jeunes de 17 ans racistes quoi c'est D'accord, mais en fait, ils, ils, ils reprennent, ils s'en foutent qu'il n'y ait pas de cohérence du coup, ok. Bah, ils, ils, faire ont strike. Euh, ils ont la culture de leur génération, mais au service d'idéologies racistes, raciste, quoi. Et du coup, qui contredit un petit peu une partie de la culture. Que, vois, les mecs, euh, ils, ouais, ils écouteraient du Cro-Blanc toute la journée, tu vois, mais... Bah, C'est pas théoriciens, des, théoricien aussi, je, hein. pas. Ouais. des théoricien. je risque de voir mon compte sur Europae se faire strike et censurer, mais on peut toujours essayer. À ce moment-là, ils fanfaronnent, mais ça ne va pas durer. C'est d'abord le message d'une adulte sur Instagram qui les inquiète. Ils comprennent qu'ils ont été identifiés, et envisagent de retourner menacer les victimes. Ils en parlent dans une note vocale, écoutez. Là, effectivement, on dirait plus la mafia, je reviens sur Asuka. C'était pour te dire, tu vois, quand on a fait la descente, les nunes, là. En gros, là, il y a un compte bizarre. Oui. Ah là, c'est la vraie voix, là, par contre, c'est pas un redoublage. Euh, là, il euh, y a un compte bizarre, en gros, il m'a DM, euh, il parle au féminin, et euh, c'est pas genre, euh, c'est un compte, on dirait c'est une daronne en fait, c'est une daronne qui parle, genre avec des points, virgules, etc. <laughs> et juste parce qu'il a vu des points, des virgules, bon après, c'est dans la formulation, oui, tu identifies un peu la joie à personne, mais et je sais pas s'il mettre des, des points, c'est... C'est être une daronne. Okay. Et qui me dit euh, qu'elle a vu une vidéo, je sais pas quoi, du coup, euh, pour savoir s'il y a une vidéo qui a été partagée de la descente. Si ça porte plainte, etc., on, on est dans la D. en gros. Je sais pas, faut essayer de les choper peut-être encore une deuxième fois et vraiment les choper un par un et leur mettre des coups de presse. Oui, vas-y, aggravez votre cas, oui, les gars. Est... <laughs> bon, ils malheureusement, font... euh, oui, euh, généralement, il leur arrive pas grand-chose. Hein, mais... Heureusement pas. Et quelques jours plus tard, c'est dans un commissariat qu'ils vont devoir s'expliquer. On a pu échanger avec un fonctionnaire de police. Nous a détaillé comment ils ont pu les identifier grâce aux caméras de surveillance et aux données mobiles. Le 13 juin, 12 d'entre eux ont eu leur domicile perquisitionné à 6h30. Ils ont ensuite été placés en garde à vue. Street Press s'est procuré la liste des suspects. Rappelons qu'ils sont présumés innocents par la justice jusqu'à leur procès. La... Violence aggravée par trois circonstances pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'entre eux. Et pour les cinq autres. Violence ah ouais, aggravée on voit par les... trois circonstances, mais c'est la même chose. Ah oui, d'accord, c'est juste les de dates qui changent. Sont... On voit les années mmh. de naissance des mecs. Et on voit ouais. que le plus, le plus vieux, donc il a 24 il 99, ans. Ouais. Et le plus jeune, il est. Bah, 2007. 2008. À ah, ouais. 15 ans. Waouh. T'as 15 ans et tu fais des ratonnades. J'espère que tu vas très. Après, c'est à 15 ans, t'es pas formé, hein Peut-être que ouais. le mec il va totalement changer. Ouais, j'ai connu un mec qui, euh... alors quand je l'ai connu, qui était en mode euh, rasta et tout, et il m'a dit que, enfin, rasta, rasta blanc, tu vois. Mais euh, et euh, il, il m'a dit que plus jeune, et alors, franchement, quand tu le, le découvrais des années plus tard où il était toujours en mode, oui, peace mec et tout ça, il me disait, bah moi, j'étais un gros skinhead et euh, et on, on, on attaquait dès qu'on voyait un Renoir dans la rue, on allait l'attaquer, etc. Tu vois. Dit, ah ouais, truc de ouf et tout. Et, euh, et en fait, bah à la fin de l'adolescence, le mec il a pris un petit peu de plomb dans la cervelle et. Et bah heureusement qu'il a changé, tu vois. Donc, euh, bah après, je sais pas. Est-ce que ça s'équilibre entre euh, ceux qui euh, vont arrêter d'être des fachos euh, ou qui se sont fait embrigader euh, dans un truc et qui avaient un effet de groupe, etc. Un sentiment d'appartenance, tout ça. Euh, Est-ce que ça s'équilibre avec les gens qui euh, deviennent cons et de droite en, en vieillissant Je sais pas si. Bah, euh, je pense que dans la balance il a, risque il y en a beaucoup. Il y en a, je pense, qu'il y en a beaucoup qui ça s'agit, tu vois. Mais qui gardent des opinions bien fachos, tu vois. Ouais, a, genre en fait, plein... ils passent du gude au RN, ils mettent un costume, ils font un peu plus attention à comment ils disent qu'ils détestent les Arabes, mais c'est tout quoi. Et ça, ça me rappelle un sketch de Groland sur ça, mais bref. La première chose qui frappe quand on regarde ce document, c'est le très jeune âge des agresseurs. Neuf d'entre eux ont entre 14 et 17 ans. Les trois autres ont 18, 20 et 24 ans. Pour au moins trois d'entre eux, la procédure a été classée sans suite. Le parquet de Paris nous a expliqué que même s'ils étaient à proximité de l'agression, il n'a pu être prouvé qu'ils y ont participé. Mais tous n'échapperont pas à la justice. Pierre et Louis, qui ont plus de 18 ans, passeront devant un tribunal le 7 mai 2024. Ils sont mis en examen pour participation avec arme à un attroupement et violence commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. En clair, la justice retient bien le caractère raciste de l'agression. Les mineurs, eux, bientôt, ils vont récompenser ça, non ne seront pas jugés en même temps. On sait seulement que quatre d'entre eux vont passer devant le tribunal pour enfants. Comme ils ont moins de 18 ans... Attends, le... si, si vous voyez, il y aura un, un numéro SOS arabe. Si vous voyez un arabe dans la rue, appelez tout de suite le ministère de l'Intérieur à ce numéro oh, vert, etc... Bah, si, moi je pense d'ici dans... 2-3 semaines, on est mûr pour ça, tu vois. Le procès oh, se tiendra à huis clos, c'est-à-dire que personne ne pourra y assister et qu'on ne connaîtra pas le verdict. C'est la fin de ce deuxième épisode. Bah en ce moment, si. Euh, en ce moment, bah, ils vont être par Darmanin. C'est sûr. Arabe égal pro-palestinien, égal pro-hamas, égal terroriste, égal euh, euh, appeler tout de suite le JPN, tu vois. Ils Donc, peuvent avoir euh... la légion d'honneur par Darmanin plus tard si Darmanin devient président de la République. Normalement, ouais. Même ils peuvent devenir ministre. Euh logiquement oh, il y a des chances il y a des chances ah bah, il y a eu des parcours comme ça hein. euh, on en a vu sur Blast euh, c'était douste ah, alors je crois il y a, en gros c'est un trio de l'UMP de l'UDR enfin, des partis de droite qui ont gouverné la France c'est un trio d'anciens ministres Gérard Longuet douste ouais, et, ouais. et Alain ouais. Madelin et les trois ouais, ils ça. étaient membres d'Occident quoi <laughs> qui était un groupe vénère comme ce qu'on a vu à l'image qui tabassait des étudiants Ouais, c'était un groupe traduces, euh, dans les années 60, je crois. Oh, Devedjian, ouais, -de Jean aussi. sympathique. Alors... Devedjian, -de Devedjian, -de c'est ça. Ouais. Ouais, Devedjian. -de de -de c'est ça. Ouais, D'accord. Bah, qui, euh, qui voulait faire une petite conclusion avant que nous rendions l'antenne Alors, c'est qui qui se frotte à son micro Je sais pas, sensuellement, nous faisons de la SMR, oui. Là, là, je suis je en train Christ. de faire autre chose si vous pouvez regarder. Euh, du coup moi juste un truc à dire là dessus j'aimerais juste qu'ils rajoutent temps temps, sur ces reportages euh, les maraudes qu'ils font où en fait ils viennent en aide aux SDF euh, seulement les SDF blancs euh, pareil tout à l'heure tu parlais de soupe populaire il y a aussi des bails de euh, s'occuper des petits vieux blancs toujours et français de souche comme ils les appellent etc parce que je pense que toujours parler de leur violence ah, c'est euh... ça qu'ils disent de toute façon ils le disent avec euh, cette phrase là qu'ils répètent tout le temps les nôtres avant les autres parce que si vous n'êtes pas de la même couleur de peau, vous êtes les autres. Oui, hein. mais ça a pas de matérialité pour nous. Et du coup, c'est un peu le pour nous, pour nous à gauche, où à chaque fois en fait, on leur renvoie ces images de violents, etc. Et c'est toujours l'argument en mode, euh, c'est des fachos violents, naninanana, Alors ah, qu'en fait, non, mais ce n'est pas, non mais en tant que... en, en tant que en tant que ce n'est pas que ça, c'est des gens euh, qui ont euh, l'empathie à géométrie variable en fait. C'est hein pas juste des monstres sanguinaires. Euh qui sont là pour, euh, qui sont là ultra violents quoi, c'est vraiment en mode bon, des bon, gens après qui sont... eux en l'occurrence je pense pas qu'ils fassent des trucs d'aide et tout, ça a l'air d'être vraiment juste des mais... débiles, des, des, des racailles quoi, au final. C'est pas les mêmes ceux qui distribuent euh, de la soupe au porc et ceux qui tabassent euh, des noirs dans la rue. Même si, il faut, ils ouais, votent ouais, pour les mêmes gens ça par contre. Faut comprendre que dans le lore d'appartenance à une tribu qui justifie le fait qu'ils fassent ça, ça joue dans le fait qu'il reste dans ce genre de truc là parce que il, il se considèrent un peu on va dire comme une armée en croisade où as, Christ a toujours ton micro qui souffle c'est un peu comme une armée en croisade, où en fait, bah, t'as l'avant-garde qui tape, t'as l'arrière-garde qui prend soin, et t'as ceux qui nourrissent, etc. Et surtout avec une vision qui est beaucoup plus traditionnaliste, où avec, ils ont beaucoup plus le lore de, des femmes qui font la couture, qui restent à la maison, la cuisine, etc. Et donc il y a un peu ça, aussi ce dispatchage de rôle qui est euh, bien, plus, euh, bien plus assumé que dans d'autres euh, types de, de, de militantisme. quoi pour le même donc j'aimerais bien un peu plus voir ce truc-là, histoire que les gens aussi comprennent un peu mieux à, à quoi on a affaire aussi, quoi. Eh bien, espérons que ton euh, message sera entendu et ne sera pas l'être morte dans une bouteille du désert. Ça ne se dit pas Eh bien, euh, je vous propose d'inventer l'expression. Est-ce euh, que quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose, Kali avant que nous rendions l'antenne, est-ce que tu voulais Non, et bien, merci beaucoup. Il est 23h, c'est le plus long couvre-feu de l'histoire, je crois. C'est mon plus les long live les... de la semaine, paradoxalement. On a trop parlé. Un seul live court. Le plus long bah... couvre-feu de l'histoire Non. Je crois, je crois bien. Si, ouais. si, si. peut-être. Hein euh, mais euh... Bah, ça, c'est ah, toujours le problème. va le placer, mais je. C'est toujours là. le problème, c'est qu'en fait. C'est pour ça que généralement j'aime bien euh, avoir fini de faire les réacts avant de faire monter les gens parce que si tu fais un react avec les gens et bah du coup euh, le... ouais un react de 9 minutes en prend euh, 45 quoi. Donc c'est toujours non, mais... plus compliqué. J'espère un... que Leçon, ça vous a me... plu quand même. Je me muterai les prochaines fois. Non, mais c'est pas spécialement ouais, à, à cause de toi, Bora. Euh, non, mais je dis ça du modo, donc il faut que je donne un peu l'exemple. Effectivement, tu pourrais. Je vous propose qu'on se laisse chez Cassandre pour éviter les bruits de la personne qui mange son micro. Je ne sais pas pourquoi. Ne bougez pas, montez toutes et tous dans le raid. Dans le raid de l'amour, dans le raid de la vie. Dans le et raid. C'est euh... quoi C'est la iron, la, la chaise qu'il a non, je suis jaloux de la chaise de Cassandre. Non, Cassandre, il a... Alors peut-être qu'il l'a plu, mais à une époque, il avait une chaise horrible qui coûtait 1200 euros. Une espèce de chaise design de bureau. Mais c'est ça C'est ça C'est... Non, non, c'est pas celle-là. Non, non. Il l'avait montrée, c'est pas celle-là. Elle ressemble. Bref. On se retrouve chez Cassandre les gens. Si on se revoit pas d'ici lundi, je vous souhaite un bon week-end. Et sinon, je vous ferai peut-être un stream supplémentaire ce week-end pour me venger d'avoir eu que deux lives finalement. Et ça, c'est triste. Merci d'avoir subi ce couvre-feu 118ème du long. Ciao, ciao. Ah, pourquoi le bonne nuit, il a fait... Ça m'a allumé des lumières, paradoxalement problème de, de... Genre ça dépend... Ah, genre que... s'ils n'ont pas de musique copyrightée pour leur le live. La dernière exemple, fois c'était chez Trotsky. Fait, euh, genre, ça m'a dit qu'il a redire... <laughs> des... Ah ouais, moi aussi ça m'est arrivé ça... Et que Arrêtez de, de, de y mettre y des musiques copyrightées copy quand on pouvait. Ah c'est peut-être copyrighté. Ah non c'est bon, ça va. C'est copyrighté c'est caché... Si tu vois genre par exemple elle c'est évident que les gens qui pas vécu le live... C'est leur live qui bug ou... Non non leur live il est bien. Moi j'entends bien. Il y a des coupures chez moi ah, c'est Il que... y a une coupure de un, euh, euh, un quart de seconde toutes les secondes et demie, tu vois. Ah bah est Attends. Quand est-ce que tu reviens sur YouTube, euh, Damon Jamais Peut-être, ouais, on verra. Gays, tu sais, non, ça, sérieux, j'aimerais...